Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis encore une fois. On est samedi aujourd'hui, samedi soir, nouveau live qui était pas trop prévu, mais hier les gars je vous l'ai promis hier, je me suis dit vas-y, on n'a pas découvert encore tout le DLC. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir tout ce qu'on n'a pas découvert encore. Il y a encore tout le Portugal qu'on n'est pas allé, il y a une partie de l'Espagne qu'on n'a pas encore fait les gars. Donc yo le chat, j'espère que vous allez bien. Est-ce que mon live se lance? Mon live se lance, magnifique les gars. Bon, est-ce que vous avez passé une bonne journée? C'est samedi, dans tous les cas vous n'avez pas cours, vous êtes en vacances pour la plupart des gens. Donc yo tout le monde. Yo yo, salut Ilou, salut Ganel. Et Ganel est toujours là, Ganel est toujours chaud. Salut Simlac, salut Manuel. Et allez, les chenilles, ça repart. Et mec, ça va s'arrêter quand ça, les chenilles? C'est pas possible. Salut Alexandre, salut Matt, salut Naël, salut Astrid, salut Florian, salut Ludovic, salut Pascal, salut Delphine. Oui, yo yo yo. Ah, le chat s'enjaille, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, on va voir, on va faire un petit live. Vous avez vu le titre? Est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait écrit dans le titre? Je roule toute la nuit si il le faut. Là voilà, donc en gros les gars, je vais jouer, je sais pas quand je m'arrêterai, quand j'en aurai marre, je vous le dis, quand j'en aurai marre, quand je serai fatigué, je m'arrêterai de jouer. Donc ça se trouve, on va live pendant 3 heures, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 12 heures, non peut-être pas 12 heures, mais voilà, vous avez compris quoi. Salut Shador, t'es le meilleur, merci mec, merci beaucoup, merci. Salut Star Family, Vicky Farm et Mathieu qui se sub, merci Mathieu, merci beaucoup. Mathieu! Pardon, merci Mathieu, je vais arrêter de jouer parce que ça va vous saouler. MDR avec le bouse. Ouais, j'ai vu. Il y avait son frère qui jouait à. Je sais pas quel est le jeu, je sais pas que c'était le jeu. Et il a roulé dans mon champ là. Comment il va, chef? Ça va nickel, hein. Ça va nickel, les gars. Salut Coco. Bah, du coup, vous avez vu la vidéo de ce matin? Est-ce que vous avez vu la vidéo de ce matin, les gars? Parce que. Bah, alors, je vous avoue que c'était une vidéo qui n'était pas prévue. Ceux qui étaient là hier soir, vous êtes au courant que le montage n'avait même pas été fait à la fin du live qu'on avait fait. Mais voilà, du coup, oui, vous avez vu la vidéo. Vous avez kiffé? Oh, merci beaucoup, Florian. Florian qui donne 5 balles, merci beaucoup. Yo, je savais pas que tu jouais à Euro Truck. Mais les gars, si, je me suis mis à jouer à Euro Truck. Parce que le DLC Iberia est sorti. Alors en fait, j'ai commencé à liver sur Euro Truck parce que j'avais envie. Ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué. Et après, j'ai appris que 2 jours après, il y avait un DLC qui sortait. Donc, du coup, le lendemain, je voulais jouer sur le DLC. Sauf que je me suis rendu compte que le DLC sortait à 19h. Donc, j'ai pas livé sur ce DLC là. Donc, j'ai fait un live normalement. Et là, hier, j'ai découvert le DLC Iberia. Sauf que sur 2 heures de live, on a joué peut-être même pas 1 heure sur le DLC Iberia. Parce qu'on a passé 40 minutes à trouver l'autre camion. D'ailleurs, ce soir, les gars, on change de camion. Ce soir, les amis, on change de camion. On va se prendre un Renault. Vous l'avez vu en miniature, le petit Renault. Je le veux. Je veux un petit Renault. Voilà, je le veux. Super la vidéo de ce matin. Bah, top, les gars. Attends, du coup, là, dit quoi? Oui, ok. Bah, les goules, c'est parti. Est-ce qu'on serait pas parti, les gars? Allez, on va sur le jeu. Par contre, on va juste baisser l'éclairage parce que, alors là, voilà. On va juste se mettre comme ça. On va juste mettre ma caméra. Ma caméra, du coup, je l'ai mis comme ça. Hein. Hop là. Clac. Voilà, ma caméra sera comme ça. Magnifique. Je vais juste faire un truc les gars. Non, je vais rien faire. Je veux dire, je fais un truc mais non. Alors, donc là les gars, on a notre magnifique camion qu'on va changer parce que celui-là ne va pas. Vous avez vu qu'on dans le titre, je veux un Renault. Enfin non, vous avez pas vu, mais en gros, je veux un Renault. Le Renault qui est en miniature, je l'ai pris sur une photo que j'ai trouvée. Et tu pourrais jouer à Euro Truck sur ta chaîne principale. Je pourrais, mais non. Non, ouais, parce que alors, déjà il y a une vidéo ce matin, donc j'ai pas trop envie de faire. Enfin, trop de contenu sur ma chaîne principale. Puis, ouais, ça pourrait être drôle. Mais les gars, hier, on a réussi à être 1600 sur cette chaîne secondaire. Donc, ça vous plaît. Donc, c'est bon. Tu m'as relancé sur TS2 MDR, j'ai le DL. Avec le jeu incroyable. Bon, alors, on va s'acheter un nouveau camion. Voilà, le Renault. Je vais m'acheter un Renault. Les nouveaux Renault sont incroyables. Donc, voilà un petit peu. Attendez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais encore une fois, si vous n'êtes pas là, si vous n'étiez pas là hier, en gros, vous avez raté quelque chose parce que c'était incroyable. En gros, hier, on a fait tout ça. Ah oui, enfin, on a commencé de Toulouse. On a fait tac, 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 tac. On a fait des petites routes jusqu'à Séville. Donc là, tout ce soir, on va rouler. Donc, on va pas déconner, on va se dépêcher un petit peu. On va s'acheter un camion tout de suite. On va aller dans un concessionnaire Renault parce que je veux un Renault. Demain, il y aura pas de live sur ça. Alors, les gars, je sais pas quand c'est que je vais relayer sur Eurotruck. Aucune idée. Donc, profitez de ce live, les gars. Tu m'as fait acheter le jeu aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Alors, juste acheter en ligne. Donc, ouais, il n'y aura pas de Euro Truck demain, normalement, parce que demain, il y a un live le soir et l'après-midi, je pense que je vais pas liver. Mais vous me connaissez, si jamais j'ai envie de liver, je liverai. Mais lundi, je pourrais. Enfin, en gros, il y a. Bref, je vais rien dire parce qu'encore, je vais liver, je le sens. Mais mettez la cloche. Prends un Renault. Mais oui, on prend un Renault. Alors, déjà, on va le prendre. Donc, la grosse cabine. On va prendre le châssis. Vous voyez pas, mais en gros, on prend. En gros, on peut régler le châssis, mais je n'ai aucune idée de ce qui est bien ou pas bien en châssis à prendre. Donc, je sais pas. Genre, je prends le 6x2 relevable ou le 6x2 4. J'en sais rien ce qu'il faut prendre. Le mieux, c'est quoi?
Je sais pas. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Est-ce que vous connaissez un peu les camions? Ou pas? Bon, au pire, on prend lui, on s'en fout, c'est un châssis. Le moteur, on le prend à 520 chevaux. Vous voyez pas, il y a ma caméra, mais il est marqué 520 chevaux. C'est le plus gros. Boîte de vitesse, on touche pas. La cabine. Alors, la cabine, du coup, il y a quoi comme différence? Y a, ça, c'est la cabine, du coup, anglaise, mais il y a ça. Ah ouais, en fait, c'est juste le... Ah, c'est le GPS qui change. Oh! Ouais, il est stylé comme ça, non? Il est pas stylé? Attendez. C'est quoi qui change entre les deux, là? Ah oui! Là, il n'y a pas d'écran. Ah, il n'y a pas d'écran, là. Ou alors, non, il n'y a pas d'écran. Non, il n'y a pas d'écran. Ben, on va prendre l'option max, hein. Moi, je prends ça. Voilà, on prend l'option magnifique. Par contre, la couleur, je veux un truc rouge. Je veux un camion rouge. Alors, je sais pas s'il y a une couleur un peu métallisée sympa à prendre, mais je veux quelque chose de rouge. What? Ah ouais, un peu comme ça, non? Ça peut être top, prendre comme ça, attendez. On va le prendre en rouge. Rouge un peu, voilà, un rouge un peu pétard comme ça, incroyable, trop beau. On va le prendre comme ça. Bah là, on va mettre reflet un petit peu rouge, mais un peu rouge clair, tu vois. Salut, en tout cas, yo tout le monde, les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez kiffer ce petit live Eurotruck. Moi, j'aime bien, je kiffe. Par contre, les gars, faut vraiment qu'on le configure le camion parce que là, il est moche. Non, en vrai, il est moche comme ça. On va le prendre. On va le prendre au pire comme ça. Ouais, voilà, comme ça. On va le prendre rouge. Rouge comme ça. Voilà. Là, nickel. Ça, c'est quoi ça? C'est le reflet toujours du rouge. Et ça, c'est. Je sais pas ce que c'est ça. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est cette couleur? Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Bref, on prend. Voilà. Comme ça, moi, j'aime bien. Il est comme ça. Il est pas trop. Parce que mettre 50 couleurs, c'est de la merde. Donc, non. Alors, par contre, là. Là, les gars, va pas falloir déconner. Hein, parce que là, il faut qu'on se dépêche. Parce que sinon, on va jamais rouler. Je me connais. Alors, là, on règle un petit peu tout ce qu'il y a comme détails. Les calandres, etc. On va laisser. Ah, je sais pas, le mieux commencer. C'est full rouge ou. Oh, comme ça, il est bien avec un peu d'autres couleurs. Là, on va mettre quelques petites décorations. Genre des petits feux, etc. pour y voir bien la nuit. Parce que vous savez que la nuit, moi, j'y vois rien. En général, c'est un peu la galère. Il est trouble ton live. Non, il est pas trouble. Il est pas trouble mon live. Hop là. Là, on va mettre des petites LED sur le bas, sur le côté. Là, ça va faire joli. On va mettre des petites LED smile, LED strobe light. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut prendre comme style de LED, les gars, vous savez ou pas? Si je mets les lumières, là, ça donne quoi? Vas-y, je mets des petites lumières, mais juste pour... voilà, quoi. Parce que j'ai envie de mettre des lumières. Donc, hop, ça. Comme ça. On met des lumières tout le long, les gars. Oh, ça va être stylé. Eh, il va être incroyable, le camion, les gars. On va avoir un camion incroyable. Hop là, et une dernière lumière ici. Voilà. Donc là, on a nos petites lumières. On va juste mettre toutes les options, vu que nous, on a de l'argent illimité. Donc, what? Ah, bande réfléchissante orange. Ouais, je sais pas. En tout cas, yo, c'est flou. Ah ouais, c'est flou? Mais moi, j'ai pas de problème, mais bon, bah, si c'est flou, c'est YouTube qui fait du caca. Donc, alors, on va mettre... je mets un peu le mieux, quoi, parce que vraiment, les gars, c'est ce qu'il faut. Hein. On va pas s'embêter. Alors, les pneus, ça, c'est... Alors, D, c'est quoi? C'est la consommation, ça, c'est l'adhérence quand il pleut, et ça, c'est le bruit du pneu. Bah, en fait, faut prendre le mieux, quoi. Vas-y, on prend les meilleurs pneus, tant qu'à faire. Et ça, c'est les... Alors, les jantes, on s'en fout. On n'est pas là pour décorer les jantes. Waouh, mais c'est quoi tous ces détails qu'il y a? Waouh, incroyable. Vas-y, moi, je prends le max. Le réservoir. Ah, c'est le capot. Hein? Les gars, vous préférez qu'on prenne un capot où c'est que c'est caché? Ou un capot où c'est que c'est pas caché? Ah, c'est là qui. Non, enfin, je sais pas. Parce que là, si on prend un cache-pain, ça fait un peu moche, quoi. Parce qu'on a, on a un peu pété de thunes, donc autant. Voilà, quoi. Salut, salut, comment ça va? Super bien, Basile. Super, super, les gars. Caché? Ouais, on prend caché. Pas caché. Ah, y en a qui aime pas. Moi, je prends. Ouais, comme ça. Ensuite, ça, c'est quoi, ça? Je sais pas. Ça, c'est quoi? Oh, c'est un badge. Ok, je connais pas. Là, on va laisser comme c'est. Là, on s'en fout. Là, ok. Et là, par contre, là, on va y mettre des phares. Parce que c'est vrai que hier, on avait un... Oh, des gyros aussi. Non, on met des gyros. On met deux gyros sur le côté. Ah, regardez comment ça flash. Ah ouais, trop beau. Et après, on met des phares. On met des phares qui éclairent bien, bien, bien. Parce que la nuit, moi, j'y vois que dalle encore. Hop. Ah merde. Tac. Et voilà mon petit phare. Nickel. Là, on est pas mal, hein. Là, on est pas mal, les gars. Et là, du coup. Ah, est-ce qu'on met. Vous préférez comment, les gars? Est-ce que vous préférez en rouge ou en gris? En vrai, si on met tout en rouge, j'ai peur que ça fasse vraiment trop rouge, non? Salut, les gars. Vous préférez quoi dans le chat? Mettre des trompettes. Ouais, on pourrait mettre des trompettes. C'est quoi ça? Oh, ouais. Moi, je mets des gyros, moi. Gris. Ouais, gris, c'est stylé, ouais. Ok, ok. Donc là, je crois qu'on est bon. On a tout mis au maximum, les gars. Ah, c'est quoi ça? C'est le pot? Oh, c'est le pot! Oh, incroyable! Ah, lui, il est plus stylé. Il y a que deux échappants, mais il est plus stylé comme ça. Ok. Oh, quoi, il y a des bandes LED? Ah non, habillage. Les gars, est-ce que vous préférez qu'il y ait un pot d'échappement joli qui ressorte ou alors qu'il y ait des LED?
Dites-moi, vous avez le choix. Je sais pas. Des jantes. Ouais, mais les jantes, on s'en fout un peu, non? Je peux bien prendre des jantes, mais c'est pas ouf, quoi. LED. Ok, ça part en LED. Ça part en LED, les gars. Ranger, vas-y, go. Vas-y, j'ai mis des LED, hein. LED. Des jantes mieux, s'il te plaît. Ah, vous voulez vraiment des jantes beaucoup mieux? Attends, mais juste des bons pneus. On peut mettre des jantes mieux, hein. C'est quoi, ça? Bon, on met les meilleures jantes, en fait, hein. Hop là, tout ça, on est pété de thunes. Mais c'est quoi toutes ces options qu'il y a? Mais c'est incroyable. Ça, c'est quoi, ça? C'est des bavettes? Plastique. Oh, mais oui. Oh, on met du LED, hein. On met du LED partout, les gars. Là, c'est pareil. Ok. Ben, je crois qu'on est bon, hein. Là, je pense qu'on peut pas y mettre grand-chose de plus. On a tout mis, je crois. Donc là, on est bien. Ah, si. Le petit téléphone. Ça fait plaisir. Là, on met... au moins, allez, quelques petits trucs quand même. Parce que... Alors, à part de ça, je déteste. Je déteste les camions avec ça qui pend. Je trouve ça dégueulasse. Donc, on met rien du tout. On met un désodorisant. Non, on remet comme hier. Hein. On met un petit cube. On met un petit cube blanc, au pire. Ah, une tête de mort, c'est moche. Ballon. Ouais, on met un petit cube blanc. C'est joli. Ouais, les gars, on de toute façon, une fois qu'il est décoré, il est décoré. Mais là, on va quand même décorer un minimum, quoi. On met, comme j'ai dit, un petit sandwich parce que c'est vrai que j'ai souvent faim. On met bien, vous avez bien? Ballon de foot. Quoi, un ballon de foot? Ah oui, on met un petit smartphone comme ça. Ça montre bien qu'on a 12 smartphones. Non, on remet une boussole et voilà, ça suffit. Là, c'est une plaque. Je mets quoi? Meuf de. Oh merde! Oh non, comment on peut appeler la meuf de Starview? J'en ai pas, mais. Meuf. Meuf. Ok, là on met un petit sambon parce que ça pue la merde. Là on y met un petit bon de livraison, soyons plus sérieux qu'hier. On met. L'eau de plat cuisiné, non. Moi je vais au McDo, moi. Marc Stervia. Patricia, vous êtes bête. Patricia. Glacière, une petite glacière, ouais. Une petite glacière, ça fait plaisir. Voilà, là on remet la petite couverture comme hier, ça fait plaisir. On veut dire qu'on s'est changé, donc maintenant elle est cette couleur là. Et là on met un petit coussin, un sweet home, non c'est moche. Voilà, lui il se met bien dans le décor. Je crois qu'on est bon là. Là les gars, niveau déco, on est pas mal. Là c'est tout ce qu'on a mis, ok on le connaît. Ok, ben nickel. Bon ben les amis, on est parti. Let's... C'est quoi ça? Oh. Oh. Ah ouais, comme ça. Voilà, let's go. Le camion est là. Ouh. Ça y est, le camion est là. Donc du coup c'est bien celui-là. Je veux l'acheter. Et je l'amène... ah, merde. Attends, je l'amène au garage de Toulouse et après on se TP. Enfin, on ramène le truc. Voici, les gars, notre magnifique. Attends, bah, du coup, il faut que je fasse quoi maintenant? Attendez, parce que là, il faut que je fasse gestion garage. Non, gestion camion plutôt. Voilà. Mon camion, il est où le petit nouveau que j'ai acheté? Le Scania R2009, c'est pas lui du tout. Le Renault T, voilà, c'est lui. On fait conduire et après on se TP et on va pouvoir commencer à conduire. Pensez à laisser un petit pouce bleu, je viens d'arriver, n'hésitez pas, vous êtes 1600, c'est un peu beaucoup quand même là. C'est un peu beaucoup, mais merci beaucoup. Merci les gars, vous gérez comme jamais. En plus c'est vrai que c'est un live, c'est du Euro Truck quoi, donc c'est vrai que ma chaîne vous n'êtes pas habitué. Mais moi j'aime bien, et je pense que vous devez voir que je kiffe le jeu. Et voilà, donc notre camion est là, on va stepper. Oh merde, on n'a pas de garage là-bas, oh non on a fait le con. Oh non, ah bah on peut acheter des garages, heureusement que j'ai le mode. Enfin pas le mode, mais je peux acheter des garages en ligne. Donc là, on va aller acheter... Bah, au pire, attendez, on se met où pour commencer? Vu qu'on a le temps. Enfin, on peut choisir maintenant, du coup, où c'est qu'on veut commencer. Parce que hier, on a fait... attendez, on n'a pas découvert la côte, là. Ou alors, on va à Bilbao, on fait le long de la côte. Tac, 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 tac. Boule de volant. Bon, non, pas une boule de volant. Ah, la boule de volant, c'est ici? Bon, on s'en fout, pire. Paris. Non, les gars, on va là, faut qu'on fasse Portugal et Espagne. On va pas à Paris. Lisbonne. Alors, on va prendre Lisbonne. Alors, oui, Lisbonne, c'est pas par là? Attendez, est-ce que je suis pas débile? Mais non, c'est où Lisbonne? Attendez, est-ce que vous allez me prendre pour un débile, je crois? Je vous allais dire, mais il est con ou quoi, lui? Oh, mais attends, c'est où Lisbonne? Il n'y a pas de Lisbonne là? Ah, mais attends, mais il n'y a pas des garages partout en fait, c'est pour ça. Ok. Attends, par contre, je viens chercher Lisbonne, moi, mais. Et Lisbonne, c'est bien au Portugal quand même, je suis pas débile, non? Enfin, j'espère. Peut-être je suis débile. La Guarda. Bah écoute, je vois pas Lisbonne, je crois. Ah, si! Bah non. Oh, je suis bête, je crois, les gars. Vous devez me prendre pour un débile. Ça se trouve, je passe devant depuis 6 minutes. Marbelle, Suisse, Séville. Non, mais du coup, on va partir à Bilbao parce que j'ai envie. Après, on va faire tout le long de la côte. On a le temps, de toute façon. Donc, on achète le garage. Oui. Mets des trempes, ouais. Portugal, la ville en bas. Ah, oui. Ça va être.
Mais il y a pas la, elle y est pas là la ville. Ah donc elle est pas affichée. Non elle est pas affichée. J'ai eu peur, je me suis dit hyper qu'ils vont me prendre pour un débile. Donc là le garage est acheté. Maintenant on se TP au garage. C'est un peu compliqué de faire des manips, mais on va y arriver. On se TP au garage. Peut-être 1700, c'est incroyable. On n'a même pas commencé à conduire. Lisbonne. Non, c'est quoi que j'ai acheté comme ville? Bilbao, je crois. Voilà, Bilbao. Voyager. Oui. Yes, on y est. On boit un petit coup. C'est pas du Ricard, calmez-vous. Ce n'est pas du Ricard. Merde. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Attendez, deux secondes, parce que je vois même plus vos commentaires. Voilà. Il est beau, le Renault. Ben oui, ben oui. Pourtant, c'est la capitale, Lisbonne. Ah ouais? Ah, c'est la Guarda. Bon, tu sais, les gars, on va faire toute la route possible. Toutes les routes possibles inimaginables, on va les faire. Ok, bon, il fait nuit, magnifique. Donc là, on est arrivé, petit camion bien sympathique. On a marqué Starview à côté meuf. Maintenant, on prend une mission. Alors, on va où? On va, ben les gars, on va rouler. Alors, peut-être pas aussi loin non plus. Oula, oula, on est comme toi. Hein. Alors, soit on passe par là, genre on trace en bas. C'est quoi? Ah oui, j'ai des DLC. Ah oui, je me suis rendu compte que j'avais nacelle d'éolienne, mais non. On va à La Guardia. Non, La Guarda, parce que La Guardia, c'est pas pareil. C'est un aéroport, je crois, aux États-Unis. Alors, non. Ah, bah, on est allé hier à Barcelone. Alors, vous allez avoir le choix, les gars. Vous allez avoir le choix. Soit on va. Madrid, on y est allé. Madrid, bon, hier, on y est allé, Madrid. Attendez, je regarde un petit peu. Oh, Almeria. Ouais, mais là, c'est des routes trop droites, non? Il n'y a pas des routes, genre, qui tournent de partout? Moi, je veux des routes, c'est que ce soit des zigzags, genre, tant que tu galères, quoi. Tu galères comme jamais. Non, non. Je pense qu'on va, on va transporter l'éolienne là. Regardez, on va transporter ça là. Ça, ça peut être sympa ça. Là, on fait tout ça, tac, 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 tac. Et après, au pire, on remontera ou on descendra, c'est vous qui déciderez. Mais c'est bon. Convoi exceptionnel. La nacelle, hein. Let's go les gars. Nacelle, 21 tonnes, comme ça on pourra pas accélérer comme des débiles, parce que vous me connaissez. Dès que je peux accélérer, j'accélère. Ah merde, j'aurais dû dormir avant peut-être. Bon. On y va. Oui, on y va, mais c'est vrai qu'il y a le GPS qui... Ah merde, c'est qui? Ah oui, c'est Michel. C'est Michel, le GPS. On reste en Michel ou on prend... comment il s'appelle, le mec de hier? Attends, bon, il est beau, le camion. À ce qui paraît, j'ai vu Danger qui l'a élevé ou Zenix. Et il a les clignotants. Regardez les clignotants. Incroyable, les clignotants. Ah ouais, incroyable, hein. Incroyable. On va juste mettre les feux au maximum. Touk, touk, voilà. Salut, Michel. Oui, c'était Jules. Mais je pense qu'on va repasser sur Jules, là, parce que Michel, elle m'énerve. Donc voilà. Ok, donc on va juste dormir un petit peu, les gars. La leçon du jeu, leçon du jeu. On va aller dormir. Où est-ce qu'il y a un garage? Parce que. Donc là, on va chercher notre. Au pire, on va à Bilbao. On va à Bilbao et on dort au garage à Bilbao. On fait comme ça. Donc on a un peu de nuit à faire. Enfin, deux minutes de route à faire attendre nuit. Donc c'est parti, les gars. Allez, go. Ah merde, c'est mon garage qui est si petit que ça? On va essayer de... Par contre, il a l'air stylé, le camion. Il a l'air incroyablement stylé. Jules est bien. Ouais, Jules, il est bien. Bon, pour l'instant, on va aller. Oh putain. Attends, normalement, j'ai mis des touches. Oui, en fait, j'ai mis des. Bah, elle marche pas la touche. Mais j'ai mis des touches, normalement, regardez. Ah, ça fonctionne. Regardez. Ah non. Regardez. J'ai mis une touche pour ouvrir la fenêtre. C'est trop stylé. Hop, voilà. On va rouler. Mais, les gars, viens. Attends, est-ce que ça fait un bruit différent quand on roule la fenêtre ouverte? Ah ouais, écoutez. Ah non, pas du tout. Non, ça fait rien du tout. Je sais pas ce que ça fait. Merci beaucoup, Arthur. Merci beaucoup, Arthur, pour ton sub, mec. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, let's go. On y va. Ah, merde. Ah, voilà, c'est bon. J'avais pas mis le bon mode. Ah oui, je roule déjà trop vite. What? Tu peux récupérer ta mission, là? Quoi? Trop stylé. Incroyable. Les gars, du coup, on a la vitre ouverte, quoi. Ah, du coup, alors, les gars, ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous, déjà. On va découvrir, du coup, le DLC Iberia. On a live hier, mais on n'a pas encore découvert... en gros, on n'a rien découvert du tout, pratiquement. Donc voilà. Attends, est-ce que mes pleins phares fonctionnent? Nickel, ça fonctionne. Le volant. Ah bah on pouvait tourner là? Ah oui, mais en fait on pouvait pas tourner là, non. On pouvait pas. Alors attends, on va ralentir un petit peu. Attends, mais c'est bizarre. Ah, quand on freine. Regardez, en fait c'est le compte tour. Quand tu freines, t'as du bleu qui se met. Et est-ce que le bleu c'est genre un truc de récupération? J'en sais rien, tu sais. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Allez, let's go. Merci beaucoup Florian, les gars. Merci beaucoup, vous êtes 1800, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Attends, faut passer par où comment? On va tourner. Par contre, les gars, vous allez voir que de jour. Parce que là, c'est de nuit, on voit pas grand chose. Là, on va juste à l'agence récupérer la remorque. Et oula. Oh merde. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah, mais attends, là, c'est pas hyper réaliste, les gars. De toute façon, au pire, vous me connaissez. Hein. Moi, c'est vachement réaliste.
Allez, go! On a 66 km à faire. Nickel, je me suis bouffé le trottoir. Mais les gyros, bah on prendra les gyros. Bah oui, par contre, les gars, quand on transportera la nacelle, on fout les gyros, les gars. C'est quoi toutes ces routes incroyables, par contre? Non, mais franchement, les gars, le DLC. Les gars, ceux qui étaient là hier, vous avez vu comment le DLC était incroyable. Merci pour les 1000 pouces bleus, les gars. 1000 likes, merci beaucoup. Le DLC était vraiment incroyable. Et ah, il y a un stop. Je l'ai pas vu. Non, en vrai, on jouera réaliste après, les gars. Là, il faut que j'aille dormir, donc. Enfin, je dis, on jouera réaliste, vous me connaissez, quoi. Allez, go. Ah, oui, bah, rentre. Ah, mais c'est pour ça que j'entends rien. Parce qu'en fait, j'ai la vitre ouverte. Attendez, est-ce que le son il change? Ah, ouais. Ah, regardez. On a le son qui est. J'ai l'impression d'avoir un son à gauche. Parce que j'ai de la vitre ouverte. Comment on referme la vitre là? Ah, voilà. Oh putain, c'est vachement plus calme. Ah, oui, ça marche vraiment. Je me disais, j'entendais pas le GPS, mais oui. Ok. Bon, bah, let's go. Let's go, let's go, les gars. On arrive à Bilbao. Bah, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Il y a quoi à Bilbao d'intéressant? Je ne sais pas du tout. Bon, il me tarde tellement de jouer à multijoueur. Incroyable. Klaxonne, vitre ouverte. Alors, j'ouvre ma vitre. J'ouvre ma vitre et je klaxonne. Ouais. C'est un klaxon, quoi. Merde, comment on prend la vitre? J'ai cassé le moteur de la vitre, ça y est. La mission expire dans 11 minutes. Ah, merde. T'as pas le temps. C'est vrai? Non. Vous êtes sûr? Attendez, on va regarder. Je me grouille. Ma mission expire dans. Elle va expirer, ma mission, vous dites? Bon, on va essayer d'aller voir si on peut dormir ou quoi. Et sinon, on reprendra une mission. Au pire, c'est pas vraiment grave. Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. J'ai une mission à prendre, moi. On peut le doubler, vous pensez? On va le doubler. Moi, je suis à vide, donc. On peut accélérer un petit peu. Hein? Mais alors là? Alors. Mais alors là? Mais alors, c'est abruti ou quoi? Oh, vous venez d'où là? Alors là, par contre, c'est le don. Oh, il y a eu un don, excusez-moi. Attendez, merci pour ton don. C'est qui a donné, les gars? Dites-moi dans le chat. Mais attendez, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est lui là. MDR, il n'y a pas de MDR. Il m'a pété, il m'a foncé dedans. Allez, allez, accélère, accélère. Allez. Va plus vite. Oh, bah ouais, mais je veux bien aller plus vite, mais regardez, il roule pas vite là. Allez, allez. À passer comme ça. Orange, les tunnels sont incroyables. Moi, j'ai mes warnings d'activer. Je crois que j'ai appuyé. J'ai appuyé. Arthur, il t'a donné 5 euros. Et merci beaucoup, Arthur. Est-ce que vous avez vu son message? Ou il s'est enlevé? J'ai pas vu son message. On va remettre les pleins phares. Hein. Là, les gars, cas de force majeure, il faut aller dormir en vitesse. Donc, voilà. Bon, la caméra est. Attendez, la caméra est mal réglée. Je veux régler mes sièges. On va juste mettre comme ça. Ça, c'est ma. Voilà. Moi, je conduis comme ça. Là, on est mieux. Voilà, là, on est mieux. Allez, go! En avant! Klaxon dans les tunnels. Je sais pas si ça marche vraiment. Je sais pas. On fera ça, mais quand il fera ça, quand il sera jour. Ah, qu'est-ce que ça veut? Attendez, je monte un peu le son du GPS parce que j'entends rien. Sortez à droite. Je sors. À droite, là? Wow! Ah oui. Bah, je sors à droite. Ok. Le bip bip bip, c'est que. Pas de message. Ok, ok. Ok, ok, ok. Allez, on arrive. On va faire une petite sieste parce que bon, il est quelle heure là? Ah, du coup, à ce qui paraît, la mission expire. Bon, on va dormir et si la mission disparaît, eh ben, fuck la mission. Mais enfin, on en reprendra une deuxième, mais. Sortez à droite. Alors, sors à droite, puis sors à droite. Hein? Sortez à droite. Ah non, j'ai plus le message de Mathilde d'hier. Merde. Putain. Yo, Mathéo. Yo, le chat, vous êtes 1200. 1905. La mission va disparaître si tu dors. Ah ouais? Donc en gros, il faudrait que j'aille récupérer la mission maintenant. Les gars, non, prends cette mission. Au pire, je prends d'abord la mission et je dors après. Sinon, c'est peut-être mieux, les gars. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Spam, tu as enlevé le simulation de la fatigue. Non, je l'ai remis, je crois, en plus. Ou je sais plus, mais en fait, là-haut, après, la fatigue, c'est pas... C'est pas hyper grave. Ah, encore des clios sur la route. Alors, on arrive, les gars. On arrive. Je sais pas où il faut aller. Ah, c'est là, je crois. Ouais, c'est là. Bonjour! Je viens chercher mon éolienne. Alors. Salut, Starview. Ouais, ouais, ok. Mon éolienne est là. Sauf qu'on l'amène plus au même endroit. C'est quoi ce délire? Bon, au pire, c'est pas grave, hein. On va à Saragosse. On n'y est pas déjà allé à Saragosse? Attendez, je me demande si on n'y est pas déjà allé. Mais pourquoi elle a disparu ma mission? Ouais, je crois que c'est ça, le mec avait raison.
Parce que là, non, logiquement... Hein ? Ah, quoi ? Ok. Ma mission a dû disparaître. Bon, attends, qu'est-ce qu'on a en mission potable là ? Parce qu'au final, on va reprendre une. Ou alors, je vais dormir. Attends, je vais dormir plutôt, ça va être le plus simple. Je vais dormir et après, on prend la mission. Donc là, petit rond-point, hop, drift ici, et là, hop, on dort. Vas-y, go. Ah, t'es pas à la bonne entreprise ? Si, j'étais à la bonne entreprise. Si, vas-y, bon, go dormir. Parce qu'on a... On n'a pas encore pris la mission, les gars. Ça fait 25 minutes qu'elle avait commencé. Après, j'ai ma... Alors... Ne vous inquiétez pas, c'est solide, les pare-chocs. Putain. Dans ce cas-là, vous me connaissez, mais je pense du coup aux gens qui ne connaissent pas et qui doivent dire, mais c'est qui ce guignol, là? Ne vous inquiétez pas, on aura d'habitude, je conduis quand même vachement plus mal. C'est vrai. Vachement plus mal. Mais je suis vraiment en plein phare, là. Putain, mais ils éclairent pas grand-chose, j'ai l'impression. Ouais. Bon, allez, go. Allez, on va vite dormir un coup. On va en profiter pour réparer le camion aussi parce que je sens que... Oh non, mais non. Bon, allez, F7 entrée. Putain, mais non, putain. Je vous promets les gars, on conduit bien tout à l'heure. Yostavo, tu fais pas du multijoueur? Non, parce que le DLC ne fonctionne pas en multijoueur. Voilà. C'est pas la bonne entreprise. Non, mais c'est pas grave, on va dodo. Mets les cornes pour avoir un meilleur klaxon. Ouais. Ouais, on pourrait. Déjà, on va réparer les véhicules parce que du coup, bah, elle est cassée. Vous voulez qu'on mette les cornes? On peut mettre les cornes, mais je crois que c'est pas compatible. Ou alors, on met... genre là, on met deux phares et cornes, tu vois. Ah ouais. Vas-y, on fait ça. Ok, ben c'est bon, j'ai mis deux cornes. Mais deux, c'est assez? Bon, j'en ai mis deux. J'ai mis deux cornes. C'était l'entreprise d'à côté. C'est pas grave, on va dormir. Vas-y. Alors attends. On va dormir là. Comment tu fais pour mettre de l'argent? J'ai téléchargé une sauvegarde qui était déjà... Merde, je suis au point mort. Vas-y, nickel. En reprenant, il est tellement beau le camion. Quoi? Oh merde. Bravo. C'est les trompettes, pas les cornes. Ah ouais. C'est solide les pare-chocs. Ah oui. Ah, voilà, du coup... Wow. C'est le matin là? Wow, le jeu le matin, il est trop beau. Bon, ça y est, maintenant on va pouvoir commencer les choses sérieuses. On va récupérer une mission. Est-ce que j'ai toujours une éolienne? Oh ben voilà. J'ai une mission qui va à Courdou. Ouais, sinon j'ai Courdou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mission sympa là? Murcie. Oh, on n'est jamais passé à Murcie. Si, on est passé à Arbacet. Ajaccio. Non. On peut aller sinon à Almeria, on transporte un mât d'éolienne. C'est un peu le même délire. Et là, on irait au sud. Mais c'est comme vous voulez. Parce que j'ai pas non plus d'émission de ouf. Ouais, mais c'est... Alors, soit on prend la mission... Attends, c'est quoi? Le mât d'éolienne. Donc, soit vous dites mât d'éolienne, soit on prend... soit on prend la nacelle d'éolienne. Soit la nacelle, soit le mât. Voilà, mettez dans le chat ce que vous voulez que je prenne, les gars. Dites-moi dans le chat. Le chat, il s'enlève. Ouais. Voilà. Le mât d'éolienne. Le mât. Nacelle. Mât. Oula. T'as un sifflet turc. Nacelle. Bon, là, ça spam nacelle. Hein. Là, ça spam nacelle, les gars. Donc, ça va partir en nacelle, je crois. Ah, c'est pour les 1000 pouces. Bon, allez, ça part en nacelle. Comme ça, on va se promener. Au pire, le mât, on aura pas d'autres missions. Donc là, oui, allons-y. Bon, oui, après, on va juste changer. On va mettre Jules ou je sais pas quoi, l'ami, je sais pas comment il s'appelle le mec. Audio. Ou alors, on met pas de GPS. Ouais, je sais pas. Alors, activer le guidage vocal. Juste à l'air de vitesse, on va pas la mettre. Il est temps d'aller travailler. Et là, on va juste mettre Jules. On écoute Jules. Enfin, nous y voilà. Voilà, lui, mais il me plaît bien, lui. Allez, hop, Jules, c'est parti. Ouais, du coup, j'ai pris la nacelle. Le mât, ça peut être marrant. T'es nul. Ah oui, mais apparemment, là oui, ne croyez pas que je suis pas un joueur pro. Hein. Déjà que sur farming, je suis pas. Voilà. Va en France, ça devient nul. Ah non, en vrai, l'Espagne, ça va être incroyable. Parce que vous avez pas encore tout vu, je veux dire rien. Bon, c'est parti. C'est parti, les gars. On y va. J'ai dit, on joue un peu réaliste quand même. On va essayer de conduire un peu mieux. Tournez à gauche. Que tout à l'heure. Tournez à gauche. Allez, c'est parti. On va essayer de respecter les vitesses et pas faire surchauffer le moteur. À gauche. Donc, à gauche, oui.
Y'a personne. Let's go, let's go. Alors, déjà, quand il fait tellement beau sur le jeu. Prenez la deuxième sortie. Ok, je tourne là. Dis-moi si le son du jeu est bon, le son. Hein. Dites-moi un petit peu dans le chat. J'ai l'impression que ça. Pour moi, ça a l'air d'être bon, le son. Puis tournez à gauche. Tournez à gauche. Let's go. Ah, le klaxon. Ah, ça change un petit peu le klaxon. Oh. Ah oui, c'est pas du tout le même truc. Hein. C'est pas du tout le même. La première sortie. Vas-y. Ah, mais on y est passé tout à l'heure. Sortez maintenant. Ok. Préparez-vous à tourner à droite. Alors, du coup, c'était pas là. Ah, attendez, on s'est trompé tout à l'heure. J'avais tourné là. Et en fait, fallait tourner. Tourner à droite. Ah, on n'était pas allé assez loin. Ouais, bah, c'est pas grave. Parce que du coup, c'est que cette entreprise. Et là, comment ça se passe? Il faut. Comment on sélectionne la mission? Fallait s'arrêter au début? À l'entrée, j'ai pas vu le truc. Si, mais si, c'est la même. En fait, c'est la même. Si, mais c'est la même entreprise en fait. Ah, mais si, c'est la même entreprise. C'est juste qu'en fait, on était au bon endroit. Ok. Alors. Nickel, c'est celle-là. 46 000 euros, les gars, on va gagner. Hein. Tu as 3. Oui, j'ai 3 GPS. Non, j'ai 2 GPS, mais. Celui-là qui me dit. Enfin, celui-là, je l'en, en général, je l'enlève là. Bon. On va reculer. Hop là. Normalement. On est bon là. Heureusement que j'ai le deuxième rétroviseur parce que. Oula, la freine. Eh, nickel. Nickel. On accroche et maintenant ça va partir en gyro, les gars. Là, ça va clignoter de partout, mon gars. On met quand même ces feux là, on met ces feux là et les gyros. Ça donne quoi maintenant avec les gyros? Ça va le choc, on va l'augmenter. Ok, bah on verra de nuit. Hein. C'est quoi? Du coup, c'est ça la cargaison qu'on a là? Ouais, incroyable. Ouais, la cargaison. Ouais, c'est un truc d'éolienne, quoi. C'est parti, les gars. On a 12h26 de route. Ah ouais, c'est vrai que ça va être long, là. Parce que nous, là, on va respecter. Hein. Donc, prends une double remorque. Si vous voulez, prochaine fois, on pourrait essayer de prendre une double remorque. Mais je sais pas comment on la prend, la double remorque. Je sais pas du tout. Allez, let's go. Vivement, on va découvrir des belles petites routes. Est-ce qu'il y a des gyros à l'arrière de la remorque? Bah, j'imagine, hein. Ouais, il y a un gyrophare, ouais. Il y a un gyro. Il y a un petit gyrophare, ouais. Allez, go. Prenez la deuxième sortie. Deuxième sortie, oui. Valouze, quoi, Valouze? Doucement. Oui, par contre, c'est un ralenti parce que c'est quand même une éolienne que tu transportes. Moi, je prenais l'Iveco. Je prenais l'Iveco et je lui mettais une locomotive. Ah, ouais. Est-ce que, les gars, je reste en séquentiel? Séquentiel, c'est moi qui passe les vitesses. Ou alors, est-ce que je mets en automatique? Mais en vrai, j'aime bien passer les vitesses. T'es proche du volant. Ouais, ouais, en fait, ouais, parce que j'ai mes pédales qui sont vachement loin. Voilà, là, on est mieux, là. On met les repose poignées, enfin, les repose coudes. Par contre, il penche le camion, non, quand je tourne. Il penche de ouf. Prenez la deuxième sortie. Il passe... Ok. Deuxième sortie. Ça passe. Sortez maintenant. Nickel. Let's go, c'est parti. Automatique. Ah ouais, auto. Vous êtes 2000, c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'y crois pas. Ok. Tu tournes trop vite. Ok. Bon, là, on passe par là. Pour l'instant, les villes sont. Enfin, il n'y a pas des paysages incroyables pour l'instant. C'est beau, mais c'est pas. Par contre, faut faire gaffe, faut prendre vachement large. Ok. Par contre, vous voyez pas aussi bien. Vous voyez pas la rétro comme hier. C'est pas le même camion. Mais bon. Quel chauffard. Oui, alors oui. Un petit tunnel, on met les phares. Voilà, j'ai mes petits phares. Contre les gars, je suis à fond. Hein. Oh, mais il galère là, celui-là. Oh. Bon, mes phares, ils éclairent pas là. Les gars, je suis à fond là. Oh. Ah ouais, mais là, on va galérer dans les côtes. Hein. J'ai pris un chargement trop vite. Klaxon. Ah merde, oui, il fallait klaxonner. Parce que là, si j'ouvre la vitre, ça fait quoi? Pas de stylé de ouf. Vas-y, klaxonne dans le tunnel. Attendez. Ouais, normal quoi. Ouais, c'est un klaxon. Ah oui, par contre, il y a vraiment une différence quand tu fermes la vitre. Hein. Vraiment. Regarde ton GPS, il indique. Ouais, mais en fait, le GPS du téléphone, il m'a l'air un petit peu. Enfin, il est trop petit, j'ai l'impression. Ou à prendre doucement Starvio, parce que là, je sens le drame arriver. Ok, c'est bon. Le problème, c'est que du coup, vu que le camion il est pas hyper puissant, regardez, ça ralentit.
Oh, allez hop, accélère. 46 km/h, 45. On a pris une chance. On a pris un. C'est pas les trompes ça. Ouais, moi je crois qu'on a pas mis les bonnes trompes. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Passe tes vitesses, t'es en sur-régime. Mais non. Salut Mathilde. Tenez la droite, je tiens la droite. Oui. Oh, bêté. Salut Mélissa. Les deux arrivent en même temps. Les phares, ça dégage. N'oubliez pas de liker. Ouais, n'hésitez pas à liker, les gars. Si ça vous fait kiffer. Mais galère. Prendre mon camion, il est quand même joli. Hein. On va se le dire, les gars. Oula, elle veut doubler l'autre. Mais je suis à fond. Oh, mec, par contre, il avance pas. Paramètre graphique. Là, je suis au max. Le jeu ne peut pas être plus beau que ça. Ah, c'est N. Oh putain. Ah ouais. Ah, c'est les trompes, ça. Ah oui, j'avais pas capté, les gars. Ah ouais, oh merde. Incroyable, par contre. Mais attends, les gars, prochain tunnel, on met ça. On teste, alors. Ah ouais, trop stylé. C'est quoi, ce jeu? Ah, du coup, ah, mais c'était pas là, toi, hier. Bah, ce jeu, c'est un jeu de camion. Voilà. Valouz Farming aidé. Hein? J'ai pas compris. Normal que t'as fait un Renault. Ah oui, c'est un Renault, bah oui. J'ai raté quoi? T'as raté, bah écoute, t'as raté le début du live. Alors on va live tranquillement, on se promène, on roule. Ok, allez, premier péage, ça m'aurait étonné ça. Ouais, ça fait virer mon volant. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer là? Parce que les camions c'est à droite. Oh, putain, hey, j'étais sûr. Ça, tu le vois au dernier moment. Ça, c'est bravo ça. Bon, là, les gars, faut prendre hyper large. Ah ouais, bon, faut pas que je fasse le con là. Ok, ça passe, ça passe, ça passe. Ok, ça passe. Allez, bon, c'est petit. C'est tout petit, ces barrières, les gars. Ok, bah c'est parti, let's go. Go les 2000 pouces bleus. Ouais, mais bah ouais. Mais je vous le dis, ce soir, les gars, on va live peut-être toute la soirée s'il faut. Hein. Moi, je live. Tant que j'ai pas fini, je roule. Parce que je pense que je vais pas live dessus avant un petit bout de temps. Parce que je suis pas la semaine prochaine, normalement. Donc, voilà. C'est à vous, ce chauffard. Ouais, bah là, c'était la galère, là. Ce sont les vraies routes qui existent. Alors non, mais je crois qu'il y a des genre les lieux qui sont, enfin qui sont, comment dire, emblématiques d'une ville. Oh, allez, dépêche-toi. Par contre, dès que tu ralentis, il a du mal à repartir. Oh, ah ouais. Attendez, on va passer en boîte de vitesse automatique parce que c'est quoi le but? En gros, le but, tu fais ta mission, tu roules, tu découvres des villes et tout. Et voilà. Ah nickel, c'est figé. Non, le jeu bug pas, j'espère. Non, le jeu. Pourquoi ça bouge pas? Oh non. Il se passe quoi là? Oh non, c'est figé. Hein? Attendez, il se passe quoi? Oh, ok, j'ai. Hein? Oh non, 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 il a crash le jeu. Oh non, le jeu il a crash. Oh, j'ai le seum. Heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques. Bon, on peut reprendre d'où on a. Oh, merde! Aïe aïe aïe. Bon. Magnifique, le jeu, on adore. Putain, faut redémarrer le jeu. J'ai le seum, les gars, j'ai le seum. Bon, heureusement que. C'est bon, on va repartir sur la route, mais quand même. Heureusement qu'il y a des sauvegardes auto dans le jeu. Valouz, vite farming. Mais j'ai pas compris. Valouz, il fait du farming? Attendez, qu'est-ce qu'il fait, Valouz? Valouz, il va sur farming, je savais pas ça. Allez, charge. Valouz. Mais Valouz, en tout cas, il est même pas en live sur Twitch. Valouz, il est pas sur Twitch. Attendez, Valouz. Valouz. Non, Valouz, il est pas sur farming. Et pourquoi vous dites Valouz farming? J'ai pas compris. Repars sur farming. Non, je te laisse bon live. Ouais, à plus, Mathilde. Bon live. Non, c'est faux, Michou est chez lui. Ah oui, mais oui. Ah, peut-être que. Ah oui, mais je pense qu'il joue à farming, peut-être. Vous avez dû voir ça sur une story genre de Michou quoi. Je pense que c'est ça que vous dites. Je pense. Mais je sais pas. Je sais pas. Bah ouais, peut-être hein, si vous jouez. En même temps, farming, c'est un peu le meilleur jeu du monde quoi. Du coup, attendez. Charger. Charger une partie. Il n'y a pas sauvegarde auto. Le 10-4 à 21h08. Oh yes! Il y a une minute. Charger. Logiquement, on n'a rien perdu, ça veut dire. Oh, on a une chance. Oh, on a une chance. Je viens d'arriver. Ouais, bah du coup, yo les gars, désolé, ça a bugué. Donc, yes. On adore ce jeu. Tu l'as payé combien ce jeu? Ok, nickel, on reprend sur la route.
Il est temps de prendre la route. Bah oui, tu m'étonnes. Allez, c'est parti. On est de re... Oui, il accélère pas. Bah. Ah oui. Oh. Il galère. Ok, c'est bon. Ok. Prenez à droite, sortez à droite. Je pars à droite, c'est parti. Qu'est-ce que tu es au courant quand tu fais 1500 sur ce jeu? C'est énorme. Bah ouais, c'est bien, c'est cool. Tout à l'heure, on était 2000, c'est incroyable. Le frein de parking. Non, c'est bon, il n'y a pas. Ça va, je roule pas avec le frein. Mais. Enfin, vous êtes sûr que je roule pas avec le frein, moi? Ça se trouve, je roule avec le frein. Mais je pense pas. Tu préfères Farming ou Euro Truck? Bah, les deux jeux, c'est un peu. Enfin, ça se vaut pas, c'est deux jeux différents, donc. Donc voilà quoi. Je peux pas comparer. Mais qu'est-ce qu'il me fait faire là, l'ouvre? Mais quoi? Hein? Pourquoi il m'a fait tourner pour repartir sur la. J'ai pas compris. Par contre, merci. J'ai pas compris. Bon, j'ai des mini coups de lag là. Ah! J'ai des mini freeze. Pourquoi ça freeze un peu là? Non, c'est bon. Est-ce que j'ai toujours mes gyrophares? Toujours, nickel. Allez, go. Bon, mais si, j'ai des mini freeze là. Le jeu il lag un peu. C'est bizarre. Alors, on part à droite. Je vais. Non, c'est pas là! Si, si, c'est là. Putain, mais il y a des freeze, le jeu il freeze là. Vous voyez? Est-ce que vous voyez dans le live que ça freeze un peu? Ah, le péage. Ah non, mais par contre, ça a vraiment pas. On a rien perdu du tout, par contre. Hop. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, la voiture, là? Bon, je passe là parce que c'est le télépéage. Oui, tu vas au Portugal avec ton camion? Bah ouais. Je vais faire. Là, je vais. Bon, là, je sais pas où je vais. Là, je vais à Exomar. Non, à Cordoue. C'est en Espagne, mais. Mais voilà. Du coup, je suis la route. Je suis vers Madrid. Mets un coup de trompe. Voilà. J'ai mis un coup de trompe. Par contre, oui, il y a vraiment un coup de lag. Il y a des mini coups de lag, j'ai l'impression. C'est bizarre, pourquoi ça fait ça? Ouais, j'ai des mini coups de lag. Bon, bah écoutez, voilà. Ça vaut, peux-tu payer tout le monde? Il y a du coup trop de monde sur le réseau. Hein? Très bon choix. Ah oui. Mais là, le Portugal, on n'y est pas encore. Hein. Là, on va vers Madrid, donc le temps de repartir au Portugal, waouh. Valouz va acheter une ferme. N, s'il te plaît. Mais j'avoue, c'est stylé. Attends, oui, attends, je joue la vitre. Ok, je joue la vitre. Je joue la deuxième vitre. Vous êtes prêts? Attention. Oh, ça résonne. Oh, ça résonne. Mais non. C'est trop stylé. C'est vraiment stylé. On entend résonner. Merci, Romuald. Les trompes, tu les mets sur le côté, c'est mieux. Que sur la rampe, monte ton camion maximum en chevaux. Le camion il est au maximum des chevaux, les gars. Il est au maximum. J'ai fait Paris en Portugal en bus, j'étais au bout. Moi j'ai fait de chez moi à Rome en bus quand j'étais parti en Italie avec mon collège là. Je me rappelle, en bus. Oh là là. Bon bah du coup on va passer en. Mais en fait il est débile parce qu'il veut me faire passer sur le côté. Attends, il nous reste du gasoil au moins. Ouais, il nous reste du gasoil. Mais c'est bizarre. Bah oui, il veut que je passe sur l'aire de repos, mais je m'en bats avec de l'aire de repos. Regardez-moi ça, là, comment c'est stylé. Incroyable. Du coup, il y a marqué Stervio, et là, il y a marqué Meuf. Mais il n'y a pas de meuf, donc... voilà. OMG, horrible. Bah oui, ça devait être drôle, le voyage. Quand je suis parti en Italie, ouais. Les gars, bah du coup, est-ce que vous êtes déjà allé en Espagne ou au Portugal dans le chat? Dites-moi. Ou alors il y a des gens qui habitent peut-être, ou je sais pas. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Oula. Oui, non. Non, 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 oui. Ouais. Moi je suis... Bah l'Espagne en fait, moi je vais en Andorre. Vu que c'est pas loin de chez moi. Je vais en Andorre et voilà. Mais là ça fait un petit moment que je suis pas allé. Oui. Moi je suis portugais. Ah, bah oui, Da Silva. Les portugais c'est Da Silva, Rodriguez, tout ça. C'est un peu un cliché, ça, je sais. Mais quand même. Boîte auto. Bah, du coup, c'est bon, je suis pas en boîte auto, mais j'arrive à gérer, donc ça. J'arrive à gérer. Non, mes parents le sont allés. Bonjour tout le monde, salut. Par contre, ils envoient des messages dans le groupe de la team. Tu as. Dans les éviter les autoroutes. Mais non, oui, mais j'ai mis éviter les autoroutes, mais. Mais là, je suis obligé de prendre l'autoroute. Ah, en fait, je vais éviter les autoroutes, mais. Mais en fait, sur la map, y a, des fois, y a, pour aller à un point A, un point B, il n'y a que l'autoroute.
Donc les autoroutes n'ont pas été créées. Donc c'est pour ça qu'on prend quand même l'autoroute. Et du coup, dès qu'il y a une sortie pour genre... Ah oui, dès qu'il y a une sortie en gros pour passer... qui sort d'autoroute, mais ça me fait prendre la sortie. J'aurai de l'air de repos. Alors, on sort. Nous sortons, nous sortons. Boîte auto. Ouais, je suis resté pas en boîte auto. Alors, on va essayer de prendre, faire vachement doucement là, parce que là, je sens que je vais me retourner. Non, ça va. Si je mets cette caméra... Waouh, stylé borne de chargement qu'on fait. Incroyable. Oula, oula. Oh. Non, ça tient. Allez, on prend la vitesse, on prend la vitesse. À balle, à balle, à balle. Oui. Faut aller où, là? Quoi? Faut pas passer? Je crois qu'il fallait pas passer. Bah, je suis passé. Bah, ouais, je crois qu'il fallait pas passer. Au Portugal, les virages sont chauds, bon courage. Ah ouais? Vas-y, on va voir. Bah là, on est où, là? Là, on est... à côté Burgos. Bah, il nous reste 9h33 de mission. Waouh, on n'a jamais fini. Bon, heureusement que c'est pas vrai. Tu as Bus Simulator? Non. Mais par contre, j'aimerais bien tester le jeu The Bus qui est sorti. Il a l'air trop stylé. Tu te moques? Tu te moques de quoi? De quoi je me moque? Ah! Il y a un hélicoptère? Oh, oh non! Oh merde, on va être bloqué, non? Attends, quoi? Il y a un hélicoptère? Il y a un souci, là. Hein? Oh non! Il y a un mur invisible! Attendez, normalement, on peut enlever les... Oh non! Il y a un hélicoptère! Attendez. Merde. C'est où qu'on règle graphisme, contre... C'est dans jouabilité. Enfin, c'est d'être par là. Dureté. Ah voilà. Déviation, événement routier. On va baisser. Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. Oh. Bah non, mais là, il n'y a pas le choix là. Là, on peut pas. Et là, il y avait une route fermée. En fait, j'aurais dû. Voilà. Donc les gars, il faut que je fasse... En fait, j'ai fait le con. Soit je recule jusqu'au bout. Soit je recule et je prends la déviation. Vas-y, on va tester. Hein. Mais je crois qu'on peut pas reculer trop vite. Hein. Aussi, on peut reculer vite. Bon les gars, faut que je me concentre là. Oh, what? Oula. Oh, les gars, si je fais le con, je suis dans la merde. Oula, oula. Waouh, 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 waouh. Oh, j'y arrive. Les gars, je veux des pouces bleus, là. Ouah, je suis en train de reculer à 40 km/h. Mec, j'arrive à gérer ma remorque, hein. Oula, oula. Oh. Non, 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 non. On se concentre, Starvio. Waouh, oula, 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 oula. Ok, c'est bon. Ok. Oh, non. Oh, mec. Faut se concentrer comme jamais. Eh, hey, est-ce que j'y arrive là? Ne jamais dire qu'on y arrive, quoi, parce qu'après on n'y arrive plus. Par contre, c'est stable de ouf. Hein. Et là, normalement, faut aller. Il n'y a pas eu de choc. Par contre, on va essayer de faire demi-tour. Je sais pas si je vais réussir. Ah merde. Ah 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 ah. Dégâts de la SMI. Oh merde. Oh putain, les câbles. Alors là, j'ai fait le con, là. Là, j'ai fait le con. Attendez, peut-être pas. Je peux rattraper la connerie, là. Non. Vous pensez pas que je peux rattraper la connerie? Oui. Oui, s'il te plaît. Oui. Oui. Oh, j'ai réussi. Ouh. Ok. Putain, j'ai fait de la merde. Putain, Road Truck, normalement, ça sera un jeu de incroyablement stylé. Par contre, là, il va falloir que... Comment on fait, là? Non, mais ça veut dire qu'on va perdre du temps, on va perdre un temps fou là, ça veut dire. Parce que là, logiquement, oui, mais contresens, oui, je suis obligé par contre. Là. Ah bah là. Attends, mais comment? Attendez, il faut faire demi-tour là, comment on fait? Ok, on va essayer de faire demi-tour, on va se coller au bord. Attends, on va refaire demi-tour. Vous êtes prêts les gars? 3, 2, 1. Ok, ok, ok. Faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Oui, 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 oui. Putain, ce jeu est réaliste. Ça y est.
J'ai réussi à faire demi-tour. Bon, c'était là, c'est le pire jeu. Parce que niveau réalisme, on est au max là. Putain, je fais de la merde. Mais du coup, je suis passé. Mais ouais, j'aurais pas dû passer. Aïe, aïe, aïe. Je suis mort, je mets le clignot. C'est le mec qui a fait 1 km en marche arrière. Good evening, moderator and chat. Hello. Attends, c'est à dire que là, on a 724 km là. Ah, ça va, on n'a pas trop perdu. Oula, qu'est-ce qu'il me fait le GPS là? Putain, il me fait quoi le GPS? Non, les musiques sont pas de Foxinity. What? Faut prendre comment un échangeur là? Attends, quoi? Je sors à droite. Et j'ai peur que, en fait, il me refasse passer par la route. Oh, ça penche là, non? Oh putain, ça glisse. Oh putain! Oh putain! Tenez la droite. Ah, c'est bon, je voulais ramasser un bout de sapin, c'est pour ça. Je me suis keblo. Putain, Stervio, qu'est-ce que tu nous fais, Stervio? C'est bon, tout va bien. Ah non, tout va pas bien. Ah, c'est bon, je le remettrai quand je reviendrai. Tu es pas doué, mec, reste sur farming. Je pense que là, là c'est compliqué, là. Et du coup, faut que je prenne quelle route, là? Y a pas le choix, là, faut que je prenne cette route. Ok. Maman la fougère, maman la fougère. W, c'est quoi W? Ok, bon, on reprend un échangeur. Et dès que je vois que ça penche trop, faut ralentir. Hein. J'avoue que moi, je ralentis pas. Putain, vous voyez, il est pas assez puissant, le camion. Non, mais tu retournes aux travaux. Non, normalement, je retourne pas aux travaux, si. Je retourne aux travaux, là, encore? La route bloquée, c'est celle-là. Donc ça veut dire en fait il faudrait que je passe là. Et là je descends et je rejoins ici. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je passe par là. Il n'y a pas le choix. Vas-y, bah je continue tout droit, ça veut dire là. Bon bah les gars, ok. Hein. On perd pas trop de kilomètres, ça va, mais putain, fais chier les travaux là. C'est test The Road 2. Ok, bah je connais pas, mais ouais. Pourquoi pas alors hein. Oh là là, merci pour les 1600 pouces bleus, waouh. Tu lèves sur le truc, c'est beaucoup trop bien et t'es trop drôle. Ah, je sais pas si je suis drôle, mais en tout cas, Mama guette l'auto du seigneur. Bah là, la pauvre éolienne, j'ai peur qu'elle tourne mal du coup là. Là, ça risque de. Même s'il y a du vent, elle tournera pas beaucoup là. On dirait un cockpit le bordel. On dirait un masque à gaz. Tenez la gauche. Tenez la gauche, je tiens à gauche. Ouais, Mister Wallon, Youknou. Ah non, j'ai lu Mister Wallon, mais non, il a marqué Mister Stervio. Aileron en carbone. Ah, bah là, les ailerons en carbone, je suis pas sûr qu'ils sont toujours. Enfin, ils sont en carbone tordu maintenant. Moi, je t'adore quand tu joues drôle. Je joue pas drôle, c'est juste que je suis nul. Non, en vrai, je fais exprès, mais tu vois. Enfin, je fais. Non, je fais pas exprès, mais quand t'es en live, tu veux pas te concentrer comme jamais. Et Ok, bah là, on continue notre route, hein. Là, on continue. Attends, on consomme combien? Ah oui, enfin, j'ai mis une touche. Ça marche ou pas ma touche? Ah non, elle marche pas. J'avais mis une touche qui zoom. Oh oui, je l'ai mis là. Regardez, on peut zoomer. 59 litres au 100. Ah ouais, trop bien. Ah oui, c'est trop stylé. Trop stylé. Oula. C'est mieux farm. Non, en vrai, c'est bien de changer un peu de jeu des fois. Mais vas-y, en vrai, c'est drôle. Mais pourquoi il me fait sortir pour me faire re-rentrer après. C'est quoi le délire des chenilles? Ouais, en vrai, arrêtez avec les chenilles, monsieur. C'est un délire nul. Mais c'était drôle à un moment, mais là, tout le monde spam des chenilles. C'est plus drôle, là, arrêtez! Tu l'as trouvé où, la 4L et la ZX sur farming? Alors là, je sais plus, la ZX, c'était Swan qui l'avait fait. Tu l'as configuré où, la touche? Dans les réglages de touche. Et là, ping, merde. Regardez ça, tu peux zoomer. Là j'ai mis une touche, je sais pas ce que ça fait. Là je sais pas. Ah, ça c'est le régulateur, ok. Régulateur de vitesse, voilà. Ok, je touche plus les pédales, magnifique. Avec les enfants, on préfère. Ah, vous me regardez en famille, ça veut dire. Qui me regarde en famille? Qui m'a mis sur la télé? Ça arrive en vrai des fois. Ça fait bizarre, mais merci. Bon bah là, y a pas plus calme. Hein. Voilà la vie de routier. Tu roules, tu roules. Oh merde. Oh.
Le bus, merci, merci, merci. Quand tu mets les clignots, le bus, il s'arrête. Wow, 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 freine pas trop. Sortez à droite. Moi. Ah oui, il n'y a qu'une rien. Le jeu coûte combien? Le jeu, il coûte... je n'ai aucune idée. Je dirais 30 euros, mais le DLC... Enfin, tous les DLC, quoi. Enfin, tous les DLC ensemble, je crois qu'on est à plus de 100 euros. Je pense. Hein. Moi. Ah, et bonjour la famille, alors. Je fais un peu de camion. Voilà. J'ai pris en stage sur le siège passager. À quand bus si m'attend? Ben je sais pas. Hein. Par contre, faut peut-être que je roule un peu sur les voies là parce que. Oula 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 oula. Allez accélère accélère. On rétrograde. Plein gaz. Avec mes deux enfants sur la télé. Ah ouais stylé. Ben salut les enfants d'Anto. Vous devez vous foutre de ma gueule. Putain mais il conduit mal lui. Arrête, arrête de zoomer, ça me fait bugger. Hein? Je suis... Oh, merde. Attends, il y a un feu. Mais quoi? Oh! J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Ok. C'est bon, il y a le... Pourquoi il recule mon camion? Putain, j'ai fait de la merde là. J'ai pas vu. Tu sais dans combien de temps t'arrives? Dans 9h22. Mais dans le jeu, donc en vrai... 21h26, ça fait que on arrive, je dirais dans 20 minutes. Je dirais dans 20 minutes max. Ma femme se fout de ma tronche. Ah, donc c'est pas la mienne. Pourquoi? Alors, Flight Simulator, les gars. J'aurais trop envie de faire du Flight Simulator, mais j'ai pas le niveau. Et j'ai pas... Bah, déjà que sur Autrock, j'ai pas le niveau, mais alors là... mais ouais. C'est qu'on voit des messages, là. Tu sais pourquoi quand je lance F19 sur ma partie... Ah, j'ai pas vu ce que t'as dit. On peut rouler, là? 80. Allez, go. T'es un danger public. Oui, c'est vrai. Quand je pense que mardi, je fais 600 km. Ça va le faire. Non, en vrai... Oh, il y a un mec là-haut. Ah, oh, il fait coucou. Voilà, je lui ai fait coucou. Oh, le klaxon. Regarde, il y a le klaxon. Et les trompantes, c'est 40 à l'heure, là. Hein? Quoi? Ok, c'est ça qu'il faut faire. Et quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. C'est passé quoi là? Tenez la gauche, puis tourne. Je tiens la gauche, waouh. Allez, allez, passe la vitesse. Si tu fais 600 km, ne sortez pas de chez vous. Ça va. Ah, il s'est trompé le GPS? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bizarre les ronds-points. Bah là c'était pas un rond-point, enfin je dis pas, c'était bizarre. Tournez à droite. Là on va direction truc. Et mon jeu il est pas fluide là, il y a un problème d'FPS j'ai l'impression. Il y a un problème d'FPS, mon jeu il est pas fluide. Je sais pas pourquoi. Ça doit pas se voir trop sur le live mais moi je le vois vraiment. Les gars rentrez chez vous, mais non ça va, attends c'est confinement au calme. Personne rentre... J'ouvre les vitres là, il fait chaud. Tenez la droite, puis sortez à droite. Regardez-moi ça, comment il fait beau là. Ah mais si, attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je sais pas, j'avais configuré une touche, mais ça marche pas. Allez, accélère. Il avance pas. J'attends le panneau. Ah, t'as dit quoi? Attends, j'ai pas vu ce que t'as mis. Merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah voilà. Montre-nous le camion. Regardez-moi ça. Bon, il est un peu moche, mais... Stervio. Magnifique. Allez, quand tu mets les clignotants... Ils sont trop beaux, j'ai l'impression. Ah ouais, ils sont trop stylés. Change le camion, le Scania... Ouais, le Scania, il a accéléré vachement mieux. Hein, parce que le Scania, on pouvait monter à 700 chevaux. Celui-là, au maximum, il est à 580, je crois. Donc, c'est pas énorme. Hein. Donc, je pense qu'on va changer de camion après ce voyage. Ça peut être sympa. J'ai dit... J'attends le panneau Portugal. Mais là, je vais pas au Portugal, là. Après, prochaine mission, je vais au Portugal, alors. Mais là, il y en a pour bien une heure avant que je te vois le panneau Portugal. Salut, Olivia. Regardez, il y a Madrid, c'est pas encore ça. Oh, il freine, lui, il faut pas freiner. Même moi, j'ai plus vite. Rentre, je vais redémarrer mon jeu, je pense, hein, parce que là, le jeu, il est pas fluide. Ouais, mon volant, regardez mon volant, comment il bouge. Regardez mon volant. Il bouge tout seul. Washter, you les gars. Tu vas arrêter ce soir? Ouais, pourquoi pas. Ah mais c'est dans longtemps, bah ouais. Bah oui, je suis pas allé au Portugal, j'étais en Espagne. Allez, accélère, 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 accélère.
Je suis à 52, on dirait ma Clio, ma première voiture là. Prends un Scania. Bah, on avait un Scania. On avait un Scania quand d'ailleurs? Hier? Hier, on avait un Scania déjà. Il faut changer là. Ah merde, maintenant je suis pas dispo là. C'est les gyrophares qui font bugger ton jeu. Non, 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 mais non, les gars. Hier, il y avait des. Non, c'est pas ça, mais. En fait, depuis que j'ai chargé la sauvegarde, ça fait bugger. Tu as fait espagnol ou allemand? J'avais fait espagnol quand j'étais au. À l'école primaire. Non, en vrai, au collège, j'en avais fait un petit peu, mais. Mais non, je suis nul, moi. Les gars, c'est quoi vos langues que vous avez appris? Bon, je pense tout le monde anglais. J'avais fait du latin, je me rappelle. Latin, anglais, vite fait espagnol. Mais anglais, ouais, mais bon. Tu fais plus de farming, Ster? Bah là, en ce moment, non. Là, je fais. Demain, il y aura du farming, c'est sûr. Chaîne principale. T'es trop le boss. Tenez la gauche. Anglais, allemand. Ah ouais, allemand, jamais. Ouais, il n'y avait jamais d'allemand. Italien. Ça fait rien. Espagnol. Mon volant, c'est le G920 de Logitech. C'est quoi le plus puissant? C'est un Scania qu'on avait hier. Enfin, les gars, bon, je suis pas alerte. Lire vos commentaires, c'est compliqué. Hein. Là, c'est pas farming. Bon, tiens, il y a un tournant là. Oula, oula, oula. Je vais ralentir un petit peu là parce que là, je sens le drame arriver. Ça passe, ça passe, ça passe. Allez, plein gaz. Accélère, accélère. On arrive. Putain, mais vraiment des kilomètres qui descendent pas vite là. Tu pourras faire du Fortnite. Alors, je ne pense pas. Non, en vrai, j'aime pas Fortnite. J'ai jamais kiffé. Même quand c'est la période où c'est que tout le monde jouait à Fortnite, franchement, j'accrochais pas trop. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà, si j'ai ralenti, ben, je vais pas arriver tout de suite. Quoi, mais hein? Oh, il est con. Mec, faut que je mette ma touche de klaxon sur. Oh, il y a les flics à côté. Il y a les flics. Regardez. Merde. C'est les flics, ça. Ben, je sais pas. C'est quoi, ça? Il y a marqué quoi? Il y a marqué Guardia. C'est quoi, Guardia? Volvo. Est-ce que je le vois dans le rétro? Non. Là, je suis solo, ouais. Il n'y a pas de multi. Mais je pense que je vais faire en live, quand j'aurai découvert un peu plus le DLC, j'irai par contre faire du Euro Truck. Mais j'irai faire du Euro Truck, les gars. Ah, mais il me doublait, hein, regardez, il est là. Eh oh, je vais plus vite là. Non, en vrai, je suis à fond. Non, en vrai, je ferai du Euro Truck sur la Promode. À ce qui paraît, la Promode, c'est une map, mais vraiment incroyable. C'est la police d'Espagne. Si tu fais F4, il règle le siège. Mais là, je suis bien à ma place, non? Là, en vrai, je suis pas mal. Non, moi, il marquait. Là, c'est régulateur à 100. Non, elle va accélérer la Guardia là, non? La Guarda. Parce que là, je suis à fond. Allez, passe là. Allez, passe, passe, passe. Et tu veux pas doubler? Ah, voilà, il a décidé. L'accélère, accélère. Et pourquoi il ralentit? Accélère. Oh non, je suis à fond. Oh non, je vais ralentir. J'ai pas assez de puissance. Oh, il y a un péage en plus. Oh non. Pourquoi encore un péage? J'en ai marre des péages. Oh merde, mais putain, mais c'est pas possible ça. Mais pourquoi vous ralentissez tous au même moment? Mais c'est pas possible. Putain, j'ai tout cassé. Merci Romuald. Romuald qui donne 10 balles. Franchement les gars, c'est peut-être pas le meilleur live là, parce que là je mets pas de... Là c'est pas le meilleur contenu que vous ayez vu quoi. Merci Romuald. Prends un Volvo 750 double essieu 6x4. Ouais. Je pense que je vais retirer le limitateur, ouais. Je pense que là on va le retirer parce que ça avance pas. À 90 km/h ça avance pas. Vas-y les gars, on va faire ça. Je dis pas que je vais rouler à 150, mais bon, quoi que si en fait, mais je vais l'enlever parce que comme ça on va aller un poil plus vite quoi. Alors, déjà éviter les autoroutes, du coup on va l'enlever. Le plus rapide, le plus court, j'aurais dit le plus rapide. Calcul d'un nouvel itinéraire. Type de transmission, on s'en balèque, on s'en balèque. Frein moteur, on s'en fout. C'est où que j'avais dit. Attends, je voulais faire quoi? Merde, j'ai oublié ce que je voulais faire. Merde, je voulais faire quoi? Mais je suis débile. Mais attends, mais je voulais faire quoi dans les réglages là? Attendez, je voulais faire quoi? Attends. Mais mec, je voulais faire quoi? Attendez, dites-moi ce que je voulais faire. Limiteur. Ah mais oui, putain, je suis débile. Oh, je suis débile. Limiteur. Alors, limiteur. Estimation de la fatigue. Transmission. Flexible. Ça doit être là, le limiteur. Attends, mais c'est où le limiteur?
Déviation, nanana. Stabilité du camion. Frein moteur. Limiteur de vitesse. Allez, ça dégage. La fatigue. Ouais, non, on s'en fout la fatigue. Ok, là mon gars, on est parti. Là ça va accélérer. Merci les digues. Bah, du coup, la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo que j'ai tournée hier, je vous avoue. Et en vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse des millions de vues, mais au final, elle vous a quand même vachement plu. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir le jeu sur PS4? Je sais pas. Peut-être. Allez, les gars, accélère. T'es vieux. Quoi, je suis vieux, je suis pas vieux. La moustache. Ah oui. Mec, il y a eu tellement de commentaires sur la moustache, mec. Ça va, juste parce que je l'ai pas coupé un jour. Ça y est. Merde. Allez. Voilà. Excès de vitesse. Ah. Bah, c'est combien? Bah, je suis qu'à 90. Pourquoi excès de vitesse? Si tu oublies tout. Ah oui, je suis vieux parce que j'oublie tout. Bah oui, c'est vrai. 3 GPS du camion plus la carte. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand j'ai toujours été habitué au GPS du camion. Genre le GPS qui est là, quoi. Et du coup, je regarde même pas le téléphone. Vas-y, mais je regarde maintenant. Mais ouais, en fait, à part s'il y a une touche pour voir les vitesses que t'es en séquentiel. Ah, je suis en 12, c'est ça? Non, ça affiche pas, si. Je sais pas. Bon, rentre là, on trace un petit peu là. Et ouais, je viens d'arriver, j'ai loupé quoi? Oula, t'as loupé une heure de live. Oh, le reflet, regardez le reflet sur la rambarde. Trop stylé. Par contre, ça reflète des bâtiments. Sauf qu'il n'y a pas de bâtiments. Vous avez vu le tracteur? Incroyable. Bon, bah, j'accélère. Alors, par contre, on va se prendre des radars. Hein, parce que dans le tunnel, les gars. Le problème, c'est que si je ralentis, après, pour reprendre de la vitesse, c'est la galère. Hein. Donc, on va rester comme ça. Et là. Voilà, j'arrête. Appuie sur espace. Non, espace, c'est le. Mes fruits préférés. Quoi? Accélère, Mounier. Ouais, mais là, regardez, 121, déjà 121, ça fait. Je fous un peu vite. Mais bon. Ça se passe. C'est limité à 100. Ah. À quoi? Tenez la gauche, oui. Je montre. Je suis à 130. Est-ce que je respecte. Je respecte. Enfin, je respecte. Je suis quand même à 130, quoi. Je fais quoi, là? Je reste à cette vitesse ou pas? Parce que là, je vais vite, là. C'est le vrai Starview. Bah, non. Moi, je suis une copie. Le moteur, il va exploser. Bah, ouais. Oui. Oh. Ça va. Tenez la droite et sortez à droite. Alors, dans la vraie vie, j'aurais jamais fait ça. Et là, on n'a pas le choix. Sortez à droite, oui. C'est quoi ce bruit? Oh, c'était le train qui passait en dessous. Oh, il y avait un train qui passait en dessous, vous avez entendu? Trop stylé. Vraiment stylé, par contre. Le mec est à 130 avec un 33 tonnes. 33? C'est pas plus? Non, 21 tonnes. Ça va. T'as pas le droit d'aller sur la troisième file. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Accélère à fond. Ouais, mais les gars, déjà que. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent que je joue RP, tu vois. Tenez la gauche, oui. Putain, vous voyez pas le rétro? Je regarde le rétro, vous le voyez pas parce que du coup, il y a ma caméra derrière moi. C'est pour ça. Mais je regarde. C'est flou, c'est normal. Non, c'est pas flou, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu viens de faire la fête avec moi. Des potes, on est 70. On est 70? Ah! Mais écoute, ça commence à faire beaucoup là quand même. Oui, à fond les gamelles. À fond les gamelles, c'est quoi ces expressions? À fond les gamelles. Mais le fond vert. Ouais, mais je n'ai pas le. Enfin, en vrai, si le fond vert, je l'ai. Mais ouais, mais les gars, j'ai un décor de ouf, je vais pas être. Enfin, de ouf. Non, j'ai pas des camions américains. Non. Madrid, oui, on arrive à Madrid. Par contre, ça va aller beaucoup plus vite là. Là, il nous reste. Il nous reste plus que 400 bornes, il y en avait 600 tout à l'heure. Paf dans le sanglier. Regardez les paysages un petit peu. Oh, c'est quoi? C'est un stade? Oh, attends, on est à Madrid, c'est le stade de Madrid. Non? Non, c'est quoi? Ok. C'était le stade de Madrid?
J'en sais rien. Gestaf. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Salut, loulou. Yo, loulou. Allez, accélère, accélère, accélère. Plus vite. Regardez le petit cube, là. Voilà, je m'amuse que comme je peux. Valouz a acheté une ferme en Bretagne. Ah ouais. Je vais aller faire un vlog. Allez lui dire que je vais faire un vlog dans la ferme. Il a vraiment acheté une ferme. Mais c'est ouf. Il est malade. Il est malade. Mais pourquoi il a fait ça? Vous savez que vous avez vu qu'il avait acheté une ferme? Il a acheté une ferme. Mais qu'est-ce qu'il veut foutre de ça? Il veut la restaurer? Hein? Il est malade. Par contre, attendez, il me reste beaucoup de gasoil ou pas là? Un petit peu. Tu transportes quoi? Valos, il a... Ouais, ouais, c'est faux. Je sais pas. Hein. Il a perdu une proba. 130 Tarley Wandowski. Bah là, 130, non. C'est plutôt 90 parce qu'il galère. Tu crois à tout, toi? Ah, c'est pas faux. Enfin, ah, c'est faux. Là, je pensais. Je sais pas, j'ai pas assez. En vrai, c'est possible. Hein. Une petite ferme qui coûte pas cher, tu peux trouver un truc pas cher. Mets le fond vert, s'il te plaît. Ah, mais les gars, non, je mets pas le fond vert. Vous êtes ouf. Oh, des tracteurs. Ça, c'est des Lamborghini, ça, non? Non, c'est des... C'est un mix entre des Dutz et des Lamborghini, j'ai l'impression. Oula, je vais un peu vite, là. Je roule un peu vite. Les Sinek, ils disent qu'il a perdu un pari, donc peut-être que si. Ouah, c'est quoi ces paysages, là? Ouah. Oula, Brandt, ralenti, c'est arrivé. Ralenti, ralenti. Non, me retourne pas, s'il te plaît. Ok. On va rester à 110 parce que là, on va un peu vite. Tu roules vite. Oui, désolé Mathilde, ça va. En même temps, je vais finir ma mission. Ça va, je me cale à... Ou alors je me cale à 100. En vrai, c'est une ligne droite, ça. Maxime, joyeux anniversaire. Pied au plancher. Ouais, bon, encore là, ça va, c'est une ligne droite. Et je transporte quoi? La vitesse, la vitesse. Ah oui. Mais non, je suis en 12e déjà. Je suis déjà en 12e. Oh, une Clio! Ah. Pour ralentir? Non, c'est bon. Tu fais de la F1? Pas du tout. Pas du tout. Putain, mais regardez, c'est vraiment ma voiture, ça. Sauf que moi, elle est en... Ah non, elle a pas la petite bague, tu sais, grise, la petite ligne grise en dessous le logo. Transporter Caballeria. Ok. Attends, il va faire nuit là, c'est quelle heure? 17h? 17h49. Hein? Ah, ok, tournez à gauche. Enfin, tournez à gauche. Trop belle. Par contre, c'est... Ah, le jeu est beau. Oh, des bottes! Et quelques petites bottes. Par contre, les aires de repos, regardez, les aires de station et tout, on dirait vraiment des vrais trucs. Hein. Franchement, ils ont géré. Bravo, tu montres le bon exemple aux enfants. Ne roulez pas au-delà des limitations. Ça va, on est sur un jeu. Bon, il y a marqué simulateur dans le nom, mais... Salut toi, Twan. Je transporte une éolienne. Enfin, un truc d'éolienne là. Regardez ça. Attendez, mais là, je sais pas, faut que je me concentre un petit peu là. En plus, je suis pas censé rouler à gauche, moi. Attends, on va ralentir un tout petit peu parce que là, j'ai l'impression que je vais un peu vite. On va se caler à 100. 101, 100. Voilà. Oh, il y avait un accident. Ah non, attends, on va ralentir parce qu'il y a du monde là. Allez, ralenti, ralenti. C'est bon. Ton essence. Ouais, je crois que j'ai plus beaucoup d'essence là. Un jour, je suis allé à 140 avec ton père avec un camion en descente. C'est pas mal. C'est un peu vite quand même. Tu fais les 200. Non, en vrai, 200, je pense, c'est impossible. Du moins, avec les jeux de le jeu de base. Dis donc 100 km avec un camion. Oh, ça va. Tu vas voir. En vrai, je roule pas vite, tu vois. Tenez la gauche. Oui. Attends, je vais où? Je ne vois pas le panneau. Corbora, je sais pas quoi là. Partez si vous voyez Stervio. Comment s'appelle ton jeu? Ouah, comment t'écris? Retire ta tête, ça fait moche. Ah, mais oui. Non, je la laisse. Après, où est-ce que je pourrais me mettre? Parce que si je me mets là, si j'affiche la carte, vous verrez pas. Si je me mets au niveau du rétro en haut, bah non. Donc, bah voilà, je reste comme ça. En vrai, c'est beau le jeu, non? Bon, je suis pas fluide, vraiment, je suis vraiment pas fluide sur le jeu. J'ai des mini-freeze. Je comprends pas pourquoi. Bizarre.
Tu peux faire les 200 sur American Truck. Oh, il y a les keufs. Oula. C'est joli le camion là. Attends, je passe la bonne voie là. Va voir sur Instagram pour une visite. Hein. Ah oui. Ouais. Bah sur Instagram, j'irai voir les gars. Je vous ai mis une petite photo sur Insta tout à l'heure. D'ailleurs, on est 48 800 là. C'est obligé que dans ce live, il y en a qui sont pas abonnés. Mais allez faire un tour sur Insta, vraiment. On va passer les 50 000 très bientôt. Et c'est trop bien, quoi. Merci beaucoup, vraiment. Attends, mais il y a des messages. Attends. New trucks and new employees. Ok, yes, yes, my. Yes, Larziz. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Ton essence. Oui, c'est pas d'essence. Ça va, il me reste assez. Mais on va pas faire comme hier parce que hier c'était un peu le. On voit où combien il nous reste d'autonomie là. Attendez, il dit quoi là? Il me reste. Je crois qu'il y a écrit 855 km. Ah non, c'est ce que je fais ça. C'est écrit où ce qui va. Attendez. Il me reste 946. Ok, je peux faire encore 900 bornes, les gars. Je peux faire encore 900 km. Et il me reste combien de kilomètres en arrivée? Il me reste 200. Donc, les gars, il y a large assez. Hein. Il y a vraiment large assez. On va accélérer un petit peu. Voiture jaune. Voiture jaune. Roule jusqu'à 2h du matin. Peut-être pas. Par contre, là, quand je vais arriver, les gars, rappelez-moi. Les gars, quand je suis arrivé, quand j'ai mis ma mission, vous me dites va mettre du bois. Parce que le feu, il va s'éteindre. Je vais oublier encore. Je me caille. En plus, je suis en t-shirt. Mais bravo. Il fait moins 12 degrés là. Bon, j'abuse. Mais... Tu devrais jouer à F1. Je te verrai bien dessus. Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi pas. Mais en fait, je suis pas habitué à faire des jeux où c'est qu'il faut se concentrer. Et genre, en fait, je fais toujours le gogol. C'est pour ça, je pense. si j'apprenais à jouer concentré, peut-être que. Peut-être qu'on y arriverait. Non, en vrai, ça va encore là. Ça va, abusez pas, je roule pas non plus comme une merde. Un peu. Ne vous inquiétez pas, je regarde mes rétros. Hein. Vous dites, oui, regarde pas ces rétros. Combien de kilomètres? C'est qu'on voit des messages. Oh, il y a Biscotte qui enlève. Combien de kilomètres 172 kilomètres. Et ça descend hyper vite, donc on va arriver très bientôt, les gars. On y arrive bientôt là. On y arrive. Demande à le bouseux, il voudra bien, c'est sûr. D'ailleurs, allez voir en story Instagram, les gars. Je vous ai mis une story quand j'ai vu le bouseux. D'ailleurs, c'est son frère. Mais je sais pas comment il s'appelle son frère. Bah, non. Est-ce que vous savez comment il s'appelle le frère de le bouseux? Le petit frère. Je sais pas s'il a un grand frère d'ailleurs, mais. Je sais pas comment il s'appelle. Lucas. Non. Je sais plus. Est-ce que vous savez? Martin. Ah, c'est Martin. Ok. Ben voilà, du coup. Allez voir, vous avez... ceux qui ont vu, allez voir la vidéo de. De le bouseux de tout à l'heure là, il est sorti une vidéo. Et il dit il fait désolé Starvio. Et en même temps son frère il m'a déglingué mes champs là, il a roulé dans les champs. C'est drôle. D'ailleurs j'ai eu la chance de le voir parce que je regarde, des fois je regarde, enfin je regarde pas tout le temps les vidéos, mais là j'ai regardé la vidéo et pile à son moment-là j'avance. Je fais oh c'est drôle, il fait le con et tout son frère. Et là je regarde, il fait oh Starvio. Je fais putain j'aurais pas regardé. Et après j'ai des abonnés qui m'ont identifié sur Insta. Donc j'aurais vu, mais du coup c'est cool. C'est sympa. Il fait quoi Zero? Alors là, aucune idée. Je sais pas du tout les gars. Qu'est-ce qu'il fait Zero? J'en sais rien. Tu peux faire du Rocket League. Oh merde. Oh là, la météo elle est trop belle. Hein. Oh le temps il est tellement beau. Mais si les gars, je fais. Alors, sur Farming, je fais moins de vidéos parce que bah c'est pas ouf quoi. Farming les gars, on a fait un peu le tour du jeu. Mais je fais beaucoup de live. Parce que faire des vidéos sur le jeu, c'est pas pareil que faire des lives. Bon, je roule un peu vite là. Bah on va se caler à 124. On va se caler à 124. Chauffard. Starvo, c'est bien Michou et Noxta qui ne faisaient pas partie de l'aventure farming. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Michou et Noxta, ils n'ont jamais fait de farming. Mais après, je comprends, tu vois. Michou, peut-être qu'il aurait pu kiffer. Wow. What? Michou, il aurait pu kiffer, mais Inox, il est pas. Ça se voit, il est trop excité. Il pourra pas jouer à farming. Oh là là. Par contre, on va aller dormir, je pense, hein, parce que là. Ouais. T'as trop de la moustache dans ta dernière vidéo. Mais oui, mais les gars, vous m'avez fait remarquer ça, mais juste que je me suis pas coupé la moustache. Ça va, des fois j'oublie. Là, il est pas là, regardez. Hop, nickel. Bon, c'est quoi ces buissons énormes là sur le bord de la route? Tu te bouffes un buisson, t'as pas l'air. Fais-moi le malin. Bon, on arrive bientôt là? Oh, 96 km. Oui, on arrive bientôt.
D'ailleurs, est-ce qu'elle est là, Mathilde? Mathilde, Mathilde, Mathilde. Mais je suis là. Est-ce qu'elle est là? Elle s'est barrée, c'est ça? Bravo. Le jeu, écoute. Oh, je sais pas. Le jeu, les gars, je l'ai depuis des années. Ça va faire peut-être 5-6 ans que j'ai le jeu. Ça, c'est mon premier jeu, les gars. Si vous marquez. Je pense que si vous marquez Stervio, Euro Truck Simulator, et vous trouvez une vidéo de. Il y a 4 ou 5 ans, les gars, je faisais des vidéos sur le jeu, mais c'était nul, mais nul. C'était vraiment nul. Enfin, même toujours maintenant, tu vois, mais. C'est ta meuf, Mathilde. Mais non, c'est pas ma meuf. Oula. Pardon pour vos yeux. Non, mais c'est une pote, Mathilde. C'est elle qui, c'est à cause d'elle, qui a des chenilles partout, d'ailleurs. Bon, ben on roule, hein. C'est encore 1500. Ah, c'est barré, c'est ça. Bravo, bravo. Bon bah écoutez, ralenti non. C'est vrai que je fais un peu vite. Mais là ça va. Bon, oh, c'est couvert de ouf le temps là. Et vous savez que j'aime. Eh les gars, est-ce que vous aussi vous aimez trop ce temps? Moi j'aime trop quand il a fait chaud toute la journée, il fait un petit peu lourd et que le soir il y a un putain d'orage. Genre en fait c'est entre l'orage et le beau temps, tu vois. Genre il fait beau et genre c'est un peu c'est le moment où c'est que c'est couvert, tu vois. Par contre faut sortir là. C'est le moment où c'est que ça, le temps il est hyper couvert, il est tout noir et tout. Tu vas trop vite, Poutin. Mais non. J'aime trop ce temps. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Et voilà, genre c'est un bat, il fait un petit peu lourd et tout. Genre, il fait chaud, mais tu vois que les nuages ils sont tout. J'aime trop ce temps. Voilà, c'est moi. Et après, quand ça pète l'orage en général, là, bam, l'été, il y a des putains d'orages de ouf. Est-ce que je suis seul? Je crois que je suis seul. À quand un nouveau farming avec les croutons? Oula. Bah je pense au prochain farming, hein. Peut-être qu'ils auront envie de rejouer dessus. On va juste passer par là. Excusez-moi, la voiture elle va me foncer dedans, je le sens. Là on va arriver bientôt, on est où là? On est à... Oh, on arrive à l'aéroport de je sais pas où. C'est un je t'aime. Ah ok. Merci je sais pas qui. Oh, un hélicoptère! Incroyable. Incroyable, un hélicoptère. Donc voilà. Salut. Salut les gars. Moi aussi j'adore ça. Ah ouais? Ça va, je suis pas le seul. Mais les gars, cet été ça va quand je serai en moisson là. En vrai, ça va être bien, mais ça va être. D'un côté, ça va être bien, mais ça va être compliqué de. Je sais pas comment je vais réussir à gérer ma chaîne aussi quoi. Parce que bah, en moisson, t'es là pour bosser quoi. Je peux pas dire, ah bah je me barre, je vais tourner un vlog. Il y aura des moments où c'est que je pense, tu vois, malheureusement, j'essaierai de trouver des créneaux, je sais pas s'il pleut ou quoi. J'essaierai de trouver des moments où c'est que j'arrive à. Ah, où c'est que je peux tourner des vidéos. Pourquoi vous dites voiture jaune, y'a quoi? Il y avait une voiture jaune? Oh, on arrive à Courdou. On arrive là. 5 km. Bon, on y est, les gars, on est arrivé. On y est arrivé, les gars. Yes! On est enfin arrivé. Oh là là. Attends. Allez, faut sortir. Oh, mais les gars, j'adore la météo de nuit. C'est trop beau le jeu. Vraiment. Alors. Je prends la quatrième sortie. Y'a personne à droite. Nickel. Il y a des travaux, c'est quoi ces phares là? C'est des lampadaires. Klaxon, oui! Ah, mais je suis dans le tunnel là. Ok, je regarde mon petit GPS sur le truc, c'est bon. Tenez la droite. Salut. Boiserie. Ah, c'est la boiserie! C'est bien la boiserie ça? Le bois, oublie pas. Ah oui, mais on n'est pas arrivé encore! Arrêtez pas. Ah, vous avez pas oublié. Oh, c'était là. Vous avez pas oublié. Attends, mais on est pas arrivé quand j'ai posé ma mission, les gars. Pour entre mon poil, il y a encore des braises. Je vois que ça. La lueur du bois. Vent en Bretagne, ouais. Vent en Bretagne. Ben, je vais en Bretagne. En fait, normalement, mardi, je vais chez Étienne. Et mercredi, j'aurais pensé aller chez HLG. Mais au final, vaut mieux que j'y revienne plus tard. Merci, Rouge. Vaut mieux que j'y revienne plus tard parce que son bâtiment, il est pas encore terminé. Donc c'est con de montrer un bâtiment qui est pas terminé. Tenez la droite. Donc en fait, ça me fait, enfin, d'un côté ça me fait un peu chier de faire 600 km, 6 heures de route pour une vidéo. Mais bon, après... C'est pas grave. Prenez la troisième sortie. Quand j'étais allé chez Gaël Blard, les gars, je me rappelle, j'avais fait... ouais, 5 heures de route, je crois. Et pour une vidéo, tu vois. En plus, c'était une vidéo qui avait pas beaucoup marché sur ma chaîne, je me rappelle. Elle avait un peu bidé la vidéo. Mais du coup, c'est pas grave. Hein. C'était cool, tu vois. Alors, oui, on est arrivé, oui. Va chez David. Chez David, les gars, c'est prévu. Je vais chez David Forge en fin avril. Voilà. Mais j'ai pas pensé qu'il est... David, il habite où? Ah, j'avoue, il habite où, David?
Mais allez, passe la vitesse. Non, mais non, David il habite à une heure d'Alexandre. Donc Alexandre il habite vers Châteauroux. Donc David il habite dans le sud. Enfin dans le centre, je veux dire, dans le centre de la France. Ouais, ouais, vers Tours. Non, Tours c'est vers Tours. Ah, peut-être. Le bois, oui, attendez. J'arrive. Oula, oula, je vais un peu vite là. Je vais un peu vite là. Oh, attends, quoi? Je vais réussir à me garer? Non, je suis mal mis. Je suis mal mis, mais quand même, hein. J'ai géré. Le bois, le bois, le bois, oui. Je vais mettre mon bois. Ouais, les gyros, comment ils font? Oh merde! Oh merde, j'ai cassé les. J'ai tout cassé. Oh merde. Attendez. Allez. Oh attends, je suis bien garé là. Bah, c'est la remorque qui est de la droite. Le camion, on s'en fout un petit peu quoi. Voilà! Oui! Vache chez Guillaume, élevage de brebis. Non, par contre, en vrai, les gars, je vous le dis, j'ai envie de faire un tournage. Alors, c'est peut-être pas un tournage qui va être hyper heureux. Mais en fait, j'aimerais bien essayer d'aller chez des gens qui font de la vigne et filmer en fait, genre, au moment de genre comment ils font pour protéger leur vigne, quoi. Genre, ça peut être trop bien, je pense, de filmer quand ils mettent des bougies partout, partout, partout. Essayer de filmer un petit peu tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, visiter un peu aussi leur ferme aussi. Mais en fait, je sais pas si c'est vraiment. Oui, le bois, je mets le bois. Vas-y, les gars, trouvez une mission. Attendez, je vous mets une mission qui peut être sympa là. Attendez, y a pas. Ah ouais, voilà, attends, je vous mets à peu près le bon écran. Ah, y a pas beaucoup de missions là. Il faut essayer d'aller au Portugal, les gars. Oh, bah les gars, on a vu, on prend celle-là. J'allais mettre du bois, j'arrive. Ok, les gars, je suis là. Oh non, j'ai renversé mon verre. Oh non, on dirait qu'il y a de la pisse par terre là. Putain, voilà. J'ai renversé mon verre, les gars. Heureusement qu'il restait que un petit fond. On écrit tous bravo. Putain, il y en a partout. Putain, il y en a partout. Bon, du coup, voilà. Change de camion. Ah oui, on va changer de camion parce que c'est vrai qu'il est pas. Enfin voilà quoi. Et du coup, on prend quoi? Parce qu'on veut bien qu'on change, mais bravo. Putain, mais il y en a partout. Je suis débile. Alors, un Scania, bon, on avait déjà un Scania, donc c'est celui-là qu'on avait. Donc on va pas reprendre un Scania. Il y a du Man, mais je sais pas, Man, je suis pas fan. Bravo. Man, ouais, non, je sais pas. Mercedes, ça peut être sympa, un petit Mercedes. Un petit Mercedes, Volvo, je suis pas trop Volvo. Man, parce qu'en fait, il faut quand même que prendre un truc avec full chevaux, tu vois. On démarre, c'est ce qui a le plus de chevaux. Volvo. Oh, what? Volvo 750 chevaux celui-là. Bah, les gars, à mon avis, on prend celui-là. On prend celui-là, les gars. Vas-y, attends, on va faire améliorer. Mais c'est pas les nouveaux Volvo, ça. Moi, je veux les nouveaux Volvo. Y a pas des Volvo. Volvo FH classique. Mais c'est pas les bons Volvo, ça. Moi, je veux les nouveaux. Je veux les Volvo bien. Attendez, je veux un Volvo, moi. Volvo FH classique. Il n'y en a pas d'autres Volvo? C'est qu'on voit des messages là. Merde, moi je veux un Volvo. Attendez. Vendeur de camion. Mercedes Actros. Ah, vous préférez Mercedes? Ah, on peut prendre Mercedes si vous voulez Mercedes. Mais Mercedes? Mec, t'es une merde. Le message gentil. Volvo. Ah, je sais pas. Attends, mettez dans le chat ce que vous voulez. Va dans le vendeur de camion. Ouais, ouais, ce que je veux faire, mais. Attends, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Là, c'est les Mercedes. J'avoue que les Mercedes, là, ils sont jolis. Hein. Mercedes-Benz New Actros. New Actros. New Actros Giga Space, Big Space. Stream Space. Vas-y, on prend le Giga Space. Man. Bon, vas-y, j'ai envie de prendre lui. On prend lui, les gars. Allez, hop. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est le plus stable. Ah, manœuvre. Ah, terrain accidenté. On peut voir un petit peu ce qui est mieux. Ah, celui-là, on manœuvre vachement bien avec celui-là. Celui-là, encore mieux. Bah, vas-y, je prends lui alors. Vas-y, je prends lui. Moteur, par contre, moteur 625 chevaux. Transmission, donc ouais, c'est bien ça. L'intérieur. Ça fait un peu bizarre comme ça, non? Ouais, quoique, non. Et après, bon, en couleur, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'on reste un petit peu en couleur qu'on voulait là? Ou alors on met ça. Oh! Mec, il est trop stylé!
Bah vas-y, on prend lui, mon gars, ça y est. Auron, faut remettre les plaques là, attendez. Hop, Stervio, à côté. Meuf. Ouais, bon, on va pas le personnaliser comme l'autre, hein, parce qu'on met le minimum. On met quelques trempes, genre en mode ça fait du bruit. On met les petits gyros. Tac. Là, on met les trompes. La bronze, c'est quoi qu'il y a comme trompe incroyable? Thunder. Vas-y, je mets ça. Tac. Thunder. C'est pas les nouveaux. Ouais, mais ils sont quand même incroyables, ceux-là. Hein. Il est moche. Ah, merci. Oh, Pierre, on s'en fout parce qu'on est, on est en vue intérieure. Les pneus, par contre, on met bien les bons pneus qui font pas trop de bruit. Hop, on met les bons pneus. Là, bah ouais, on met. Enfin, je mets toujours le maximum, mais après, lui, il est bien. Là, on met les petits garde-boue. Ça fait plaisir, les garde-boue. Magnifique. Oh, attendez, c'est quoi ça? Pièce d'origine. Pièce d'origine. Ouais, pièce d'origine. Bon, ben, je crois qu'on est, good. Hein. On est good. Ouais. Katana. Vas-y, on met ça. Hein. On met le pot d'échappement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bon. À la rigueur, ouais, à la rigueur, on fout un peu de gyro aussi. Il faut faire, mettre quelques petits gyros. Ah si, moi, il me faut des phares. Moi, je veux full phare. Moi. Là, on met des petites lumières. Des lights. C'est quoi ton volant? Mon volant, c'est le... C'est le G920, les gars. Voilà. Bon, allez, je personnalise ça un peu en vitesse parce que je... Les gens voulaient que je conduise. Je le sais, je le sais, je le sens. Je vois pas le chat, mais je le sais. Oh, quoi? Attends, quoi? On peut mettre tout ça? Ah, bah là, je vais pas mettre tout ça, là. Attends, c'est trop, là. Il y a trop de déco, là. Ah, voilà. On met pas trop, hein. Ah, merde. Oh, non. Bah, merde. J'ai fait du caca. Vas-y, au pire, on fait juste ça, hein, c'est pas grave. Les lumières. Toujours plus de lumière et des lumières. Ouais, on s'en fout après du reste. Voilà, on a le principal. Je pense qu'on est bon pour rouler. Et du coup, c'est quoi le délire de voiture jaune? J'ai pas compris. Acheter. Ah merde, j'ai pas de garage. Bah, au pire, on va à Bilbao. Et après, on a... Bah, non. Ok, j'ai compris. Non. Je mets ça à Bilbao vu que c'est le seul garage que j'ai. Maintenant, on va dans acheter un nouveau garage. Acheter vendeur de gestion garage, achat des garages, voilà. Achat des garages, et du coup, on va aller à la Corogne au pire, et on va descendre le long là. Tuc, tuc, tuc. Ou alors, on démarre là directement. Vas-y, on va démarrer là. Acheter, oui, voilà. Normalement, c'est bon. Maintenant, il faut que je fasse que je conduis mon camion. Ça, c'est sûr, il faut faire 12 000 procédures là. Oui, mon nouveau camion là. Ah, le Renault. Non, c'est pas le Renault T, c'est lequel que j'ai. Ah, voilà, le Actros. Là, je fais conduire. Ok, mon volant, c'est vénère. On fait conduire. Conduire. Oh. We don't say la France, but français. Yes. Oh. Apparemment, c'est. On n'a pas configuré l'intérieur. Oui. Oh non, on n'a pas configuré l'intérieur. Attendez, je me TP à mon garage, du coup, maintenant. Gestion des garages. Merci Dimitri. Salut Stevia. Ok, super. C'est quoi le mode pour avoir plein de lampes, petites lumières sur le type de carrosserie? Bah, il faut aller dans le... Merde, c'est quoi la ville? C'est quoi? Oh merde, la ville, elle est où? C'est quoi ma ville? C'est dans les réglages, en fait. C'est dans les réglages. Du coup, c'est quoi que j'ai acheté? Mon garage, c'est bien Coimbra qu'on a acheté? On a acheté quoi comme garage? Je m'en souviens même plus. Vue de la carte, voilà. On a acheté Coimbra. Voilà. Donc maintenant, on fait gestion garage. On va à... Touk. Voyager. Oui, on y est. Pourquoi en fait, on a changé de camion parce que bah, les gens, ils voulaient qu'on change. Et celui qu'on avait, il avait que 500 chevaux. Et ça va pas. Hein. Enfin, après, on voulait changer, quoi. On essaie de changer un peu de camion. Tu pourrais faire une vidéo sur la récolte des courgettes et des melons. Je sais pas du tout. Melon, vous connaissez, et courgettes, je serais sûrement pas là pour la récolte. Enfin, moi, je trouve pas ça hyper intéressant. Donc, bah, les gars, on y est. Je vais juste me TP au concessio. Comme ça, je vais mettre quelques trucs à l'intérieur et on est parti. Ouais, j'ai mis du bois, les gars. Au brand, ça flambe. Hein. Mon gars, je vais transpirer dans 2 secondes. Il est dégoûtant. Ah, vous aimez pas le camion? Ouah, pff, ça va. Il y a de nouveaux Mercedes. Le restaurant... Et avec des rétroviseurs et des caméras. Vraiment? Ah ouais? En fait, il y en a un mieux. Après, j'ai dit, on est en live toute la nuit s'il faut. Donc, au pire.
Attends, parce que si j'ai raté un camion, autant que je vais quand même essayer d'aller trouver. Attends. C'est lequel qui est incroyable, du coup, vous dites? C'est lequel, les nouveaux? Off d'origine. Eh, les gars, c'est lequel? T'inquiète, Gunnel, hein, y a pas de soucis, si tu veux y aller, y a pas de problème. Ouais, ça va super bien. C'est lequel, les gars? Est-ce que c'est lui, genre, si je vais en cabine, est-ce que lui, il a des caméras? Là, y a pas de caméra, donc c'est pas lui. Mercedes New Actros, mais ça doit être lui, non? Actros. Et du coup, s'il y a des caméras, logiquement, il n'y a pas de rétro, ça veut dire. Mais il est pas dans le jeu, MDR. Ah merde, il est pas dans le jeu. C'est quoi ça? Ah, il est pas dans le jeu. Oui, mais c'est pas un tracteur. Faut le télécharger. Ah merde, ok. Ah, d'accord. Ok. Bon, let's go. Vas-y. Donc, il fait jour, magnifique. Bon, au pire, mon camion, il est nickel comme ça. Hein. Pas la peine de mettre 12 GPS, hein, en vrai. Hein. En vrai, il fera l'affaire. Donc, qu'est-ce qu'on a en mission maintenant? D'ailleurs, elle est toujours là ou pas? Mel. Je sais pas. Ah, mais j'ai pas découvert la ville. Vas-y, nickel. Faut rouler un petit peu. Ils sont pas dans le jeu, mais ils existent vraiment. Ah ouais, mais j'aimerais bien les tester alors. J'aimerais trop les tester par contre. Ça a l'air d'être incroyable. Tac. On met le rétro truc. Régler les sièges. Voilà. Vas-y, du coup, faut aller à l'entrée de la ville pour découvrir la ville. Comme ça, ensuite, on peut commencer une petite mission. Là, c'est nul. Concessionnaire Scania. Oui, mais où est l'entrée de la ville? Bah, attends, où est l'entrée de la ville? Fais un drift. Ah, nickel. Là, on est. Il faut que j'aille où pour découvrir la ville? Parce que je suis pas dans. Ah, oui, je suis pas dans la ville là. Au pire, je vais à Lisbonne. Soit je. Ou alors, je vais à Pointe de Sort. Les gars, on va à Lisbonne ou à Pointe de Sort pour découvrir une ville, parce qu'en fait, on est dans aucune ville, là. Je crois qu'on va aller à Lisbonne, non? C'est peut-être mieux, Lisbonne. Lisbonne, vas-y, comme ça, on découvre la ville, on prend une mission, et bim. Lisbonne, let's go, tu peux faire U. Ah oui, pour soulever les essieux? Ça fait quoi, là? Oh! Et du coup, oui, c'est quoi? Bah, en fait, je pense que ça sert à rien de. Je pense que les pneus. Moi, je connais pas trop les routiers. Mais je pense que tu lèves le pneu pour éviter de l'user quand il n'y en a pas besoin, c'est ça, non? Dites-moi si je me trompe, mais je pense que ça doit être ça. Oh! Oh putain, j'ai failli mourir! Oh, j'ai failli mourir! Est-ce que c'est ça, du coup? Double remorque! Mais je sais pas si on a la double remorque. Bon, déjà, il faut qu'on aille. On va à Lisbonne et après, on verra ce qu'il y a. Pour voir, pourquoi j'ai un logo affiché là? C'est quoi le logo qui est affiché? Ah mais c'est l'essieu qui est relevé, ok. Ok. Ouais, déjà j'aime trop là, la ville. Je la trouve trop belle. Putain, ça relague le jeu. Les gars, vous m'en voulez si je redémarre mon jeu? Parce qu'on va perdre facile 3 minutes. Hein. Mais là mon jeu en fait il lag, c'est mal aux yeux là. Hop. Oui, une ambulance. Oh stylé. Oh, un tracteur devant, regardez. Ah ouais. Non, c'est pour le poids. Ah, c'est le poids. Oui, mais du coup, quand il n'y a pas besoin, tu l'enlèves, quoi. C'est ça. Non, t'en veux pas. Ok. Bon, je vais à Lisbonne et on redémarre, alors. En tout cas, merci, vous êtes 1700, pratiquement. C'est quoi? Oh, c'est quoi? On dirait un Landini. On dirait un peu un Landini. Genre, c'est pas un New Holland, ça se voit. Change l'affichage de l'écran du camion. On peut? Tenez la gauche. Ah ouais? Il faut faire quand? Mais il faut le faire quand t'es à vide. Ok. Change l'affichage de l'écran. Comment ça? Changer l'affichage de l'écran. Tu parles de cet écran? I. Ouais, c'est ce que je fais, I. Mais pourquoi vous voulez que je change l'affichage? Bon, je roule un peu vite là. Ouais, je roule, je suis à 142. Tout va bien. Attends, il y a le klaxon du coup. Ouais. Voilà, je vais un peu vite. Hein. Oh, le pont! Oh, c'est trop beau les ponts. Oh putain. J'ai pas fait exprès, je vous jure, je me suis dit que ça allait tourner normalement. Je trouverai un nouvel itinéraire. Ah, il va trouver un nouvel ah. Oh merde. Attends, bah du coup, je redémarre mon jeu. Rigolez pas, c'est pas drôle, c'est bon. Ah vas-y, je redémarre mon jeu. Putain, bravo Starvio. Attendez, je remets ma cam comme ça. Désolé, ça arrive. Bon, mon jeu se redémarre. Accident MDR. Mais oui, désolé. Ça marche? Parce que là, actuellement, mon jeu. Attendez.
C'est bizarre que les jeux ils bug comme ça là. Hop là. Bravo, bien joué. Tu es trop fort. Ouais, ouais, je sais. Je sais que je suis un peu fort, voilà, je le sais. Non, c'est bon, j'ai fait de la merde. Et en fait, c'est, je crois que c'est dans tous les camions, c'est pour baptiser en fait les camions, je crois. Je crois que c'est ça. Ah. Bah du coup, je vais sûrement avoir un tournage chez Perrine. D'après ce que j'ai compris. Je pense. Ah oui, c'est qu'elle est de la Sarthe, je crois. Je sais pas si vous connaissez Perrine. T'es vraiment une quiche. Oui. Je suis une quiche. Pardon. Alors, maintenant que mon jeu s'est redémarré. Comme sur FS. Oui, ça va, ça va, ça va. C'est le rodage des accidents MDR. T'inquiète, ça arrive. T'inquiète, ça arrive à tout le monde. Oui, mais non quand même. Enfin, je veux bien, mais du coup, par contre, j'espère que que je l'ai cru. Ma voix de fille, c'est ça. Coucou. Voilà ma voix de fille. Bon, le camion. On répare ça. Et du coup, vous avez dit quoi? Changer l'écran. Vous disiez quoi en changeant l'écran du camion? Ah. Bah non. Je sais pas de quoi vous parlez quand vous avez dit changer l'écran. Ouais. Vas-y, on va changer. On va mettre une balle de tennis pour changer. Là, c'est ma plaque. Là, on y met 2-3 trucs, mais ça sert à rien en fait. Chaque fois, je décore, mais. Ouais. Ah, quoi? Là aussi, tu mets des choses? Ah, ouais, par contre. Mais en fait, c'est pareil que tous les autres camions en fait. Ok, bon, bref. Retournement du camion. Oui, oui, oui. Est-ce que j'ai découvert la ville du coup ou pas encore que je puisse prendre des missions? Je pense pas. Hein. Ah, mais si, en fait, je peux prendre la ville. Bah, du coup, je vais prendre une ville là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on prend en mission, les gars? Oh! Oh! Les gars, il y a des doubles remorques! Alors là, mon gars. Bah, les gars, on prend ça. Hein. Les gars, on prend ça. Hein. On va. En plus, on remonte tout le Portugal. Les gars, je pense qu'on va prendre ça. Alors là, mon gars, on prend ça direct. Oh merde! Ils me disent quoi? Vous êtes sur le point de prendre une marchandise. Et ça va pas? Il faut que je prenne quoi? Il faut que je le. Vous pensez que ça va pas? Il faut que je change? Je sais pas s'il faut que je change de camion. Bon, vas-y, je vais prendre comme ça. Mais peut-être qu'il faut une configuration spéciale, non? Allons-y. Les gars, est-ce qu'il faut une config spéciale? Dites-moi, sinon je m'arrête au Parce que là, prends le bateau. Mais en fait, s'il faut prendre une config spéciale, je la prends du coup. Merci pour réparer, c'est là. Oui, change. Il faut faire comment? Il faut prendre 12 000 essieux, c'est ça? 6 x 4, je pense que c'est ça qu'il faut prendre. Genre, en mode, tu prends un truc énorme, là. Attends, il a... Oh non, il a changé de couleur. Bon, bah, vas-y, hein. Enfin, je sais pas si c'est ça qu'il faut prendre. Je vais prendre ma couleur, là. Attendez, je vais reprendre ma couleur que j'avais, parce que ça l'a enlevé. Si je fais ça... Ah, c'est moche. Attendez, là je prends ça, je fais ça, je prends ça, je fais ça. Ok. Bon, il est un peu moche, mais voilà. Peu importe. Oui, il faut mettre le convoi exceptionnel. Ouais, mais là c'est bon, je pense, non? Bon, vas-y, je vais chercher ma mission, on va voir ce que ça a donné. On va voir ce que ça va donner. Démarre. Starview 3.0 après avoir pensé à moi avec la balle de tennis. Ah, tu fais du tennis? Je savais pas. C'est parti. Par contre, c'est moi la direction, elle est plus dure là, non? Non, c'est moi. Et du coup, il ressemble à quoi mon camion là? Il doit être balèze de ouf par contre. Ah ouais, le camion mec que j'ai. C'est même plus un camion. What? C'est quoi toutes ces cuves derrière là? Les gars, c'est quoi les cuves que j'ai derrière? C'est la clim, c'est quoi? Prenez la deuxième sortie. Ouah, le bruit. Eh les gars, vous savez du coup? Ou pas? Bon, on va falloir faire gaffe avec les doubles essieux là. Essence. Ah non, c'est bon, j'en ai assez. Ah, c'est l'essence. C'est pour le gazole. Ah ouais. Oh merde. Ah ouais, c'est pour le gazole. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est bon. Sortez maintenant. Nickel.
C'est le gaz ou... Ah ouais. Genre en fait il se met là. Ah oui, parce que le réservoir il est... Ah oui, du coup il n'y a pas de réservoir, regardez là. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est stylé. Il y a des phares à l'arrière. Non, c'est là. Il y a des phares à l'arrière. Wow, c'est stylé. Stylé, stylé. Garde-boue. J'ai pas mis de garde-boue. Par contre, du coup, ça... Mais ça relague. Ah, en fait, c'est... Ouais. Bizarre, pourquoi ça lag comme ça? Oh, non, on casse pas tout. Ça va, j'ai eu 1% de dégâts. Ah ouais, ça lag. Donc, du coup, en fait, c'est juste moi. Ici, je vais me mettre en 300%. Normalement, ça sera mieux. Normalement, ça sera mieux. Ça devrait moins laguer. Mais un panneau qu'on voit exceptionnel. Ah, bah, du coup, trop tard. Oh, c'est fluide maintenant. Ok, c'était ça. C'est que le PC galérait, ça veut dire. Mais non. C'est à vous, moi, Gigo. Bah, si t'inquiète, pas de problème, Ganel. Vas-y, merci d'être passé. C'est ton GPS qui fait laguer. Mais non. Là, c'est bon, c'est vachement plus fluide. Je sais pas si vous avez vu dans le live, mais... C'est plus fluide. Oula. Bon, bah, du coup, on va mettre le régulateur à 130. Et on va... Ah, c'est 100 km, hein. Faut y aller. Vas-y, on teste. On accélère. Merci, 2000 pouces bleus, les gars. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, les gars. Merci beaucoup. Oh, comment je trace, mon gars. Oh, le pont. Ah, oh, ouais, par contre, le pont, incroyable. Wow. Incroyable, le pont. Ah, et on peut relever des essieux ou pas, là? On a déjà appuyé sur U. Est-ce qu'il y en a un qui se relève? Ah oui, il se relève lui. Ok. Je suis à 143. Mais ouais. Je suis un peu dans le rouge là. C'est à vous devrait prendre une mission combat exceptionnelle parce que le camion il ferait pas. J'ai déjà fait des. Waouh, les nuages. Oh, il y a des nuages. Ah ouais. Bon, j'ai une accroche devant, vous avez vu, on a une accroche. Bon, les gars, ils roulent pas plus vite que 141. Là, je suis à fond. Ma livraison, elle est à 60 km. N'oublie pas la glace en fin de live. On n'oublie pas la glace en fin de live. Ouais, ouais, ouais. Petit péage des familles, on adore. Ah, mais les voitures, elles roulent à 130, en fait. Ah, ouais. Tenez la droite. Puis sortez à droite. Tenez la droite. Ok, je tiens la droite. Merde, j'ai le régulateur. Sortez à droite. Je sors à droite. Tenez la droite. Voilà, je tiens la droite. Magnifique. On n'a même pas fait d'accident. Oula. Oh là, mais eh oh. Avance un petit peu, toi. Rétro droit. Ouais, je l'ai mis. On va récupérer la remorque, les gars, ça va être incroyable. Double essieu. Oh. Déjà que je sais pas conduire avec une simple, alors avec double. Ça va être pire. Ça va être pire, les gars. Salut, je quitte, ma mère va m'engueuler. T'inquiète, pas de problème. Ça va, il est 22h, tu es en vacances. J'avoue, les gars. Pourquoi vous... Mais non, en vrai, les gars, pourquoi vous partirez? Vous êtes en vacances et tout. Non. Par contre, les gars, je veux vraiment qu'on arrive aux 48 900 sur Instagram ce soir. Vraiment, je compte sur vous. Vous êtes capables, je sais. C'est Bastien tiré du Bastère. Il en manque très, très peu, les gars. Et puis, en vrai, si vous avez kiffé, ça sera ma récompense du live. Voilà. En vrai, n'hésitez pas à y aller, les gars, vraiment. Alors, 48 886 et 2000 likes, merci. Alors, on va ralentir un petit peu là. Tournez à gauche. Mec, il me tarde de tester. Ah, regardez, ça remonte. 48 888 là, ici là. Merci, les gars. Merci Flavio pour tes 2 euros. Est-ce que tu penses de route des Portugal? Ben là, pour l'instant, on n'a pas encore trop vu. Surtout la vitesse où je roule, j'ai pas trop eu le temps de voir la route. Mais quand même. Allez, feu vert. Non, pas feu vert encore. Vas-y, je remercie en direct les gens qui s'abonnent. Comme ça, ça leur fera plaisir. Alors, ceux qui s'abonnent sur Instagram. Alors, Valou qui s'abonne. Loris, Paul, Mathis, Jules, Arthur, Simon, Fanfan qui s'est abonné à mon Insta. Jules, Yanis, Maël, Juan. Et voilà. Je crois que c'est tout. Et merci beaucoup, les gars, ceux qui s'abonnent. Et vous trompez pas de compte, parce que il y a des faux comptes. Enfin, il y a des gens qui se font passer pour moi et c'est pas moi. Yanis, Thomas, Gwendal, fan YouTube. Oh! Allez, repasse les vitesses. Clément, Maxagri, Timéo,
Voilà. Enfin, en tout cas, merci à ceux qui s'abonnent, ça fait trop plaisir. Je vais pas dire merci pendant 15 minutes non plus. Mais en tout cas, merci. Et c'est Bastien tiré du bas, Ster. Vous trouvez pas, il y en a qui sont Starvio, enfin Bastien tiré du bas ou quoi. Et si vous recevez des messages des gens qui disent oh, tu as gagné un iPhone, c'est pas moi, vous bloquez le compte, c'est pas moi, les gars, je fais rien gagner. Téléphone au volant, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas bien. Allez, go. Allo, c'est pas 90 normalement. Oui, je roulais un peu vite là. Oh, c'est quoi ça? On est où en fait là? C'est une entreprise sur le côté là? Ouais, c'est des entreprises. C'est des entreprises, ouais. Mettez un pouce bleu, les gars. Bon, ouais, je viens de penser, mais faut faire gaffe parce que je pense que je vais pas rouler trop vite. Hein. Je vais pas rouler. Oula. Je vais pas rouler trop vite avec la remorque double essieu parce que je vous dis, la simple, c'est la galère. Alors, double, j'ai peur de galérer encore plus. Ça va, vous, le reconfinement? En vrai, ça va, les gars. Hein. Bah, ça va, ouais. Parce que je peux bouger un petit peu, donc ça va. Jeune abonné, c'est moi le 889e. Ah, merci beaucoup. Mais c'est pas actualisé sur, le compteur. Ça déconne, ça va venir d'un coup. Ouais, c'est Bastien tiré du Bastère, exactement. Tournez à droite. Je tourne à droite. Ok, Ortiz, on arrive. C'est terminé. Ah, c'est terminé. Oui, ma remorque. Allez, oh, quoi, c'est ça là-bas? Oh là là. Quoi, 48 916, ça s'est actualisé? Ouah, wow, merci beaucoup ceux qui sont abonnés. Vraiment merci, vraiment merci. Merci, merci, merci. Ouah, la remorque, elle est incroyable. Elle est 945. Mais quoi? Ça a monté trop vite. What? Mais attends, vous êtes tout ça, vous abonnez? Attends, on va passer les 49 000. Non, les gars, oh, vous êtes partis trop vite, là. Attends, mais merci Jules, merci Vivien, merci Corentin, merci Yann, merci Yanis, merci Henry. Merci Bergo, merci Will, merci Yann, merci Alex. Merci beaucoup en vrai, mec, je pensais pas qu'il y a... Mais mec, c'est trop plaisir par contre. Mec, on peut faire les 49 000, c'est bon, là, vous pouvez. Par contre, pourquoi, il y a quoi, qu'est-ce qui va pas là? Ah, c'est ça qui va pas? Ce paramètre est essentiel pour le transport de marchandises exceptionnelles. Ah. Mais il faut que je règle quoi? Le couple, c'est bon. Retardé, nombre d'essieux. Ah, nombre d'essieux, il en faut 4. Non? Bah, j'en ai 4, c'est bon, non? Bon, eh, venez, on prend comme ça et on verra. Prêt à rouler. On verra. Maintenant, quand j'ai mangé une fondue. Ah. Déjà, on va voir si j'arrive à atteler. Surtout, je peux même pas atteler. Hein. Par contre, là, je pense qu'il faut que je mette l'essieu du bas, non, j'imagine. Est-ce que je me trompe? Peut-être pas. Je le mets. Je pense qu'il faut pas le baisser pendant qu'on roule, mais voilà. Pancarte qu'on voit exceptionnelle. Ah, c'est juste ça qu'il faut. Ah, s'il faut juste ça, je vais au concessionnaire le mettre, au pire. Vas-y, on va au concessionnaire le mettre. Regardez mes trempes comment elles dépassent en haut là. Incroyable. Allez. Ouais, Starvio, tu peux acheter une double remorque à toi. Venez, on fait ça. On peut la personnaliser, la remorque, je crois. Vas-y, les gars, quand on a fini la mission, je m'achète une double remorque. Comme ça, j'aurai ma double remorque et ça sera à moi d'aller charger des cargaisons. Ah, je peux pas. Oh non, je peux pas. Ah, bah, il y a un souci là. Merde. Elle est grande, dis donc, la remorque. Mais en fait, je crois que j'ai pas le bon. Non, non, je suis pas bon, les gars, pour accrocher la remorque, là. Bah. Ah, si. Ah, oui, si, c'est bon, là. Bon, bah, les gars, c'est parti, hein. T'es mal placé. Ah, oui, j'étais mal placé. Attends, mais quand je tourne, ça va, ça casse pas tout, j'espère. Ça passe près, quand même, hein. Oh, mais ça, ça touche, là, non? Oh, la remorque! What the fuck, la remorque qu'on a! Allez, on met quelques petits gyrophares. Ça, c'est les rampes quand il fera nuit, on va les activer. Wouah! Et du coup, la pancarte, il faut la mettre. Il faut la mettre, la pancarte, du coup? Il est où le concessionnaire, là? Il est où le concessio? Oh, mais là, on va rouler. On va pas au concessionnaire, là? Ah, il y a un garage, là, mais là, on peut pas y aller au garage. Bah au pire si on a une ville on s'arrêtera dans... Bah si, ok bon on s'arrêtera avant de prendre le péage. Ça c'est le péage. Avant de prendre le péage on s'arrête, on fait le plein. Enfin on met une pancarte qu'on voit. Ouais bah là marche arrière les gars, j'ai pas de marche arrière hein. Merde, attends mais... oh, oh merde, faut que je fasse une marche arrière. Putain. Mec il fait pas de marche arrière. Attendez. Ah bah bon ça c'est compliqué là. Enfin je pense, bah non c'est faisable non. Ou alors est-ce que l'essieu il se bloque quand tu recules? Non je pense pas. Ouais non il se bloque pas. Il bloque pas, mais faut pas faire de la merde. Hein. Tu connais Farming Together? Ouais, 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 de ouf. J'ai mon avis dessus, c'est bien, mais c'est trop. En fait, tu te fais chier sur les vidéos.
Ça qui est dommage. Parce qu'en fait, ils ont les moyens de faire un truc exceptionnel. Mais leurs vidéos, des fois, tu te fais chier, quoi. Il y a des trucs, genre, ils parlent pendant 10 minutes. Ça intéresse que les gens qui sont du métier ou qui sont vieux, et encore. Moi, je veux. Et après, c'est leur style, tu vois. C'est leur style à eux, mais moi, j'aime bien les vidéos qui soient. C'est qu'il y a du contenu, ça bouge et tout, tu vois. Les gars, on a deux remorques, quoi. Incroyable. Incroyable. Merci, les gars. Bon. Au rond-point. Oh, au rond-point, Brand, faire gaffe là. C'est bon, y'a personne. Ça donne quoi au rond-point? C'est faut prendre large ou pas? Ouais, en vrai, ça va. Ah, quoique, si, faut prendre large. Regardez. Faut prendre assez large en vrai. Un petit peu large, ouais. Tu live toute la nuit? Non, non, pas toute la nuit, mais je vais live. Je sais pas, j'ai pas envie d'arrêter pour l'instant. Là, on va live s'il faut encore une heure de plus. J'ai envie de live. Donc voilà. Comment ça, ce paysan français saison 1? Comment ça, j'ai pas compris. Vous voulez que je fasse quoi? En live sur les paysans français? Mais du coup, alors attendez, là il faut que j'aille au concessionnaire pour mettre un panneau, c'est ça? C'est quoi qui manque en fait? Mais enfin, je sais même pas si faut mettre ça. Accroche pour être tiré quand le camion peine. Accroche. Hein? Est-ce que tu as les essieux suiveurs? Ah, peut-être j'ai pas ça. Il te manque rien. Ah ouais, c'est sûr? Prenez la deuxième sortie. S'il manque rien, on y va. Hein. Je m'arrête pas. Hein. Mais ouais. Regardez le rétro, faire gaffe, faut prendre vachement large. Oh, oh là là. Voilà, peut-être que j'ai pris un peu trop large, mais. Regardez la remorque. Tenez la gauche. Là, j'ai baissé les cieux. Mais non, j'ai pas d'essieux suiveurs, je sais pas. Bon, bah non, mais du coup, je. Ah merde, fallait tourner. Merde, fallait tourner. Faut tourner. C'te... Bah non, mais du coup, sur PS4, il y a On the Road qui est similaire. Ok. Regardez-moi ces phares là. Incroyable. Oh merde! Oh le volant, comment il a vibré. Ok. Ça passe. Quand on regarde la remorque derrière. Oh la remorque, c'est incroyable. Incroyable. Bon, l'autoroute. Oh l'autoroute, mais on va se traîner, non? Non, on pensait pas qu'on va se traîner avec cette remorque. Je me mets un peu extérieur, hein. Les gens ils aiment pas trop forcément, mais là c'est juste pour voir un peu ce que ça donne. Regardez, là je suis sur ma voie, la remorque est-ce que derrière. Ouais, la remorque elle prend quand même large. Allez, petit clignotant, on s'insère, je sais pas où je vais. Y'a rien devant, c'est bon. Incroyable, Rondrin. C'est stylé de ouf. Hein. Allez, on passe les vitesses et on est parti. Comment tu as mis le GPS? Dans les réglages là, en cabine. Mais je crois qu'il faut le DLC. Moi j'ai un DLC accessorisé. Ouah, Brand, c'est trop beau là. Ces plaques sur le côté, c'est vraiment stylé. Hein. Y'a qui veut me doubler là? Oh, tu veux doubler? Non. Est-ce qu'après le Covid, tu pourras inviter quelques abonnés pour visiter ta ferme? Car ça serait grave cool. Bah, je sais pas. Hein. Déjà, il y a des abonnés qui viennent chez moi sans que je les invite. non, mais. Non, en vrai, y'a pas de rigole, y'a pas beaucoup d'abonnés. C'est déjà arrivé. Mais en fait, des fois, je sais pas trop si c'est des abonnés ou quoi. Parce que, tu sais, ils viennent, c'est des gosses. En vélo, mais je sais pas si c'est des abonnés. Peut-être. Hein. Mais il y a deux jours, j'ai vu un mec en vélo qui me regardait bizarre en mode. En fait, nous, on le voit. Je le vois quand c'est des abonnés. En fait, les gars, je sais pas pourquoi. C'est vrai que tous les youtubeurs disent ça. Mais c'est vrai. Genre, en fait, dès que t'as un mec qui te remarque, tu le sais. Genre, c'est la façon de regarder ou quoi. Oh, pour en faire gaffe là. Les gars, là, on fait gaffe, on se concentre. Non, ouais, ça va. Je dis on se concentre, mais regardez. Là, je roule, ma remorque, elle reste dans la voie en plus, donc... au calme. Bon, ça ralentit, hein. Et heureusement qu'on a changé de camion, les gars. Parce qu'on aurait l'ancien camion. Oh là, la galère qu'on aurait. Oh, j'aurais dû mettre éviter les autoroutes. Dommage. Alors, rentre, les gars. Vous voyez les petits pouces bleus, là? Et hop, hop, hop. Attendez, on va passer les 49 000 sur Insta. On va passer les 2000 likes. Franchement, je vois que ça vous plaît. Vraiment. Je vois que ça vous plaît. Vas-y, les gars, je vous remercie sur Instagram, parce que, bah... Au moins, ça vous motive. Attends, on va où, là? On peut aller tout droit? J'imagine qu'on peut aller tout droit, ouais. C'est quoi? Reserva Ardente. Je pense que ça veut dire réservé. Oh, c'est arrivé. Quoi? Il n'y a pas de barrière? Mais non, il n'y a pas de barrière. C'est comme ça au Portugal? Je savais pas quand c'était comme ça au Portugal. Il n'y a pas de barrière, quoi. C'est stylé. Regardez la petite boule, comment elle bouge, là. Touk, touk, touk. Pour contre, c'est bien fait, la physique. Hein. Regardez quand tu fais ça. C'est vachement bien fait, je trouve. Bon, allez, accélère. Reservados adhérentes. Ah, ça veut dire réservé aux adhérents. Ouais, réservé au télépéage, quoi. C'est
transporte. Là, je transporte, je dirais 26 tonnes. 27. 27 tonnes, je transporte. Pour ça que ça. Ça y va, quoi. Réserve aux adhérents. Et la voie est limitée à 80. Quoi? Faut pas me dire ça à moi, parce que moi, je roule à 80, moi. Attends, quoi? Tu passes à 80 km dans le péage? Mais non. Je pense pas. Parce que même si. Non. On peut passer à 80? Dites-moi, hein, sinon moi je passe à 80. Vas-y les gars, je vous remercie sur Insta, on a le temps. Petite ligne droite là. Alors, qui c'est qui s'abonne? Oula, merde, une amende. Attendez, je mets le régulateur à 90. Alors, du coup, je remercie. Merci à Mehdi, merci à Martin qui s'abonne en Insta. Merci à Benjamin. J'ai déjà dit Benjamin. En fait, regardez, il y a marqué les gens qui like. Et du coup, je vois pas les gens qui s'abonnent. Waouh, vous voyez les nuages dans le. C'est beaucoup trop beau les nuages. Attendez, je dirai merci après. Waouh, mais mec, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau par contre. Waouh, l'eau, comment elle a été vachement améliorée. Oula. Ah, bon, ouais, bon, les bâtiments sur le côté sont éclatés. Hein. Mais après, on va dire que c'est fait exprès, quoi. Waouh, c'est vraiment stylé, hein. Bon, c'est bizarre que les ombres apparaissent après. Bon, après, les immeubles sont un peu moches, mais. Mon père est routier. Oh merde. Oh putain. C'est bon. Oh, mais c'est beau en fait, là. On rentre dans la ville, là. Ah ouais, c'est joli. Ah, on a un petit New Holland, là. Attendez. What? Il y a un flash? Ah non, c'est le reflet. Regardez, c'est un petit New Holland. Enfin, un petit. Les chenilles dépassent un peu, quoi. Ouais. Vent en France. Bah non, on fait le... Par contre, j'installerai du coup la promote, qui est une map, c'est la meilleure map du jeu, en fait. Clairement. Et vraiment, à ce qui paraît, c'est incroyable, les villages français et tout. Je connais un peu vite fait la map, mais vraiment, à ce qui paraît, elle est vraiment, vraiment bien. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop. On accélère, là. T'es le meilleur. Merci les gars, merci. Allez, accélère. Accroche devant le camion pour. Peut-être pour tirer quand il peine. Mais comment tu veux que j'accroche devant le camion? Hein? Quoi? Ah, genre, tu veux que j'accroche un truc au camion 2? Tenez la gauche? Oui, je tiens la gauche. Ah, il y avait une voiture, pardon. Mais là, c'est des routes droites, c'est nul. Il faut qu'il y ait vraiment des routes avec des tournants, tu vois. Quand il y aura des. Enfin, faut essayer d'aller dans des endroits où c'est... ça tourne à droite, à gauche, ça tourne à droite. Est-ce que c'est Samuel Etienne? Samuel Etienne, c'est un peu le boss. J'aime trop ce qu'il fait. Alors, du coup, c'est quoi réserver aux adhérents? C'est ça là? Les gars, ok, je trace. Je trace, les gars, je sais pas si. S'il y a un mur invisible. Non, il n'y a pas de mur invisible, tu peux vraiment passer. C'est incroyable. Pourquoi il n'y a pas ça en France? Pourquoi il n'y a pas ça en France? Moi, je peux ça. Oh putain, le jus de fruits s'est évaporé, mec. C'est dégueulasse, putain. C'est dégueulasse. Alors attends, du coup, je dis merci aux gens qui s'abonnent. Venez sur Insta, c'est Bastien-Dubaster. On n'hésite pas à liker la magnifique photo que je vous ai fait avec le petit tracteur. Il fait le focus. Il fait pas le focus. Mais voilà. Tiens, 9000 likes en un jour. Même pas depuis ce matin. Merci beaucoup. 48 900, on est. Allez, go, les 49 000. D'ailleurs, ceux qui veulent la rediffusion, je compte sur vous. Attends, je vais ralentir un petit peu parce que là, je roule à 123 quand même. Attends, faut passer par là. Les gars, on reste à. Je me mets à 110. 110, ça va. 80 km avec un péage, on aura tout vu. Mais ouais, mais je sais pas. Je pense qu'il c'est pas. Enfin, je sais pas. Tu habites dans quelle ville? J'habite vers Toulouse. Enfin, dans le Lot. Donc, pas Toulouse, mais. Non, attends, je vous dis merci. Alors, qui c'est qui s'abonne? J'arrive. Donc, merci à Gauthier. Je vais avoir un accident, je le sens. Merci à Gauthier, merci à Ilaz, merci à Val. Mec, je vais avoir un accident, c'est obligé. Mec, c'est trop beau! Ah non, mais vraiment, les collines et tout. Le jeu a vraiment changé. Il était vraiment pas comme ça quand je l'ai joué au début. Et ça, je le redirai tant que je vois des paysages comme ça, je lui le redirai. Il n'y a pas un rond-point? Ah non, je suis con, on est sur l'autoroute. Je suis débile. Mais je sais pas. Ouais, mais c'est trop beau. J'ai même envie de m'arrêter faire le plein tellement c'est beau. Non mais vraiment. Donc merci à. Attends. Si on roule là ça fait quoi? Oh le volant. Oh le volant comment il tremble.
Ok, c'est juste pour tester si vraiment voilà quoi. Et du coup, oui, je connais Catalan Crops, Kevin. Va dormir, toi. Pourquoi va dormir? Mais non, juste j'ai mal aux yeux quand tu lis. Alors, merci à Top. Oh, encore un tracteur? Mais c'est un convoi ou quoi? C'est les salons d'agriculture. Mais au Portugal. Bon, du gars, je peux vous dire merci. Oh, mec, il reste 9 abonnés. Il reste 9 abonnés. Oh, on les a! On les a! On les a, les 49 000. Merci beaucoup, les gars. Mettez des cœurs dans le chat. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir, hein, vraiment. Et il reste 1000 abonnés. 1000 abonnés avant les 50 000. Non. Oui, il reste à 1000 abonnés. Oh, trop bien. 1000 abonnés, logiquement, 1000 abonnés. Peut-être fin de semaine. En fait, je crois. Ouh, Alcami m'a fait peur. Merci beaucoup, les gars. En vrai, c'est qu'Insta, c'est vrai que je passe tellement de temps dessus. Donc, ça fait plaisir de voir 50. Les gars, rendez-vous compte, j'ai 50 000 sur Insta et 70 000 sur cette chaîne. Donc, ça veut dire qu'un jour, c'est sûr que Instagram va battre cette chaîne. Je le sens, ça. C'est sûr qu'un jour, Instagram va battre cette chaîne. La promode, c'est mieux. Ouais, la promode, elle est vraiment, à ce qui paraît, vraiment jolie. Elle est vraiment jolie, la promode. Bah là, après, on n'est pas sur autoroute, mais on est sur des routes un peu de campagne. Avec mon chargement, là. C'est joli, en vrai. Non, c'est joli, en vrai, de rouler comme ça. En tout cas, les gars, j'espère que vous kiffez ce live. Hein. Vraiment. J'espère que vous kiffez. Et voilà, fais la route de la mort. Mais sur la promo, il y a plein de routes avec des petits chemins, genre qu'il faut accéder pour charger des remorques et tout. Donc là, dès qu'on finit la mission, les gars, on s'achète notre propre remorque qu'on va personnaliser. On met des couleurs et tout dessus. Donc, je sais pas si on prend une remorque double essieu, parce que double essieu, les gars, ça fait quand même énorme. Hein. Vous voulez qu'on prenne une remorque double essieu dès le... C'est beaucoup, les gars. Par contre, les gars, on va... Ouah. Heureusement que j'ai vu. Je pense qu'on va... Je sais pas si on peut dormir. Ah non, il nous reste 20 heures. On a 20 heures avant de terminer la mission. Donc soit on la fait de nuit, soit on la termine de nuit, soit non. Par contre, j'avoue que j'aime bien ce jeu. Enfin, jouer tout le temps dessus, bah non, ça te lasse, tu vois, normal. Mais là, tu vois, là, ça fait 2 heures qu'on est en live, je suis pas... Ça me dérange pas, tu vois. Vraiment, sur farming, ouais, parce que bah, le problème, c'est que farming, voilà quoi. On l'a poncé. Donc, même à la rigueur, s'il y a du contenu de ouf sur farming qui sort, bah oui, tu vas kiffer. Ah, mais putain, j'ai le pied sur le frein aussi. Je me sers comme repose-pied, mais non, c'est pas un repose-pied. je te suis depuis longtemps, au moins 5-6 ans. Laurent, je vais juste faire un truc, c'est que je vais réduire mes éclairages parce que bah, j'ai mal aux yeux. Voilà. Je sais pas si ça vous dérange que c'est un peu plus sombre mon live. Attendez, je vais essayer d'augmenter. Attendez 2 secondes. Voilà, je me suis mis un peu plus clair. Je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais ça a l'air. Là, ça m'éclaire moins les yeux. Il y a quoi sur le côté? Des routes. Est-ce que c'est des routes qu'on pourrait emprunter? Ouais, c'est des routes, on peut rouler dessus. Ouais. T'as oublié le concessionnaire N. Bon, on va accélérer. Je dis 90, mais non. Tant que c'est des rondes. Mais qu'est-ce qu'il fait le camion? T'as vu ce qu'il a fait là? Ils sont débiles. Y'a plus de musique. Ah si. Si, y'a des musiques. Tu joues encore à la Planet Coaster? Pas vraiment. Oh, mais qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce qu'il me fait? 60. Quoi? Mais vraiment, c'est 60 le mec il pile. Hein. Ah, c'est 60 en fait le péage. C'est 60, c'est pas 400. Pourquoi il ralentit là? Oh là là. Attends, je sais pas, à 70 ça fait quoi? Ça marche. Ça marche si on passe à 70. Donc voilà, sympa. Bon bah on continue notre petite route. Hein. On continue notre magnifique petite route. On va attendre qu'on découvre un petit peu. Espagna. Ah, attends quoi? On va en Espagne là? Non, on arrive à Porto. Ok, on arrive à Porto. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est. On y arrive en tout cas. On y arrive. Tu connais la Dordogne? Ouais. Ah. Par contre, les gars, je vais juste changer de musique. Je pense que je vais essayer de mettre des musiques un peu chill. Putain, c'est là. Ouais, je vais essayer de trouver des musiques lofi. Les gars, vous préférez ces musiques-là ou des musiques un peu plus chill vu que là on arrive un peu plus dans la soirée? Enfin, soirée, il est 22h39 quoi. Je me dis des musiques un peu plus chill pour tranquillement quoi. Là, voilà.
Porto, c'est au Portugal. Ah oui, oui. Non, mais je sais, mais il y avait marqué Espagna sur le panneau, donc ça serait une route qui va en Espagne. Prends les effets de lumière là. Waouh. Merci Titi pour tes 1€. Merci beaucoup Titi. Non, oui, c'est vrai, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. On a 35 subs sur cette chaîne. Ou alors vous rejoignez la chaîne principale, on en a 160, je crois. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, les gars, cette chaîne, je live quand même hyper souvent, donc. Il y a des fois, ouais, des fois, je l'ai un peu abandonnée. Genre cet été, cette chaîne, elle sera un peu abandonnée, les gars, c'est un peu, c'est obligé. Oh, wow, comment c'est trop joli! Waouh, c'est vraiment beau. Bah, c'est un peu flou quand tu zoomes, tu vois, mais quand tu te mets en vue extérieure, quand tu regardes là, c'est vachement beau. Waouh, mais quoi? C'est ultra joli, vraiment, c'est. Ils ont fait. Franchement, ce DLC, je dis pas que c'est le meilleur, tu vois. Je sais pas trop. Mais oui, on a 49 000 abonnés sur Insta, je l'ai vu, les gars, je l'ai vu. Je l'ai vu, ça s'est actualisé que maintenant je pense, mais c'était depuis tout à l'heure, ça y était. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. 1000 abonnés, allez. C'est comme ça en vrai en plus. Je connais pas. En vrai, le DLC Vive la France, vous savez qu'il y a Toulouse, tout le sud de la France qui n'était pas représenté. Même dans Vive la France, ils ont refait quelques villes de Paris et tout. C'est vrai que j'aimerais bien essayer d'aller vers Paris, tu vois. Mais il faudrait essayer d'aller vers Paris avec la promo, parce que la promo, vous allez vraiment être choqués. Hein. Oh, il y a le train qui passe et tout, regardez. Ah ouais. Est-ce qu'on entend le bruit du train? Ah non, trop tard. Tenez la droite, puis sortez à droite. Tenez la droite, oui. Espagna, tu vois, il y a un panneau Espagna. Tu joues quand avec nous? Ah, tu veux jouer? Ah, tu veux qu'on fasse du multi? Je t'avoue que je sais pas trop. Ouais. Je sais pas trop quand je refais du multi. Parce que là, tant qu'on est sur le DLC, ben, je peux pas faire du multi. Donc, je sais pas. Mais je pense que je vais jouer sur la pro mode et quand je serai sur la pro mode, je ferai du multi. Mais voilà. Mais la pro mode, c'est quand même une map, mais qui fait quand même pas mal de gigas. Donc voilà. Achète un tank. Hein. Par contre, j'ai oublié que j'avais une double remorque quand j'y pense là. Mais regardez, en fait, regardez comment c'est joli graphiquement, le reflet des arbres sur la remorque, les ombres. Vraiment, c'est trop beau. Après, je suis un ultra, tu vois, mais quand même. Après c'est quand même, c'est un jeu qui prend pas c'est un jeu qui prend pas beaucoup de ressources en vrai. Franchement vraiment c'est facile d'être fluide sur le jeu quoi. Bon bah j'accélère hein. Y a pas de barrière j'espère. Non. Oh j'ai cru qu'il y a une barrière. J'ai cru qu'il y a une barrière. Putain j'ai eu peur. Je suis d'origine portugaise et c'est pareil. Ah ouais. Tenez la gauche. Je tiens la gauche. Je tiens la gauche. La promo c'est payant. Non non tu peux payer pour la télécharger plus vite. Parce que sinon tu télécharges, enfin c'est des archives qu'il faut extraire et tout. Il y a 9, bah, c'est en 9 parties. Alors qu'en payant tu télécharges directement les, je sais pas, les, ça, peut-être les 5-6 gigas d'un coup. Donc voilà. Donc voilà, on roule tranquillement. On fait notre petite vie là tranquillement. Et voilà. Mais là il est quelle heure, ça fait 2h13 qu'on est en live. Je sais pas jusqu'à quelle heure que vous voulez que je continue les gars. Est-ce que tu connais HLG? Bah ouais mais je devais aller chez lui mardi là. Enfin mercredi du coup. Parce que, mais au final, il m'a dit que son bâtiment n'était pas encore terminé et tout, donc c'est mieux de filmer quand tout sera prêt quoi. Parce qu'il veut, je crois qu'il veut faire des bâtiments solaires, enfin des panneaux solaires et tout. Donc il préfère montrer que quand tout sera fini quoi. Donc voilà. Donc je reviendrai chez lui, je pense peut-être fin d'été. Voilà. 3 heures, ouais 3 heures abusé pas par contre. Bon là je trace hein. Je trace à mort. Non, pas 3 heures, là on fait une. Je pense qu'on fait une cette mission et on en fait une autre, je pense. Enfin, je sais pas. Et j'ai soif donc je vais aller chercher à boire. Jusqu'à minuit. Ah, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Prochaine mission, convoi. Ouais. Par contre, là je crois que je suis un peu. Je roule beaucoup trop vite là. En même temps, c'est plat. Il y a encore un péage, mais c'est pas possible ça. Il y a des péages tous les 12 mètres. Chenille. Quand tu seras fatigué. Oh, il y a des vignobles. Oh, stylé. Allez, bah maintenant, je pense qu'on n'a même pas besoin de ralentir, logiquement. Allez, ça repart. Par contre, tu vois un camion arriver à cette vitesse, tu te fais oula. Lui, voilà. Prends-le à 140. Ouais, j'aurais pu accélérer, mais non. Mange ta glace. Ah ouais, j'avoue, je peux manger ma glace en roulant. Ouais, mais si je mange ma glace, j'ai pas parlé. Tu me donnes envie de l'acheter. Bah, c'est vrai que. Après, le jeu.
sans les aucun DLC, il est enfin graphiquement il sera aussi beau. Ouah, mais attends, mais c'est trop joli les maisons sur le côté là. Wow. Non, franchement, c'est, y a rien à dire. Vraiment, je fais que dire ça depuis que je rejoue sur le jeu, mais il est vraiment beau. Hein. Ils ont vraiment fait des efforts de ouf parce que le jeu quand il est sorti, il était éclaté au sol. Hein. Mais il y a un radar. Oh mince. Ah, mais c'est limité à 90. Oh, j'ai pas vu le panneau. En vrai, pour 1€, vaut mieux acheter la version payante de la promode. Ouais, mais la version payante, c'est juste que tu télécharges tout en une fois. Et les autres, c'est bridé, je crois. Tu as toutes les heures que tu peux télécharger. Donc, franchement, c'est pas 1€ pour tout ce qu'on a. Et là, j'ai payé 19€ pour le DLC. Et la promode, elle est vraiment incroyable. Après, je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait de nouveau par rapport. Parce que la promode, il y a des mises à jour tout le temps, tu vois, mais. 1€, ça va, bah ouais. Regardez, là, le jeu, il est beau. Et là, vous pouvez pas dire que le jeu est moche. Hein. Les paysages, le coucher de soleil, les reflets, les ombres. Regardez la nature, il y a des. C'est fleuri de partout là. Tu peux pas dire que. Non, là, franchement, regardez, tu bouges, ça fait. Non, heureusement qu'ils ont, vraiment géré. Hein. Heureusement qu'ils ont, tout pété les scores là. Franchement. Fais le chemin impossible. Bah ouais, mais ouais. Merde, je suis en plein phare. Il dit quoi là? Tourne à gauche. Non, attends. Ok, attends, faut rester à gauche là. Tu en as pas marre de rouler? Non, ça va. Bah les gars, vous savez que quand je... Mardi, je vais devoir rouler 6 heures. Hein. Là, je suis à 2 heures. On est à 2 heures de live et encore, on parle et tout. Mais après, quand tu roules, moi, je mets la radio et tu vois... Enfin, le temps passe quand même beaucoup plus vite. Qu'est-ce qu'il me fait, lui, là, dans le rétro, là? Ouais. Attends. Merde, je voulais ouvrir la fenêtre. Trop tard. Oh, il y a des flics. Oh là là, trop beau. Est-ce que si on relève la vitre, on le voit? Oh, on voit la vitre se remonter. Stylé. Oh, j'ai failli mourir. Par contre, on m'a juste baissé le rétro-éclairage là. Voilà. Ça fait mal aux yeux ça. Ça, je déteste les gens qui roulent et qui mettent l'éclairage des écrans, tu sais, les écrans sur la voiture et tout, ou le rétro-éclairage du tableau de bord à fond. Ça pète les yeux, ça fait mal aux yeux. Je déteste. Là, j'ai mis le régulateur. Live jusqu'à minuit. Ben là, on va faire une deuxième mission. J'avoue que je sais pas quels sont les lieux incroyables à découvrir, tu vois. Je pense qu'on va essayer de bien poncer le DLC là. Enfin, on va essayer d'en profiter, de bien rouler sur des beaux paysages. Et après, on ira sur la promode. Hein. On a dit prochain live, les gars, on va sur la promode. J'ai vu que Danger, il serait chaud pour faire un multi avec moi. Donc ça pourrait être bien de faire une rencontre abonnée ou un multi ou quoi. Putain, mais il y a encore des péages, c'est pas possible ça. On peut rouler à balle ou quoi là? Ah non, pas celui-là. Pas celui-là. On va ralentir un peu. Mais putain, mais faites gaffe! Ils sont fous les gens là. En même temps, j'ai pas vu la voiture, c'est vrai. La promote, c'est une map. En gros, c'est une map qui a vraiment été toute refaite dans le jeu. Donc en gros, quand tu vas à Paris, Paris de la map de base ou Paris de la promote, elle est 100 fois mieux quoi. Il y a 12 millions, il y a les panneaux, enfin elle est vachement plus stylée. Danger, je suis abonné à lui depuis qu'il a 3000 abonnés. Danger, je le connais depuis un bail quand même, hein, c'est vrai. Oh, on voit les gyros reflétés. Waouh, les gyros. Oh, comment ça reflète. Ah ouais, c'est tellement stylé. Et encore là, le camion, je l'ai pas trop pimpé, tu vois. J'ai pas mis. Oula. J'ai pas mis genre plein de flash partout, mais. Mais faut que je fasse ça, ouais. Là, on fait quoi, les gars? Ah, il reste 120. Les gars, bon, avion, on continue comme ça, on continue de nuit. Hein. De toute façon, on arrive dans 120 km. Comme ça, je pose ma mission, je dors, on s'achète une remorque et on se fait une autre mission et puis voilà. Vas-y, fais ça. Ah là, les pleins phares, ils éclairent de ouf par contre. Là. Ah ouais, là, ils éclairent de ouf. T'es sur Facebook. J'ai une page Facebook, ouais. Mais enfin, je suis sur Facebook. Enfin, j'ai un compte Facebook, mais m'ajoutez pas. La promote, faut qu'elle se mette à jour, sinon c'est incompatible avec Iberia. Ouais, je pense. Ah oui, ça c'est sûr, je pense. Waouh. C'est trop joli, les effets de lumière et tout, genre, c'est vraiment joli. Genre, en fait, moi qui est habitué à rouler de nuit et tout, en vrai, je parle, hein, quand tu croises des gamins, quand tu roules, tu vois, les reflets dans la cabine, tu vois, quand tu passes devant des panneaux, regardez, les lumières, ça fait des flashs dans la cabine, fiu, les effets de lumière dans la cabine, ça fait tellement ça en vrai. Dans les tunnels, est-ce que vous, quand vous passez dans les tunnels, ça fait genre, tu sais, les fiu. Là, ça va le faire, hein, faut qu'on trouve un tunnel. Ah, mais c'est trop les effets de lumière, ouais, c'est trop.
Oula. On va ralentir un petit peu. On se laisse ralentir. Oh, t'as même pas le moteur. Hop, régulateur. Ah là là. Alors, ouais, du coup, c'est vrai que là, quand je roule de nuit sur l'autoroute, mes phares ils éclairent tellement bas que je suis obligé de mettre en plein phare. Bon, dès que je croise quelqu'un, j'enlève, tu vois, mais dès que t'as des poids lourds qui te font des toutouks, ça te pète les yeux. Comme jamais. Allez, pourquoi? Mais ça m'énerve ça. Les poids lourds qui restent à gauche. Oh là là. Pourquoi t'es à gauche? Je m'explique. Y a qui devant? Merde, y'a un mec qui m'a doublé là. Ah voilà. Ah, regardez les reflets des girous là. Oh, comment ça reflète? Trop beau. Voilà, oh, j'éclaire toute la colline là. Oh, oh putain. Ça. T'as plus d'abos sur Insta. Oui, 49 900. Merci. Le jeu vaut combien? Le jeu vaut... je sais pas. Bah au pire, est-ce que vous savez... regardez combien il vaut. Parce que j'avoue que je l'ai acheté il y a très longtemps. J'avais dû l'acheter, je pense, je sais pas, 20 balles, 30 balles à l'époque. Mais là, je pense que c'est pareil. Vas-y, quand on arrive, les gars, on se met une petite musique chill. Enfin, une petite musique tranquille, quoi. Comme ça, on sera nickel. Les camions roulent à droite. Bah ouais, mais là je roule à gauche, c'est vrai. Mais attends, je vais le doubler et après je roulerai à gauche. Il y a encore un péage, allez. Pas possible ça. 200 mètres PAX. Il est marqué PAX. Mais je pense qu'on relance. Il faut s'arrêter là. Oh, oui. Oh what? Attends, faut aller. Quoi? Hein? Mais il est fermé lui. Attends, mais il y a un problème là. Oh, attends. Mais comment je roule avec ça moi? Oh! Ah non mais là je vais faire un accident. Là c'est obligé là. Attendez, ça passe là? Péage, oui mais ma remorque elle va passer vous pensez? Elle passe. Waouh, comment c'est trop beau là. C'est vraiment trop beau hein. Allez c'est reparti. Eh, même pas d'accident. Incroyable. Oh, faut que je mette du bois, rappelez-moi du bois. Oh, dans le rétro, les... Ah oui, franchement, il n'y a rien à dire. Les effets de lumière de nuit, là... Hier, qu'on a joué de nuit, j'ai pas trop fait gaffe. Mais là, regardez, quand tu regardes là-bas, là... Le péage en fond, incroyable. Au Bronte, là, il fait vraiment nuit, là. Oh, attends, mais là, il est 22... Oui, au Bronte, on voit vraiment rien, là. Oh, putain. À fond. LOL, Bouzy et ton champ. Bah, vous avez vu? Il coûte vers les 5 euros sur Instagram. Oh, 5 euros! Mec, il vaut le coup, hein. La touche pour zoomer, je sais pas, je l'ai mis sur le volant. C'est une touche que j'ai mis sur le volant. Il y a plusieurs touches. J'en mets clignot et tout, c'est sur le volant aussi. Mais voilà. Dans mon volant, si vous mettez point d'exclamation volant, ça vous dit ce que c'est mon volant. Mais sinon, c'est le G920. Donc voilà. Tenez la gauche. Je tiens à gauche. Oh non! Allez, passe! Passe! Bon, je passe. En même temps, c'était à moi de regarder mon rétro. C'est ma faute. La corogne. Oh, on arrive là, on arrive, les gars! Regardez les lumières comment ça flash dans la cabine là. Oula. Je crois que je suis vraiment un gros fan. Il faut pas grand chose. Mais tout le monde met mes volants maintenant. Allez. Allez, accélère. Monte ce que t'as dans le ventre. Accélère. Il galère. C'est arrivé, est-ce que tu aimes bien les Mercedes AMG? Oh, bah ouais. Hein. Avant, je m'en battais les steaks des voitures comme jamais. Oh! Ah bah ok. Mec, le seul fois que je regarde, c'est la fois où c'est qu'il y a une voiture qui passe. Bah merci du coup, hein. Voilà. Bon, on arrive en ville, les gars. Comment dire que j'ouvre la fenêtre, quoi. Voilà, parce qu'il fait chaud. Oh, oui, on peut... Oh oui, on peut arrêter la lumière, regardez. La vitre, elle est ouverte, mais pas à fond. Trop bien. Tu peux faire une dédicace, hein. Attends, on va se mettre là. Ah ouais, bon, c'est trop beau. Mais c'est trop beau. Les lumières sur le pont là. Non, je suis vraiment. Là, franchement, je suis amoureux du jeu. Ah ouais, non, franchement. Le jeu, en fait, il nous est. C'est vrai que c'est les DLC qui font revenir sur le jeu, mais en fait, il y a eu tellement une évolution graphiquement. Y'a que moi qui remarque ça, les gars, ou vous aussi vous trouvez qu'il est vachement joli le jeu? Ah, c'est quoi? C'est un stat ça? Non, c'est des entreprises. Mais c'est trop ça, genre tu vois trop les lumières dans les bâtiments. C'est vraiment trop ça. Franchement, les routiers doivent kiffer leur vie. Hein. Moi aussi. Ah ouais, vous aussi, vous trouvez qu'il est joli. Mais il est vraiment beau. Hein. Je sens le courant d'air. Putain, je suis mort.
Oula. Attendez, à mettre en plein phare là. Bah écoute, là je me laisse aller. Je crois que je vais ralentir un petit peu. Je vais où là? Tenez la gauche. Tenez la gauche, oui. Attendez, je ferme la fenêtre, il fait froid. Merde, je l'ouvre. Tenez la gauche. Ok. Putain, mais je ferme ma vitre. Oh merde, je roule trop vite. Je roulais trop vite, les gars, désolé. Tu as combien de champs? Bon, ça, j'ai combien de champs? J'ai failli tuer l'ambulance. C'est une ambulance? Je crois. Excusez-moi, je passe. Tu sais, la vie de routier n'est pas aussi simple que tu la vois dans ce jeu de simulation. Bah, les gars, vous savez, je le sais, hein. Mon pote, là, mon meilleur pote, il était routier, hein. Il était routier et il galérait. Hein. Et là, il a arrêté parce que ça le saoule, quoi. Enfin, genre, en fait, c'est chiant parce que c'est toujours pareil. Genre, là, oui, t'es en mode, waouh, trop stylé, tu roules et tout. Mais t'es tout seul, quoi. Au quotidien, t'es tout seul et tout. Ça doit vraiment être chiant. Bon, on arrive, les amis. On est arrivé. On est enfin arrivé. Je crois qu'on n'a pas fait trop de dégâts en plus. Hein. Tournez à gauche. On ouvre la vitre. Hein. Hop là. Alors. Bah nickel, on a vu ça se mettre là. Regardez-moi ça. Oula. J'accélère un peu trop. Et là. Attention. Hop là. Nous sommes arrivés. Magnifique. Un maximum de GG dans le chat. Et bah dis donc, c'était long. C'était long. Mon père, il est routier, il fait de l'international. Bois. Alors les gars, je vais boire et je vais chercher à mettre du bois. Ah mais oui, bois. Je croyais que tu disais bois, faut que tu boives. Mais non, c'est le bois, faut que je mette du bois au feu, c'est vrai. GG, merci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Attends, on va acheter la remorque maintenant. C'est où, achat de remorque? Gestion remorque, gestion chauffeur. Comment on achète des remorques? Vendeur de remorques. Ah voilà. Alors, on peut acheter des plateaux, on peut acheter des cuves, on peut acheter des... Ah ouais, des porte-chats. Ah ouais. On va mettre des grosses remorques. Ouah, c'est... Quoi? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais what the fuck? Attends, 13 mètres plus 7 mètres. Celle-là, elle fait 13 mètres plus 7 mètres. Isotherme double, et ça, c'est frigorifique double. C'est quoi la différence? Ah oui. Venez, on prend une remorque frigo. Venez, on achète celle-là pour rigoler. What the fuck, la remorque? Attendez. Ah, c'est quoi ça? Le type... Ah, faut que j'aille en Finlande pour porter ça. Ok. Ah ouais, soit on prend court comme ça et long. Ouais, wow, en fait, c'est pareil. Ça... Ah ouais, on choisit vraiment ce qu'on veut, là. Waouh. What the fuck. Merde, il y a plus... Et mes roues, elles sont enlevées. Je crois que j'ai qu'une roue à l'arrière. C'est nul. Moi, je veux deux roues. Ok, ça c'est quoi ça? Ah oui, alors attends, vas-y, je prends le max de roues, hein. Je sais pas. Et là, venez, alors on a mis quelle couleur dans notre remorque du coup? Moi je dirais, oula, mais qu'elle est tellement grande, c'est incroyable. Je sais pas trop quelle couleur on peut mettre. Un peu du bleu quoi, le bleu de ma chaîne, non? Oula, c'est moche là. Je sais pas quelle couleur on peut mettre, ou un peu rouge, ou ouais, je sais pas. C'est quoi si je mets en bleu? C'est quoi si je mets en noir comme ça? Ah! En vrai, une remorque claire, j'aime bien les remorques claires parce qu'un truc foncé, c'est pas ouf. Et là, à la rigueur, je mets un peu. Comment je peux mettre la remorque là? Ou alors un peu d'orange parce que c'est la complémentaire de l'orange. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, du blanc. Eh, franchement, elle pète comme ça parce que moi, j'aime pas faire un truc trop détaillé, tu vois. C'est quoi tout ça là? Merde, ça change rien. Ah si, ah ouais. Vas-y, on prend le meilleur truc, les gars, vous savez quoi? Ah oui, là aussi, du coup, tu peux choisir. On prend le max. Les gars, on prend le max. On prend le mieux. La meilleure remorque ever. Ah ouais, par contre, on met des lumières partout. Hein. Elle va clignoter de partout, la remorque, les gars. Elle va clignoter de partout. Les pneus, on prend les meilleurs pneus au monde. Magnifique. Ça, c'est quoi, ça? Ah, une petite caisse à outils. Vas-y, prends une caisse à outils. Ça, c'est carénage. Ah, vous voyez pas, il est marqué carénage, coffre à palettes. Quoi? Coffre? Tu mets des palettes dedans?
Ouais, en vrai, venez, on prend ça, ouais, un truc comme ça. Là, on met de la bonne lumière partout. Les pneus, on met des bons pneus. Tes modes. Et que ça va, la remorque, elle va être incroyable. Elle va être incroyable. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est pour... je sais pas trop à quoi ça sert, ça. C'est pour protéger quoi? De la pluie ou du quand tu ouvres la porte? Je sais pas trop à quoi ça... Ou quand t'es à quai? Je sais pas. Les feux, on va mettre... Ouais, le max de feu. Le mec, il prend le max à chaque fois. Voilà, j'abuse, hein, je fais un peu le kéké. Mais, vas-y, hein. Voilà. Consommation. Par contre, je viens de penser que... Ouais, je pense qu'il faut que je prenne mon camion, mon Scania. Le Scania le plus puissant, je pense, parce que... vas-y, on va la livrer à Bilbao, comme ça, on va faire quelques routes, là. Vas-y, on amène ça à Bilbao. 300 000 euros. Quoi, ça coûte 300 000 euros, une remorque? Donc, j'ai acheté ma remorque à Bilbao. Maintenant, on va récupérer un camion. Bah, les gars, on prend le Scania, parce que c'est le plus puissant, et si on prend pas le Scania, on va vraiment galérer. Hein. Donc, gestion des camions... Le plus puissant, 750. Ah, ou 700. Ouais, il y a. Ou alors, vu qu'on n'a jamais pris de Volvo, sinon on prend un petit Volvo. Vous préférez quoi, les gars? Vous préférez quoi, les gars? Volvo? Parce qu'on n'a pas, pas encore pris de Volvo, donc. En châssis, je vais prendre ça. Moteur 750 chevaux. 12 vitesses retardées. La cabine. Ah bon, à ce qui paraît, les gars, ce Volvo, il est un peu vieux. La cabine est un peu vieille. Mais à ce qui paraît, il fait un bruit incroyable. Vraiment. Venez, on essaie de prendre... Attendez, on l'a mis comment notre remorque tout à l'heure? Quelle couleur on l'a mis? Je sais plus qu'est-ce qu'on a mis. On l'a pas, là? Scania. Ah, vous voulez qu'on prenne un Scania? Moche, le Volvo? Ah ouais? Scania. Bon, ok, on prend un Scania, alors. Hein. Ouais, je m'en fous, en vrai, moi. Vas-y, go Scania, alors. Scania, bah celui-là du coup hein. On va le modifier parce qu'il était moche. On va le modifier. On peut pas enlever c'est moche là ce que j'avais mis là. Ça dégage ça. Il y aura un peu moins de phare mais au moins ça sera mieux. Et du coup au niveau de la peinture bah on a mis quoi? On a mis un peu du Golden Age Volvo. Bah du coup tout le monde dit Volvo maintenant. Mais du coup vous préférez quoi? Je sais pas du coup ce que vous préférez. Ouais, tu sais, bah, tout le monde dit Volvo les gars. Bon allez, c'est vrai que le Volvo on l'a encore jamais pris donc c'était dommage de pas le prendre. En plus c'est le plus puissant. Tu t'es pas rasé dans les... Mec arrête avec ça, tu t'es pas rasé mec. J'ai juste fait une vidéo où je m'étais pas rasé mais ça arrive, ça arrive. Par contre, ah oui, il y a un écran là trop stylé. Ouais, du coup, en couleur, on va essayer de prendre une couleur qui fait penser au camion. Je sais pas quelle couleur on le prend. Après, on prend une... En fait, on met un truc noir. Mais ça comme ça, et ça comme ça. Non, c'est moche. Après, on prend du orange, et là, on met du bleu. Non, je sais pas comment on le met. Mais il est trop moche, ce Volvo. Après, on s'en balaye, qu'on se renvoie à l'intérieur. Donc, ouais. Par contre, ouais, ça a éclaté, hein. Parce que là, je veux bien prendre un Volvo, mais... en fait, les peintures sont nulles. Et puis, on prend une peinture normale, hein. On prend une peinture un petit peu comme ça, que j'aime bien, là. Les Volvo, c'est souvent un peu foncé, non? Je sais pas, alors, j'avoue que j'en sais... Ah, tu sais quoi, au pire, on s'en fout, hein. Vas-y, on prend comme ça et puis let's go. Juste en cabine, il y a quoi? Ah oui, il y a tous ces réglages. Ouais, mais vu qu'on fait un transport exceptionnel, on met des gyros. On a déjà ce qu'il faut. Globetrotter, c'est cool. Par contre, je m'appelle pas Jean-Christophe, là. Je m'appelle Stervio. Stervio. Enfin, mon bois, il va s'éteindre, là. Stervio. Bah là, il n'y a pas de bloc. Là, il y a mes... Ok. Nickel. Ça, on est bon. C'est quoi, ça? Pièce d'origine. Ok, on met les pneus, on met des très bons pneus, très important. On met des garde-boue, on met des pneus. Est-ce qu'il y a des bavettes? Non. Ok. Ouais, bon, on est bon, je crois. On est pas mal. Voilà. J'aurais juste qu'on peut mettre en cabine. J'imagine le téléphone. Petit téléphone. Après, ça, c'est les 1 euro. Ouais, ça coûte 1 euro, ça. Ouais, vas-y, on met une petite dame qui danse, là. Voilà. Nickel.
pense qu'on est bon, on s'en fout des décorations là, au pire on met une glacière, mais on s'en bat les... Ok, c'est parti. Ah, convoi exceptionnel. Ah, c'est où qu'on met convoi exceptionnel par contre? Vous m'avez dit. Ah, attendez, c'est pas là. Bah si. C'est bon, non? Oui. C'est où convoi exceptionnel? Et Mathilde? Mais la plaque convoi... Ouais, mais elle est où la plaque convoi? Dites-moi, dites-moi. J'aime pas l'avant, là, comme ça. Ah, mais moi, je veux de la... Non, c'est moche, comme ça. Y a pas... Allez, attendez, mais oui, mais vous me dites allez, mais moi, je veux quand même un truc joli. Les gars, dites pas allez. Moi, je veux que ma remorque, mon camion, il soit beau. Hop. Mathilde, hein, tu t'es bien reposé, hein? Mathilde, mais qu'est-ce que tu viens faire? Je te manque trop, je crois. Je te manque trop. Peinture exceptionnelle. Ah, mais on s'en bat avec de la peinture. Vas-y, allez, c'est parti. Les gars, par contre, on a un camion incroyable. Hein. Ça, je vous le dis. Ah, merde. Attendez. Gestion des camions. Il est où, mon petit man? Non, c'est pas moi. C'est pas mon man. C'est lui. Le Volvo FH classique. Conduire. C'est parti. Le nouveau Volvo. Bah, on testera les nouveaux camions plus tard, au pire, mais là, pour celui-là, on va faire ça. Et pourquoi t'es pas modératrice, Mathilde? Faut que tu mettes modératrice, là. Mais un petit message... Attends, bon, je vais mettre du Lofi. Lofi. Merde, je peux pas. Ah, le clavier, il marche pas. Bonsoir. Pub pour ta touriste, s'il te plaît. Non. Fumeur. Dans les paramètres, tu coches éviter les autoroutes. Oh, vas-y, les gars, on évite les autoroutes, hein. Venez, on évite les autoroutes. Le bois. Oh merde. Vas-y, si on met du bois. Soit je dis, je n'arrête pas le live encore. Hein. J'ai envie de faire encore un petit live, encore un petit peu de live. Donc je vais juste... hop. Ça c'est moi, c'est pour que je puisse contrôler mon deuxième PC. Et on met du Lofi. Lofi. No copyright. Du coup, ce sera une musique un peu plus calme, les gars. Voilà. Normalement, la musique, elle va être un peu plus calme. Voilà. Un peu trop calme, peut-être. Non, c'est nickel comme ça. Nickel, nickel. Ça, je décoche. Et on est... Merde. Et on est parti. Vas-y, je mets du bois, j'arrive, les gars. J'arrive. Bon, je suis là. On va essayer de pas le ramasser. On va essayer de pas le ramasser cette fois-ci. Alors, mode de navigation, éviter les autoroutes. On est bon là. On est bon. Bon, il est un peu moche le camion, mais c'est pas grave. Alors, comment on récupère la remorque? C'est ça la question. Est-ce que vous savez comment on récupère notre remorque? Gestion des remorques. Hop. Utiliser. Bah ouais. Un garage à Bilbao. Oui. Ok. Et si je fais conduire, du coup, est-ce qu'il y a ma remorque? C'est la question. Où est ma remorque? Attends, c'est mon garage, ça? Incroyable. C'est un garage de ouf, par contre. C'est mon garage, ça. Oh, ouais. Et ma remorque, elle est où, ma remorque? Bah, merde, elle est pas là. Où est ma remorque? Ah, attendez, peut-être ça. Offre de fret. Hein? Qu'est-ce que je fous là-bas? Ah oui, il y a un souci, c'est sûr que je suis à Paris. Non, alors Bilbao. Je veux aller à Bilbao. Ah oui, j'étais pas au bon endroit. Je me disais aussi. Elle est à Bilbao. Bah oui, mais tu es à Paris. Bah oui. Mathilde Val. Mathilde elle est connue maintenant. Mais... Ah oui. Pourquoi tu veux... Attends, mais je te mets modératrice parce que je te mets une petite clé. On y va. Nickel, on y va. Dans deux secondes, Stervio. Putain, quoi, on va passer les 74 000 abonnés? Vous êtes encore 1500, ça, je suis un peu choqué, quoi. Mathilde. Ah oui, c'est la meuf relou, ça. Je rigole. Ah, mais il y a Agricom aussi. Nickel. Tu finis à quelle heure? Assez tard, mais du coup, pour s'appeler ce soir, c'est mort. Hein. Désolé. Si tu peux demain, par contre. Ou sinon, bah, ouais, de toute façon, c'est demain. Donc, ma remorque. Logiquement, ma remorque est là, ça veut dire. Oh, elle est là. Oh, ma remorque, elle est incroyable. Elle est incroyable. Est-ce que j'ai des... Oh!
T'inquiète, on voit demain. Ok, nickel. Incroyable. Ah ouais. Même il fait beau dans le jeu. Bon, il est 18h. On va juste dormir un coup, les gars. Comme ça, ça sera le matin. Par contre, aller dormir avec ma remorque, ça va faire... C'est peut-être un peu beaucoup, non? Merde. En fait, je suis pas au bon endroit. Ça va et toi? Ah ouais, mais en fait, ok. Tout le monde lui parle, quoi. Nickel. Où est-ce qu'il y a un garage? Parce que moi, je veux dodo. C'est quoi ces routes, là? Ah, là, on peut dormir. Venez, on va dormir là-bas. On va dormir. T'inquiète, c'est pas grave. Ouais. Oh, il est stylé, ce camion. Il est vraiment stylé, je trouve. Par contre, wow, la remorque, conne. Ah, excusez-moi, je passe. Merde. Wow, mais mec, c'est énorme. Ah, mais l'arrière est plus long que l'avant. Ok. Oh là là, faut faire gaffe, les gars. Faut pas faire le con, là, parce que... Oh, mais c'est joli, ici. Wow, il y a des ruines. Wow, là 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 là, c'est trop beau. Ce DLC est incroyable. Et en plus, avec ma double remorque, là. Enfin, ma double remorque, on dirait... c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais... Bon, on va dormir, comme ça, c'est le matin, et nickel. On veut voir les lumières. Ah ouais, les lumières. En fait, on les voit pas. Ah, vous voulez voir les... Du coup, au pire, on dort pas, au pire. Oh, putain. attends, mais je suis un peu à contresens, là. Attends, je fais quoi, les gars? Vous voulez que je dorme ou vous voulez voir les lumières? Au pire, on les verra plus tard, les lumières. Hein. Parce que là... Quatrième sortie, oui, bonjour. Je souhaiterais... Oh, merde, il y avait un feu tricolore. Ça passe, là? Nickel. Les gyrophares. Ok. Non, en vrai, on va dormir. Mais on peut pas dormir là. Ah non. Ok. Dors pas. Non, je dors pas. Enfin. Vous voulez qu'on dorme? Oh. C'est passé près là. On dort ou on dort pas? Dors. Bah, tout le monde dit dors. On va dormir. Tu peux le temps d'arriver là-bas, il fera nuit. Et on cheat. Ouais, là, je cheat. Ah oui, mais si, je me rappelle de cette ville. On y était passé. Je m'en souviens très bien. Allez, accélère! Allez, accélère! Attends, je vais juste faire un truc, je vais juste mettre le rétroéclairage, tac, tac. Ouais, les gyrophares, tant qu'à faire. Hein. Ça donne quoi les gyrophares du coup? Ça flash bien? Tournez à bon. Gauche. À gauche! Oui. C'est parti. Bastien, ça va super et toi? Je crois que tu parlais à moi, mais ok. Ok, ok! Vas-y, je mets un peu plus fort la musique. Ouais! Oula! Ouais! Moi j'avais envie. Allez, on roule! Ah oui, je me rappelle de cette route où on était passé pour aller faire une mission. Vous êtes 1600, c'est incroyable. C'est incroyable le monde qu'il y a sur ce live. Je crois que vous aimez bien. Et pourtant, ma conduite n'est pas exemplaire. Oula! Oh, comment ça fait. Mais c'est bizarre quand tu roules, ça fait trembler le volant quoi. C'est bizarre, c'est fait exprès, mais. Il y a un stop. Ah merde, je l'ai pas vu. Bah, en vrai, les gars, dans la vraie vie, j'ai jamais cligné de stop, je crois. Enfin, c'est déjà arrivé peut-être une fois ou deux, quoi. Mais genre, jamais je me dis, vas-y, un stop, je m'en balèque. Franchement, à chaque fois, je m'arrête. Vraiment, vraiment. Voilà. Non, toi, je t'appelle par un autre nom. Tu m'appelles comment? Comment tu m'appelles, Mathilde? Alors, offre de fret. Dis mon nom, s'il te plaît, c'est Louis. D'accord, Louis. Go, les 100K. hein? Y a pas de marchandises disponibles actuellement pour votre remorque. Oh non. Ah mais non, mais je veux dormir, moi. Je veux pas prendre... Je suis débile. Bah, il est où le lit, là? Attendez, où est mon lit? T'as mon lit, Bah, normalement, on peut dormir, là. Dors. Bah oui. Mais on dort où? Ah, sur les places derrière. Hein? Oula. Ah ouais, là, je suis en train de tout casser, là. Ah non, ça va. Enfin, ça va. En fait, t'arrives à reculer, mais pas longtemps, quoi. Tu peux dire mon prénom, c'est Thomas. Ok, Thomas. Vraiment, je dors vraiment comme ça, là? Oh là là, ce camion. Allez, bonne nuit! On dort! On écrit tous bonne nuit. Mettez tous en smiley. Merde, on se réveille à 3h du mat. On redort! Bon, ben, il est midi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission à prendre?
offre de fret. Avec ma mission. Oh, on peut transporter des tripes d'agneau. Par contre, on va essayer d'aller dans un endroit qu'on n'est pas allé, quoi. Là, on n'y est pas vraiment allé. Là, on y est déjà allé, on y est déjà allé. Ah, on y est déjà allé. Ah ouais, 30 tonnes. Bah oui, du coup, oui, c'est des offres de 30 tonnes, du coup, vu qu'on a une grosse... Oh. Bon, bah les gars, c'est parti, hein. Gros... En fait, Mathilde, j'ai tué la souris. Elle m'a pété un câble. Oh putain, il y avait une souris, il y avait une souris dans mon gîte, bah là où je suis, et elle me cassait les couilles. Et j'ai mis un piège ce matin. Il est temps d'aller. Et au bout de 30 minutes, j'entends paf. Je fais yes. Et du coup voilà. Et elle est pas. Alors quand elle s'est fait prendre, elle était pas morte. Je sais pas si elle est morte actuellement. Mais de la façon que j'ai secoué le truc, je pense qu'elle est pas en ville. Elle est pas en vie. Bref, allez c'est parti. Au travail les amis. On va chercher une mission. Vas-y les gars, je suis le GPS sur le camion. Un vrai gigot. A plus Ganel, merci d'être passé les gars. Enfin, merci d'être passé Ganel. Ah, t'es sérieux? Mais bah ouais, je suis sérieux. Ah bah va me faire la gueule, je crois. Bon bah écoute. Ouais mais ça m'énerve une souris. Le chemin impossible. Oula, déjà rien que passer là, ça va être compliqué. Regardez-moi ce chargement, regardez-moi ça. Oula. Oula, 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 oula. Attendez, le rétro. Oh. Oula, oula. C'est compliqué en vrai. Non, en vrai, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. Ok, je sais pas trop ce que je fais là, mais ça passe. Nickel. On va tout droit. Ok, il faut pas tourner. Lui, si tu veux tourner, tourne. Allez. Bonne nuit. Quoi, bonne nuit? Non, on dort pas. Oh, il reste une mission de je sais pas combien de kilomètres, on dort pas là. Donc là, on va. En fait, on a notre benne, il faut aller la remplir. Ah oui. Ok, ok. Par contre, ouais, le rétro, je vais quand même mettre le rétro. Tu as coché de ne pas prendre les autoroutes. Ouais, 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 ouais. Mais des fois, il y a quand même les autoroutes, donc. On verra. Attends, c'est où là? On est à Bilbao, quoi. T'es en multi. Non, solo, solo. Sinon, il n'y aurait pas de voiture. Regardez-moi ce chargement. Merde. Nickel. Et si je freine, ça s'affiche. Cool. Donc, on va ouvrir les vitres. Merde. Ouvre la vitre. Nickel. Et là, si je klaxonne. Ah ouais, là, il y a un vrai son, là. Donc. Nous allons. Il faut faire demi-tour, là hein. Prenez la quatrième sortie. Je prends la quatrième sortie. Ok. Ok. Roule à gauche. Pourquoi je roule à gauche? Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, je suis au feu rouge. Quoi, il y a un feu rouge au rond-point? C'est quoi ces ronds-points de bizarre là? Allez, qu'est-ce qu'il fait lui là? Il prend des photos. Allez. Oh là là. Bon, oh, attends. Eh, hey, je suis bien garé là. Stavro, est-ce que tu aimes bien Weshden? Car une fois avec Connery, vous avez chanté sa chanson. Bon, on aime bien. Je pense que ça fait, bon, elle fait de mal à personne. Enfin, je sais pas. Vous aimez pas, c'est votre souci. Sortez maintenant. Moi, tant que j'aime, c'est le principal. Enfin, j'aime. Heureux, je suis pas fan quoi. Genre, si elle passait la radio, j'ai pas changé la radio non plus quoi. Préparez-vous à tourner. Mais attends, c'est quoi ces routes qu'on prend là? Tu connais les vaches qui font la mozzarella pour ton vlog? Tournez à gauche. Quoi? Et cette route, je la connais. Mais quoi? C'est quoi cette route qu'on a pris? Il fallait faire le rond-point, demi-tour, revenir. Tournez à gauche. Je tourne à gauche. Ah ouais, après, il faut passer par là pour pouvoir repartir. Sortez à droite. C'est bizarre les routes qu'on prend. Tu peux dire Julien? Oui, Julien. Du coup, dans le chat, les gars, vous voudriez que je refasse des lives sur le DLC. DLC Iberia ou qu'au prochain live on fait un live sur bah autre chose quoi. Genre enfin toujours autre truc je parle mais une autre map quoi. Pour toujours le DLC Iberia. Parce que le DLC Iberia on a quand même fait un bon tour déjà. On n'a pas tout découvert bien évidemment mais on a fait un bon tour. Tu peux dire mon prénom DLC Iberia. Oh. Incroyable.
Promode, ouais, la promode elle m'a l'air pas mal. Hein. Tu parles à qui, Mathilde? Elle parle à... Il y a des bastiens partout. Les gars, je veux que tous les bastiens écrivent un message dans le chat. Voilà. Voir s'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des bastiens dans le chat? Puis sortez à droite. Hein? Je sors à droite. Est-ce qu'il y a des bastiens? DLC spécial transport. Ouais, je l'avais en plus. Non, je regarde s'il y a des bastiens dans le chat. Je m'appelle Pierrick. Oui, mais bastien, je pense. Ouais, la route de la mort, elle peut être top, hein. Je pense qu'on va essayer de la prendre en jouant la route de la mort. Et on se fait un convoi exceptionnel sous la promode avec une voiture qui escorte le camion. Ouais, si tu veux. Hein. Ouais, ça peut être top. Ça peut être sympa de faire ça. En tout cas, les gars... Ah, attends, parce que là, le camion, il va vite parce que je suis à vide. Mais dès qu'on va être à plein... Attends, j'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre, les gars. Vous êtes prêts? Incroyable. Oula. Je fais quoi, là? Ok. Là, on va se concentrer un petit peu, là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Sortez à droite. À droite? Ok. Ouah, c'est trop beau, là. Regardez-moi ça. C'est quoi ce péage nul? Ça, à quoi ça sert, ça? À rien. J'avoue, à quoi ça sert, ça, des fois? Des fois, il y a des choses qui sont sur les routes, je sais pas à quoi ça sert. Mais bon. Tenez la droite, puis sortez. Je tiens la droite. C'est parti. Tu peux faire en... Attends, t'es revenu au même endroit. Hein? Non, non. Sortez à droite. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Si, à faire parler Stervio. Bastien. Ah voilà, nickel. Oh putain. Ça fait flipper, parce que ton volant il bouge, on dirait que t'as cassé quelqu'un. Je suis refait, t'as répondu à mon commentaire. Ah ben voilà. Tu dois être encore refait. Bon bah écoutez, ça se passe bien, hein. On roule bien là. On va chercher notre cargaison et après on roule. Et après cette cargaison, par contre, on se laisse... Quoi, ça va faire 3 heures de live? Oh putain. Quoi déjà? Oh là là, 3 heures de live. Ça fait un moment que j'ai pas live 3 heures. Hein. T'as vu ma story avec Bouzy? Peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Nickel. Bon, on est arrivé, on va charger ça. J'espère que ça va pas être une cargaison trop longue. Enfin, genre, trop chiant à conduire, quoi, je parle. Alors, les gars, ceux qui vont regarder la rediffusion du live, je vous plains. J'avoue. Merci pour les 2500 likes en tout cas. Mais d'ailleurs, on a dépassé les. J'ai rien dit. On a dépassé les 49 000 sur Instagram, donc merci à vous. Dans les paramètres, tu coches éviter les autoroutes. Yeah, j'ai coché éviter les autoroutes, donc logiquement, on va prendre que des petites routes. Après, des fois, la map. Enfin, toutes les routes n'ont pas été faites. Attends, donc là, on va là. Là, on charge la remorque du coup. Allez, style notre remorque, hein. Ah merde, dans l'autre sens faut se mettre. Oula, mais attends. Ah mais non, en fait. Attends. Ah non, c'était le bon sens. Oula, bon, la marche arrière, je la sens moyen là. Non, ça va. Oula. Oh, merde, j'ai foiré ma marche arrière. Là, j'ai tout cassé là. Ah oui, non, là. Là, je veux bien essayer de remettre droit, mais. Ah, quoique. Oui, s'il te plaît. Mets-toi en vert. Attends, je me ravance bien droit. Et là, si je recule, sans toucher trop mes... Allez. Attends. Attends, logiquement, si je calcule bien... Logiquement, si je fais... Non, si je recule dans ce sens-là... Non, dans ce sens-là... Non. Oui. Putain, je suis pas con pour une fois. Oh yes. Je veux des GG dans le chat. J'ai réussi à me garer. Putain, c'est bon. Merde. J'ai fait quoi là? Attends, j'ai fait quoi? J'ai décroché ma remorque comme un con, je crois. Attends, mais quoi? Mais je vais pas laisser ma... Attends, dites pas... En fait, dites pas GG. Oh merde, j'ai tout cassé. Attendez. Mais attendez, il faut faire quoi là?
Ah, faut arrêter les moteurs. Et après, faut charger la remorque. Ah, il faut du temps pour la charger. Ah oui. Oh, stylé. Et donc là, on est parti. Donc là, il nous reste 624 km. Donc environ une vingtaine de minutes de route IRL. Et bien, c'est parti. C'est parti, les gars. On y va. Et il est 14h, donc on va rouler de nuit, les gars, je vous le dis. On va rouler de nuit et je pense qu'on va pas dormir. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais en vrai, c'est pas top. Regardez-moi ça, ce jeu, comment il est joli. Attends, on va écouter bien. Il faut écouter Jules. Donc. Hop, 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 petit rond-point. Magnifique. On n'arrache pas. Oula, oula. Oula. Mais il est dur, le volant. Pourquoi tu plantes des courgettes aussitôt? Bah parce que c'est comme ça. Je sais pas. Salut, ça va? Oula, ils vont se pécho eux. Ils vont se pécho eux. Logistique. Je dois y aller. Pas de soucis, Tristan. Si tu as mis une chenille, y a pas de problème, tu es excusé. Et à la prochaine, du coup, à demain soir, chaîne principale. Deuxième sortie. Oui. Hop. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça, c'est les flics, ça. C'est joli, hein. Jamais. Ouais, il y aura la rediffusion, les gars. Mais la rediff va être longue. Attends, mais j'ai la vitre ouverte ou quoi, là? Bah non, pourtant. Pourtant, c'est... Le son est fort. Tu regardes ou quoi, le chat? Je regarde le chat. Ah, on va boire un petit coup. Oula, j'ai pas regardé s'il y avait du monde. Si je me bouffe une voiture, j'ai pas l'air bête. Non, c'est bon. Je peux dire Martin et note-le. Quoi? C'est toi, Mister Volant? Mais non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi! Oh! Attention! Ouais, ce klaxon est nul. Et celui-là? Incroyable! Je suis vraiment un gosse. Je suis vraiment un gosse, quoi. Bonne nuit. À plus, Paul. Mathilde, elle est là? Ah oui. Je pense que tu n'es pas le seul à penser ça. Jules, qu'est-ce qu'il a dit, Jules? Qu'est-ce qu'il a dit, Jules? Parce que là, je vois Mathilde, elle parle, mais... et moi, là? Fais la voix du curé. Nous sommes... Oh, oh, oh! Attends, quoi? Faut tourner où? À droite? Oui. Nous sommes aujourd'hui réunis. Sincère. Tu doubles, toi, tu fais quoi? Allez, je te double. Ah non. Putain, la 208, là? Elle roule, hein? Ça trace. Stavos se plaint. Bug. Oh merde, quoi, bug? Oh non. Que se passe-t-il? Ça bug pas mal. Oh merde, pourquoi ça bug? Oh non. Que se passe-t-il? Les gars, est-ce que c'est bon là? Dites-moi si c'est reparti. Pourquoi ça a bugué? Allo, 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 allo. Est-ce que c'est bon, écran noir? Est-ce que c'est bon? Les gars, dites-moi que vous êtes revenus. Gros bug, oh non. Oh merde, faut tourner. Ça passe. Pourquoi ça a bugué? C'est-à-dire que... Ah, c'est bon, ok. Est-ce que c'est bon là? Dites-moi. Oh, j'ai peur de me retourner. Est-ce que c'est bon ou pas là? C'est bon. Bah ouais. Bah quittez et revenez sinon pour le, sur le live. Parce que sinon vous allez avoir du décalage. Donc genre vous quittez, vous enlevez le live et vous relancez le live. Faites ça les gars. Vas-y, je dis rien. Allez, je vous laisse le faire. C'est YouTube. Putain. En même temps, ça... Mais attends, ça veut dire que ça... Bah oui, parce que j'ai lancé le live à... Peut-être c'est ce que ça fait 3 heures de live. Peut-être, je sais pas. J'ai lancé à 20h30. Là, il est 23h30. Donc ça fait 3h pile bientôt. Enfin, il est 23h28. Mais quand même. Voilà, bah écoute, on a perdu 300 personnes. Magnifique, voilà. On adore. T'es adorable. Merci. C'est bon, t'inquiète. Ça n'a pas bugué. Ouais, mais bon. Pour certains, ça a dû bugger. Je pense que ça a bugué un petit peu. Mais bon, alors, on est né où, là? 535 km. Il est 15h. Ouais, il faudrait qu'il fasse nuit pour voir les phares, là. J'ai trop envie de voir les phares du camion. Bon, venez parler un petit peu, là. Dites-moi un petit peu ce que vous voulez qu'on parle. Aimes-tu les sushis? En vrai, j'aime les sushis... Vas-y les gars, en gros il y a des abonnés qui vont me poser des questions et après vous répondez aussi. Donc là, est-ce que vous aimez les sushis? Vous répondez. Et du coup moi personnellement, j'en mange pas spécialement. Oula.
Lui il s'est fait arrêter. J'avance pas spécialement, mais je pense que c'est pas si dégueu. Oui, non. Regardez là. Où le bus? Regardez comment la meuf elle bouge là. Oh putain. Pas fan. Ah, t'as pas Mathilde les sushis? Bah, t'aimes rien de toute façon. Mais en fait, je crois que j'en ai jamais mangé. Le mec il dit qu'il aime, il aime pas, mais il a jamais mangé. Ouais. Du coup, ouais, j'aime moyen quoi. Ouais. Du coup, y a pas d'autres questions. Est-ce que tu aimes Rocket League? Non. Tu fais comment pour zoomer? Bah, c'est une touche que j'ai configurée. Attends, je suis à 137 km/h là. Je vais un peu vite là. On va ralentir un peu là parce que là. Je vais un peu vite. Ah, mon jeu vidéo préféré. Waouh. Bah, quand même farming, hein, les gars. Enfin, je sais pas. Non, parce qu'en fait. Enfin, ça dépend. Ça, en fait, c'est mon jeu préféré. Mais vu que j'en fais trop. Attends. Mais au juste. Oh putain, j'ai tué quelqu'un. Oh Mathilde, si j'ai un accident à cause de toi, j'ai tué une voiture. Oh Mathilde, c'est ta faute. C'est sa faute. Essaye de conduire réaliste. Ah bah là, c'est mort là. Vas-y, je reste à 110. Bon bah du coup, je sais pas ce que ça. Je sais plus ce que t'as dit. Du coup, bah moi, c'est farming, ouais. Mais comme le jeu, je l'ai quand même pensé de ouf. Ça fait 2 ans et demi qu'on joue dessus. Il me saoule un peu. Toi, il me saoule. Mais le jeu, je l'aime, tu vois. Genre, le prochain farming, je sais que je vais l'adorer comme jamais. Mais du coup. Ouais, du coup, farming, quoi. Et vous, c'est quoi, du coup, dans le chat? Pourquoi ton père a repris un Renault? Parce que. Bah, il aime bien les Renault, quoi. Il a pas eu de soucis avec, donc. Est-ce que tu as déjà conduit un vrai camion? Non. À part un fourgon. Mais. GTA, ah ouais, ETS2, bah je pense le ETS2 il va y avoir une montée de joueurs parce que mes nombre de partenaires qui m'ont dit putain je me suis remis au jeu. GTA c'est mon enfance. Ah ouais. Toi tu joues à GTA toi. Tu joues à GTA Mathilde, mais je suis mort. Viens jouer à Euro Truck. Vivement le New Farming, bah ouais. GTA. Tu regardes le Tour de France cycliste? Pas du tout. Non. Pas vraiment. Quand il n'y aura plus le Covid, tu pourras venir au Space. Les gars, je vais aller partout, moi. Dès que tout rouvre, les gars, je fais tout ce qui est faisable. Vraiment, parce que j'en ai marre. Bonne bouffe ou mal bouffe? Oula! Ah oui, ça, répondez ça. Est-ce que vous êtes plutôt, genre, vous mangez bien ou de la merde? Bien sûr que je joue à GTA. J'étais une gameuse avant. Une gameuse, quoi. Et t'es plus une gameuse, maintenant? Non, t'es une branleuse, tu fais rien du tout. Je suis vraiment méchant. Non, du coup, moi je suis. Attends, lui c'est. Attends, malbouffe, bonne bouffe. Genre, malbouffe, c'est genre. Allez! Genre, si vous mangez genre un burger ou un tacos ou un truc comme ça, plus de 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine, là c'est malbouffe. Genre, manger un petit un McDo 2 fois par semaine, ça va, tu vois. Putain, mais regardez, j'ai évité les autoroutes, il me fait sortir à l'air de repos, mais c'est de la merde. En fait, les autoroutes, c'est nul. Oh putain. Du coup, vous êtes quoi du coup, bonne bouffe? Toi, tu veux que je te goume? Toi, je vais te goumer. C'est quoi ton tracteur préféré? Bon, là, bon, j'ai pas vraiment de trucs. Ton DLC préféré? DLC farming préféré, bah, je dirais le classe, hein, quand même, c'est le mieux. Bonne bouffe, j'aime bien faire la cuisine. Ah ouais. Ah ouais, moi la cuisine les gars. Ah. Faire la cuisine quoi. Des trucs simples tu vois. Et encore. Après les gars, pourquoi je ferais la cuisine? Parce que pour l'instant je suis chez mes parents. Donc pour l'instant c'est ma mère qui fait la cuisine tu vois. Genre si demain je fais. Alors moi je fais à manger. À faire, oula, tu veux te calmer. Parce que sinon on va manger cramé. Mais non en vrai. Genre s'il faut faire des pâtes, je vais faire des pâtes. Si faut faire de la soupe, je vais faire de la soupe. Si. Enfin, faire de la soupe non. Faire chauffer de la soupe oui. Attends, je vais ralentir un peu parce que je vais un peu vite là. Je vais même un peu trop vite, oui. On a ralenti à 110. Même on va ralentir un peu plus. 6 heures de live. Non, on n'est pas à 6 heures de live, calmez-vous. Franchement, j'adore GTA. Crash Bandicoot. Mais non. Tu joues à Crash Bandicoot. T'es une gameuse. Genre, c'est comme si les gens ils disent mais moi je joue à Mario Bros, tu vois. T'es pas un gamer si tu joues à Mario Bros. Enfin. Mais à part être joueur pro, mais être joueur pro sur Mario Bros, c'est impossible, donc non. On arrive à Gijon. Tu peux arrêter de parler pour entendre le moteur. Ah, déjà, accélère.
Et là, vous avez plus d'oreilles. Ça va, ça va, ça va. J'ai plus de batterie. Ah, va chercher un chargeur. Par contre, c'est quoi la route qu'on prend là? Oh là là. Ah. Eh, ligne continue, on ne doute pas. Bonus à vous, continue ce que tu fais. Merci beaucoup, mes gars. Merci beaucoup, les gars. Et ouais, du coup, on se retrouve. Là, on finit la mission. 300 km, donc en gros, d'ici un quart d'heure, une minute, on a terminé. Et je vais aller dodo. Je pense. J'allais me doucher. Cam flou. Ah ouais. Ah oui, merde, putain. Excusez-moi. Pourquoi il me fait prendre cette route là? Il est débile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Attendez, petit rond-point. Mais. Attendez, j'essaie de conduire comme ça avec cette caméra. Attends, on va se remettre droit. Sortez maintenant. Je sors maintenant. C'est bon, la caméra est plus floue? Non, c'est bon. Focus ta caméra. Ouais, ça, elle avait un problème. Vous êtes 1000, vous êtes de retour 1000, oui. Les gars, vous savez que grâce à ce live peut potentiellement être en tendance. Et la dernière fois que j'ai été en tendance avec ma chaîne secondaire, c'était il y a un an sur les paysans français. Et ça, oui, il y a un an quoi. Là, il y a 2500 likes. Enfin, vous avez fait des scores de ouf ce soir. Hein. Franchement, je vous le dis, vous avez géré. Hein. Tenez la droite. Là, je tenais un peu trop la droite là. Ouais, en fait, faut prendre une route, faire le rond-point et reprendre la route qui va à Navia. Nadia. Bon. Tu vas faire. Oui, il y aura la rediffusion, les gars. Il y aura la rediff. Mais si vous tapez 3 heures de rediff, vous avez pour tout votre dimanche. Ça, je vous le dis. Au pire, c'est les vacances, donc voilà. Ouais, elle, je la double parce qu'elle avance pas. Ah, elle me dit. Ah, elle va plus vite que moi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible. Bon, je la double. Hein. Elle est débile. Ah, mais en fait, c'est une. Okay. Tu veux du pain? Non. Oh! Je suis un ro. C'est fort là. Ça me pète les oreilles. Bref, on a arrêté nos conneries. Stavo, c'est quand que tu viens à Rennes? Je sais pas. Mais quand je vais à Rennes, j'aurais pu aller à Rennes mardi, mercredi. Enfin, passer par Rennes. Mais au final, j'ai pas l'occasion d'y aller, donc je vais pas à Rennes. Enfin, je pense pas en vrai. Sauf si HLG me dit: ah, tu peux. Mais pour l'instant, non. Si je vais à Rennes, mec, faut que je vais au local. Je pense, en vrai, il faut que j'essaie de demander. Parce que ça peut être sympa. Je passe une après-midi au local. Ils vont dire: t'es qui toi? Ah non, en vrai, non, je pense pas. Parce que, genre, je suis pas un inconnu non plus, tu vois. Je me rappelle, j'avais passé pas loin d'une heure avec Bouzy sur Discord à lui expliquer comment configurer son volant et tout pour farming. Je l'avais assez. Enfin, ouais, c'était cool. J'avais appris des trucs et tout. On avait testé des voitures. C'est vrai que c'était incroyable. Donc, et tu vois, regarde, ça fait. 3-4 semaines qu'on s'est pas vu avec Bouzy, on s'est pas parlé, mais tu vois, dans la vidéo d'aujourd'hui, il a parlé de moi, tu vois, donc c'est vraiment cool, tu vois. Tu vois, c'est cool, franchement, c'est sympa. Parce que il aurait très bien pu faire, bon bah, tu vois, Starvio, il est venu pour farmer, maintenant on balèque, tu vois. Et en plus, je suis encore VIP sur sa chaîne et tout, enfin, c'est trop bien. Donc, je suis content. Donc, je pense qu'il y a moyen en vrai, si je demande. Parce qu'au local, je connais Romain les InHV, mais c'est un mec trop bien, lui. Mathis, je le connais très bien, et Bouzy. Après Valouz, il me connaît aussi, enfin, tu vois, mais. Et Valouz, je le connais un peu, mais pas autant que. Ouais, après je dis Bouzy, je le connais pas vraiment, tu vois. Mais Bouzy, j'ai déjà vu. Allez. Valouz, ouais, en vrai, c'est tous des gens gentils. Oh putain, le panneau. Mais. La cam. Mais. Non, en vrai, c'est cool. Wow, on est où là? Incroyable cette vue. Ouais, quoique en fait non. Non, en fait pas si incroyable que ça. La glace. Ah ouais, la glace. Vas-y les gars, je vais chercher une glace. Ou alors j'ai. Oh, quoique j'ai une flemme. Ok, il n'y aura pas de glace ce soir, hein, c'est pas grave. Tu réponds pas assez. Ah les gars. Et où? Ouais, les pleins phares, ils éclairent pas là. Moi je suis un gamer, je joue à Clash of Clans MDR. Ouais. Ouais, gamer. Ça dépend les jeux, enfin, ça dépend comment tu joues. Elle est pas floue, la cam. Elle est pas floue. Vous dites, elle est floue. Bisous. Ouais, ça en va? Non. Oh, tu bouges pas. Non, pas. Est-ce que ça a à faire le dimanche sans regarder les rediffs? Oui, bah oui. Si tu vas au local, tu vas essayer de pécho TA. Putain, les gars.
Arrêtez de dire ça, c'est des gens qui ont 12 ans qui disent ça là. Arrêtez vos bêtises. Comment tu pécho une personne que tu vas voir une fois, que tu ne verras probablement. Enfin, genre la distance, moi la distance c'est le pire truc ça. Je déteste les gens qui habitent loin, tu vois. Genre jamais je pourrais avoir une meuf qui habite loin. Enfin. Non, en vrai, je sais pas. Je vais regarder parce que ça se trouve, elle est là. T'aimes bien le nouveau Renault ? Nouveau Renault ? Dobby. Qu'est-ce qu'il y a, Dobby ? Ah oui, il y a Dobby. Ouais, mais Dobby, il est pas vraiment local. Oula, attends, je vais un peu vite là. Bah non, Dobby, il est pas vraiment local. Enfin, il est dans les croutons, mais il est pas local. C'est quand que tu fais un Orléans ? Je sais pas. Oula, oula. Mais c'est quoi ? Non, mais regardez ! Là, il fait n'importe quoi. Regardez, il me fait prendre la sortie. Attends, mais le GPS, il est débile. Ah, tu conduis mieux que hier. Ah. Recherche d'un nouvel itinéraire. T'aimes bien les SAM. Ah, les tracteurs SAM. Oh, ouais. Océane en sueur. Rip Océane, vous êtes bêtes. Là, Océane. Non. Tu connais Fab. Bah, lui, il doit me connaître parce qu'il, vu que c'est lui qui faisait les montages de Bouzy. Les best-of de farming, il me connaît. Mais il me connaît pas plus que ça, je pense. Mais c'est sûr. Je m'en vais à plus, Louis. Bonne soirée. Ou Perrine. Bah, du coup, ouais, bah, ce qui paraît, je vais chez Perrine, du coup, ça veut dire mercredi, en fait. Bah, ouais. Elle m'a dit, viens au pire. Donc, au pire, je vais aller chez Perrine. Parce que mardi, bah, ouais, okay, ça fera. Ok. Ça me fera deux tournages. En vrai, ça peut être drôle. Première fois qu'il y aura un tournage avec une fille, ça c'est vrai que c'est rare. Non, ça peut être drôle, ouais. C'est vrai que je voulais tourner chez Océane, mais au final Océane, bah, je crois qu'elle habite à l'opposé, donc c'est compliqué. L7 coffre. Ouais. Bon, je vais ralentir un peu. C'est joli par ici, là. C'est des petites, c'est pas des dunes, mais je sais pas, la route elle est jolie. Tu vois, c'est ça qui est trop bien, c'est que la route elle est jamais pareille, tu vois, il y a plein de routes différentes. Péchoter, Pidi. Ah là là. Mais je réponds même pas aux gens qui disent ça, c'est débile. À quand une vidéo dans une ferme laitière? Bah. Samedi prochain, les gars. Les gars, je vais mardi chez Alex, chez Étienne. Donc ça veut dire que si je vais mardi chez Étienne, c'est une ferme laitière. Et du coup, Perrine, elle m'a dit viens, mais après, je sais pas, c'est pas confirmé encore. Y'a rien de confirmé, donc je sais pas. Mais si jamais j'y vais, ça fera un deuxième. Ça peut être top, ouais. Ça peut être top de ouf. Salut Lumix. Identifie-moi, s'il te plaît. Bah, ouais. Comment ça, identifie-moi? Tu vas aller au local. Non, mais le local, il est à Rennes, hein. Je vais pas vraiment à Rennes. Océane, c'est ta crush, mais arrêtez. Non, Océane, c'est pas ma crush. Elle est en crush, non, je... non, ça se dit pas ça. Ça va, il y a personne sur le live. Merci Lumix pour tes 2€. Identifie-moi. Mais non, mais comment ça, identifie-moi. David, roule moins vite. Ok, on va rouler un peu moins vite. Tenez la droite. Oh putain. C'est bon. Mets de l'essence. Ouais, ça va. C'est pas de l'essence, c'est du gasoil. De l'essence. Ralenti. Tape une pointe maintenant, coup dur pour Océane. Mais arrêtez avec Océane. Mon live il dure longtemps. C'est vrai que mon live il est lancé depuis un petit moment déjà. Mais là on finit la mission. C'est à dire dans un quart d'heure on a terminé le live. Donc ça va. C'est à dire qu'en gros à minuit. Oh, ce sera minuit quoi. J'aurais lavé 20h30 à minuit. C'est vrai que c'est rare que je fais des lives si longs, mais là franchement j'ai kiffé. Tu sais que Bouzy a dit en live qu'il voulait Euro Truck avec toi. Et va lose. Ah bah vas-y go. Hein. Ils veulent faire du Euro Truck maintenant. Ah putain. Et il a dit ça en live quand? Ça, parce que je sais pas. Euro Truck, je sais pas. Ça peut être drôle, mais c'est trop. Tu vois, eux, il faut des jeux, tu vois, où c'est qu'il y a du contenu de ouf. Et Euro Truck, c'est ok en live dessus, tu vois. Mais pas plus. Là, il va commencer à faire nuit, là, ça va être joli. Hein. Ça va être joli de ouf. La remorque, elle est belle, la remorque là, non? Ouais, après on va pas encore les lumières de la remorque, mais... Ah si, on les voit un petit peu, les lumières. Ah, de nuit, ça va être incroyable. Hein. Oh, putain, la voiture. Excusez-moi.
Ok, je tiens à gauche. Tu arrêtes à quelle heure? J'arrête vers bientôt là. Bientôt. En vrai, coucher de soleil magnifique. On aura, franchement, on aura bien roulé aujourd'hui. Hein. À tube dans les virages. Non, je roule pas trop vite là. Elle est vachement belle. De nuit, j'ai envie de voir de nuit, vraiment. Le problème, c'est qu'on arrive. Il reste 80 km. Donc, il fera pas nuit. Hein. Ou alors, il fera. Non, il fera pas nuit. Il fera tout juste nuit, mais pas assez encore. T'aurais de la chance avec Océane. Arrêtez de pas d'Océane. Tu te rappelles du délire avec Océane ou Périne? Je sais plus. C'était Périne, je crois. C'était Périne. Mais parce qu'on l'avait vu au stand d'agriculture. Je crois bien. Vous aimez bien le nouveau Renault T? Mais c'est celui que j'ai testé, le Renault T? Je sais plus, c'est celui que j'ai testé. Mais en vrai, ouais. La chaîne YouTube a trop explosé depuis un an. Bah sur... Regardez l'hélicoptère. Sur ma chaîne principale, elle a pas explosé. Elle a continué à fonctionner comme elle fonctionnait en vrai. Non, vrai, ma chaîne, elle a pas explosé. Cet été, ouais. Cet été, il y a eu quand même des vlogs qui ont fait beaucoup de vues. Donc c'est ouf. Waouh. Oh, comment ça flash de nuit. Oh, il y a l'hélicoptère. Ah, parce qu'il y a un accident, c'est pour ça. Ah ouais. T'es en live depuis, depuis 20h30, je suis en live, les gars. Et oui. Oui. Voilà, on va ralentir un petit peu, je pense. Hein. Parce que là, on va arriver dans... On va arriver 20h34, il reste 45 km. La nuit arrive. Il y a les keufs, regardez, il y a assez de voitures de keufs, ça. Je vais mettre le régulateur à 80. Enfin, là, je laisse à 87. On voit... Non, en vrai, ça va. Oh, là, c'est les meilleurs temps, là. Bonne nuit à ceux qui partent. Oui. Regardez ça. J'adore. Tu regardes des animés? Non. Pas du tout. Fais en live MX Bike un jour. Hein? Non, en vrai, je pense que je ferai en live. Bah, du coup, prochain live, on fera en live sur. Demain, live farming. Demain, live farming, chaîne principale. C'est beau, ouais, c'est beau de ouf. Hein. Et après, lundi, il y aura une vidéo sur ma chaîne principale. Mardi, il y aura rien. Mercredi, il y aura rien. Jeudi, bah, peut-être que jeudi, on refera du farming sur la map Italia. Je pense. Et après, on verra... C'est quoi, elle est stylée, cette voiture? C'est quoi? Je sais pas. On fera du farming sur la map Italia, ouais. Et après, on refera du Euro Truck. Enfin, on verra ça. Mais du coup, là, c'est le dernier live Euro Truck. À part demain, peut-être. Mais c'est pas sûr. C'est quoi ça? Carballo. Regardez les lumières des camions et des feux. Waouh. Après, c'est parce que je suis en graphisme élevé. C'est aussi pour ça. Si je mets mes warnings, ça fait quoi? Oh, comment ça reflète. Trop stylé. Si je klaxonne. Tenez la gauche. Oula. Tenez la gauche. Je tiens la gauche. Ah mais t'es pas modératrice, Mel. Oh merde. Ah non, c'est bon. Je crois que je m'étais chié. Bah regardez, il fait nuit, hein. Donc c'est good. Hein. On va s'arrêter là et puis voilà. Ça sera presque minuit. Voiture, c'est une Ford Mustang. Hello Bastien. Ah mais t'es encore là, hein. C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? De quoi tu parles, Mel? Modératrice. Hein? Ah, modératrice, c'est que t'as la petite clé. Mais je l'ai mis à une pote, mais je l'ai pas mis à toi. En gros, je te vois mieux dans le chat. Parce qu'en fait, sinon, je vois mal les pseudos des gens. Tu viens quand à l'ETA Denis Clouchy? Je sais pas du tout, mais à ce qui paraît, c'est une ETA incroyable. Ah, c'est trop beau là, c'est trop beau. Ah, mais je l'avais avant. Tu l'avais avant? Ouais, mais c'est ma chaîne principale. Ça, c'est ma chaîne secondaire que t'es là. Enfin, mon live que je fais. Ou alors c'est une fausse. Non, c'est la vraie. Non, je sais pas. À quand David Feb? Je sais pas. Alors, attends, c'est où là? Faut aller livrer où? Là? Ouais, mais on rentre. Ah ouais, on rentre par derrière. Ah ouais! Stylé. Attends, du coup, la remorque, elle est comment là? On la voit bien la remorque? Ouais, ça va. Sortez maintenant. Ok.
Alors, tu connais Sim Farmer? Pas trop, pas trop, pas trop. Oula, attends, on va où là? Je crois que c'est là qu'il faut passer. Tournez à droite. Comment on ouvre? Ok. Merde. Coucou Stereo. Waouh! Oh, mais c'est impossible là! Oh! Et comment on rentre? Oh, mais là, ça va être chaud là. Non? Non, ça passe. Ouais, c'est limite. Hein. C'était limite. Donc. T'es au Portugal. Ah, je crois bien, non? Non, je suis à Bilbao. Je suis revenu. Je suis revenu en Espagne. Mais j'étais au Portugal tout à l'heure, ouais. Il y a un mec qui a envoyé un texto sur Insta. Ah, qui s'est passé pour moi? C'est possible. Fais une série farming sur Nomos Land. Non. Ok. Bon, bah, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Hein. En tout cas, j'espère qu'on aura bien roulé. Je pensais pas faire en live si long. Oula, oula, oula. Mais c'était vraiment stylé. Normalement, on est good là. On devrait être good. Non, je suis mal placé. Non, je suis mal placé. Je suis mal placé. Attendez, comment je me mets bien là? Attendez, si je mets en vue 3. Ah voilà. Attends, il faudrait que je recule parce que là je fais de la merde. Oh non, j'y arrive. Et est-ce que j'arriverai pas à reculer ma... Non. Attendez, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça part en couille, mais nickel. Là, on fait comme ça. Là, je reviens. Je pense que ça devrait fonctionner là, non? Non, ça veut pas. Non! Putain, je suis mal mis. Mais comment je fais pour me remettre bien là? Je vois même pas où je vais là. Oui! Ouh! Allez, maximum de GG dans le chat. Les gars, on a terminé! Hein? Ah non, attends, j'ai fait de la merde. Attendez, il y a un souci là. J'ai décroché ma armoire. Attendez, pas de GG, c'est pas fini. Merde! Fallait que je fasse E, je crois. Voilà, E, et là, déchargement. Là, vous pouvez écrire GG. Je trouverai un nouvel itinéraire. Excellent, magnifique. On a fait 300 litres, on a fait 600 bornes, 7 heures de trajet. Oui, magnifique. Voilà. Bon, bah, nickel. Nickel, les gars. Nickel. Bah, écoutez, on va se laisser là. Hein. Ah, mais oui, du coup, c'est ma remorque. Oh putain, c'est vrai que c'est ma remorque. Ah oui, il faut repartir avec la remorque, là, ça veut dire. Ah, mais ça arrive, attends. On sort par où, là? Pour refaire demi-tour? Magnifique. GG. Ah. Attendez, on va faire comme ça. Un petit coup de turbo. Et bah, on va se poser. Bah, je sais pas où on va se poser. Hein. Il y a même pas de zone. Donc, on va s'arrêter là, en fait. Hein. On va s'arrêter là. On va dire, je mets sur le côté, là. Voilà. Nickel. Et on va faire quitter le jeu. Voilà. Bon les amis, merci d'avoir suivi ce stream. C'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était vraiment stylé. Merde ma caméra. Par contre, dès que je quitte mon jeu, ça marche. Ça fait bugger le truc. Magnifique. Ouais, j'espère que vous avez kiffé ce stream en tout cas. C'était vraiment sympa. Et je suis un peu fatigué, mais ça va. Bonne soirée, à bientôt. Vous avez été 2000. Enfin, c'était incroyable ce live. Oh merde. Oh, le live a dû bugger, désolé les gars. Le live a dû bugger pendant un moment. Oula. Ma caméra va bien, vous inquiétez pas, ma caméra est vivante. C'est bon. Voilà. C'est bon. Écoutez, du coup, merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain, normalement. Demain, les amis, nouveau live sur... je sais pas trop quoi. Sur bah, Farming, si. Live sur Farming demain à 20h30. Je pense pas live l'après-midi parce que je sais pas... Enfin, je pense pas live l'après-midi. Je vais essayer de rester dehors, quoique s'il pleut, je liverai. Bah, si jamais demain il pleut chez moi ou quoi, c'est la merde, je liverai demain après-midi sur cette chaîne, sur Eurotruck, toujours et encore. Et demain soir, chaîne principale, on live sur la série des producteurs français. Lundi soir, il y a une vidéo, chaîne principale. Mardi, il n'y aura rien, à part si je tourne une vidéo sur ma chaîne secondaire, mais je sais pas, parce que je suis pas là mardi. Mais pour ça, venez sur Instagram. Merci, on a dépassé les 49 000 sur Instagram, donc déjà merci beaucoup, ça fait trop plaisir. C'est vraiment un BG des îles. Un BG des îles. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit live les gars. Maximum de chenilles et de cœurs dans le chat.
Et du coup, à la prochaine. Et à demain, ceux qui sont là demain. Allez, à plus tout le monde. Bonne nuit.